Bonne année 2019. Elles viennent du Haruka Café, le Full Manga Podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho-san en live du Kensington Café à Nancy. Pour m'accompagner, comme tous les mois, et nous sommes au complet, je tiens à dire, nous sommes au complet ce mois-ci. Comme le pain. Il y a, on va commencer par Inès, on est aux dames, c'est la Saint-Valentin. Oh, Inès, dame, elle t'a mis 20 ans, 30 ans dans la tronche d'un coup. Attends, elle est avec des yeux, faut qu'elle assume. Hein. À ce point-là, ça va. Ami Inès. Bah tiens, garde le micro, Kino. Ah bah le braton, le braton à tel arrest. Je sais pas si on me voit. Coucou. Oui. Ça va? Bah bonjour tout le monde, ouais. Bien, écoute, en forme, t'as l'air en forme. Hein. Bah oui, ça plein, va. Est-ce que t'es plein de hate aujourd'hui? Non, pas tant que ça va. Cool, ah, ça me fait plaisir ça. Bon, ouais. Et puis nous avons Nico, Atuman. Qui joue aux jeux vidéo Atu, déjà. C'est plus Atumanga, c'est Atugame, ça va être maintenant. Comment tu vas? Bah écoute, je suis en train de gagner des nouvelles cartes sur mon jeu Dokkan Battle, donc je suis heureux, bien sûr. D'accord, ça fait toujours plaisir de savoir à quel point tu es... Assidu. Et discipliné. Ah bah ceci dit, il est discipliné, hein. Chaque manga il joue aux jeux vidéo, il est bien droit là-dessus. Non, il y a une fois où je n'ai pas joué. Ouais, il y a une pas fois de réseau. Et j'étais hyper sérieux, j'ai beaucoup parlé en plus à ce moment-là, et je n'ai pas perdu une seule fois le fil des conversations. Rappelez-vous, c'était le dernier ou l'avant-dernier, je n'ai pas joué une seule fois. Ça m'a manqué d'ailleurs. Ça m'a pas rendu, bravo, ça m'a pas rendu compte. Bravo. Ok, au programme de cet épisode 22 d'Arokia. Quand même, hein. Ah oui, c'est ça, la vache, hein. On a plus de cheveux là. ça fait longtemps. Moi j'en avais au départ, moi. On commencera par le manga chouchou de Inès, Jagan, de Miyuki Kaneshiro et Kensuke Nishida. Il s'est planté le truc. Seinen, un tome en cours chez Kaze. Ensuite, ce sera le tour de Kitaro le repoussant de Shigeru Mizuki, Shonen, 11 tomes finis chez Cornelius. N'a qu'un œil. Tout à fait. Ce sera au tour de Shinobiri après un global manga de Lin, la mangaka Lin, 3 tomes en cours chez Tengu Edition. Je vous mets le tome 2 parce que sur le tome 1, on voit pas le titre de la série. On en reparlera ça. Française, elle est française. Ouais. Nico nous en parlera. Ensuite, ce sera le tour de Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi, 29 tomes en cours chez Akata. Ouais. Et nous terminerons par Beastars de Paru Itagaki, Seinen, 2 tomes en cours chez Kiun. Il y a beaucoup de furie. De furie. Beaucoup de furie. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je disais la dernière fois quand je vous ai présenté le manga de Shen, enfin je sais plus comment il s'appelle. Oui, voilà. En fait, c'est du furie, mais pas comme on l'imagine le furie, c'est le côté avec comme voilà. La Beastar, c'est les animaux version humanoïde. Ah oui, c'est ça, je sais même pas qu'il y avait ce nom là. Enfin, on l'appelle comme ça. C'est surtout dans les conventions où les gens qui se déguisent en animal dans ce squelette, on appelle ça plutôt le furie dans ce domaine-là. Ah, c'est un furet en fait, mais c'est raté quoi. Anthropomorphisme, c'est pas mal. Comment il y a un terme en français pour ça. Il a chié sans costume et puis on a été sympa, on a dit oh t'es furie. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours, ces mangas bons pour la santé, mauvais pour l'éducation. Oui, je veux ce générique. Je veux ce générique. C'est important. Ce jingle. Oh, c'est très important. Ah oui, ça me dépasse si tu le fais pas. Bah tiens, encore une fois, tu vas garder la parole. Moi? Oui, ça te dérange? Ah, il sait plus, il est là. Ah, bah, il a pas pris ses notes et tout. Big land, le mec. Vous savez qu'il faut toujours être prêt avec moi parce que j'aime bien. Moi, ça dégaine. Ça dégaine. On dirait vraiment un prof, vous remarquez quand même, ces trucs de prof, je déteste, c'est le moment où je flippe quand il commence à dire ça pour la préparation. L'autre fois, il m'a acheté une craie à la tronche. Radote, pépère. On vient avec plaisir à ce podcast. L'homme qui marche, Kino. L'homme qui marche, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins. On a du mal à voir tout le monde. Ouais, dès qu'on peut sécher, on le dos tourné, vous tirez la paille, courte paille. Qu'est-ce qui passe ouais. L'autre fois, j'ai fait un faux mot de ma mère et il l'a trouvé et j'étais obligé de rester. Allez, parle-nous de L'homme qui marche de Taniguchi. Ouais, mais c'est un chef-d'œuvre. Hein. Bon, c'est, évidemment, là, je vous apprends rien. D'abord, Taniguchi. T'es un vendu de Taniguchi, de toute façon. Bon, pas plus que ça en plus. Non, France. Non, mais je déteste pas, mais je suis pas un grand fanat. J'ai même pas tout lu, rien. Ah oui, le RG japonais. Oui, c'est pas mal trouvé, ça. Non, mais si, pourquoi pas, allez. Alors, non, le RG japonais, c'est Tezuka.
C'est Tezuka. En fait, il faut savoir qu'il y a même une œuvre qui est sortie et qui expliquait ce sur RG. Et dedans, à l'intérieur, il marquait le RG japonais, c'est Tezuka. Il est considéré comme le RG japonais. Et moi, je trouve ça que c'est pas tout à fait vrai parce que pour moi, malheureusement, RG n'a pas le talent de Tezuka. Merci. C'est un autre débat, comme tu dirais. Mais c'est un autre débat. D'habitude, il termine comme ça, Nico. Bon, allez, mais ceci est un autre débat. Je vais voir monter. Bon, allez, vas-y, accouche. Bah, c'est bien, lisez-le. Ok, donc ensuite, Inès, vas-y. Non, mais d'abord, non, je l'aime beaucoup parce que je l'ai peut-être déjà dit ici, mais j'aime quand c'est simple et efficace. Et là, c'est le cas. C'est épuré à l'extrême. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus, quoi. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à lire, ce genre d'œuvre. C'est un manga. Je pense que on peut voir plein de choses. Moi, je vais le présenter comme ça, sur la reconnexion. La reconnexion avec les petits plaisirs du quotidien et avec ce qui est extérieur à soi-même et qui permet de vivre plus heureux et de profiter un peu mieux de ce qu'il y a de bon dans notre monde. Et en fait, c'est un homme, ça commence comme ça, le premier chapitre, l'homme part faire une balade dans son quartier. Ce qu'il faut savoir, je vous l'ai dit, c'est épuré, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Hein. C'est très peu prolixe. Ah ouais, non, mais ça c'est très très bien. Et donc il va se promener dans son quartier, puis il va repérer un oiseau. Et puis un peu plus loin, il va voir un gars qui observe les oiseaux et qui va lui dire « Oui, ça c'est tel oiseau, celui-là, regardez qu'est là-bas, c'est telle espèce et tout. » Et donc il se rend compte qu'il ne connaît rien alors que ça l'entoure au plus près de lui. Et du coup, il va s'acheter un bouquin sur les oiseaux à la fin du chapitre. On voit qu'il a acheté un bouquin d'ailleurs. C'est pas, on le voit pas l'acheter, mais on voit qu'il a acheté un bouquin sur les oiseaux. Et voilà, je cite ce premier chapitre. Juste, c'est très simple parce que tout est découpé comme ça. Alors, un chapitre tient compte du précédent, mais il n'y a pas d'intrigue. Et tout va être comme ça, de cette reconnexion qui se fait avec la nature, mais pas seulement. Je pense que c'est la bonne idée déjà, c'est qu'en fait, c'est à travers la ville. C'est à travers la nature qui est dans la ville. Alors, au Japon, il y en a plus qu'ici, mais c'est quand même faisable en France aussi. Je pense qu'il y a plus de parcs. Ils n'abattent pas tous les arbres comme ici. Voilà, entre tradition et modernité. Et mais justement, et je trouve que c'est la bonne idée parce que on a nos origines dans la nature, nous l'homme quand même. Mais si on faut aller faire un trek en Islande de 9 mois pour se retrouver, le manga il parle plus à personne quoi. Mais non, tu vois, dans les forêts, dans les Vosges. Ouais, ben voilà. Non, mais là même pas. Là, je veux dire que là, tu vois, enfin voilà. Dans le parc au pied de son immeuble. Ben voilà, prendre du plaisir de s'installer sous un cerisier, discuter avec quelqu'un que tu rencontres là. Voilà, quelque chose aussi simple que ça. Et c'est pas qu'avec la nature, c'est aussi avec les humains. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup où il va se mettre à suivre un vieillard dans la rue. Je crois que ça s'appelle Un long chemin, il me semble. Ouais, non mais en tout bien tout honneur. Et puis à un moment donné il va doubler le vieillard il va le redoubler, et puis à un moment donné il s'arrête et le vieillard l'attend et hop ils reprennent la balade ensemble. Il n'y a pas un dialogue, tu t'en fous d'où ils vont, tu ne sais pas pourquoi ils se suivent, et la rencontre elle est comme ça entre les deux quoi. C'est le Taniguchi que j'aime pas quand ça parle trop comme dans c'était K qu'on avait lu. Ouais, mais ça parlait, ah oui si, ça décrivait beaucoup de choses, là on est d'accord. Off. Et bah, je vais vous donner des exemples de titres de chapitres comme ça vous allez voir. Observer les oiseaux, tombe la neige, grimper à l'arbre, il pleut, nager la nuit sous le cerisier, tu vois. Voilà, on a compris tout de suite la reconnexion. Moi, j'aime beaucoup le « il pleut hein. ». Il va s'acheter un livre. C'est normal, t'es breton. Ouais, et puis il va s'acheter un livre et il commence à pleuvoir, donc il court. Puis au bout d'un moment, il arrête de courir. Autant profiter de la pluie. Exactement. Et puis il rentre chez lui, oui, ça, rentre chez lui et il se prend un bon bain après. Ah voilà, je suis d'accord. C'est tout, quoi. Ah oui, j'adore. Non, mais donc, je déteste ce genre de choses-là, même si je trouve que ce manga est très bon. Je trouve vraiment ce genre de choses-là, mais non, on n'apprécie pas la pluie en ville. T'as toute la pollution et la merde qui te tombe dessus, ça ne te lave pas, non, ça mais pue. Et le manga, c'est l'inverse. C'est oui, mais la différence, c'est que vous êtes déjà pris la pluie au Japon. Non, tu profites pas. C'est comme si tu te prenais à chaque fois des pains à chaque goutte qui te tombe sur la tronche. Si tu n'apprécies pas, tu vois, quand t'as une tempête c'est ça, de il faut pluie apprécier. Chez nous. Tu apprécies une tarniole, oui, on peut, hein, c'est un style. Mais le problème, c'est que. Il n'y a que les SM qui sont dans la rue les jours de pluie au Japon. Mais c'est fou parce que vous voyez, quand chez nous il pleut dru et qu'il fait tellement. Quand ça tombe et qu'on se dit putain, mais ça va être l'apocalypse dehors, et ben chez eux, c'est une brise. Là, c'est la petite pluie qui tombe fine chez un eux. Petit crachin breton. Voilà. Ben, c'est un truc comme ça, c'est le rideau de pluie. Donc au Japon, quand le ciel devient un peu vert parce que tu sais qu'il va pleuvoir, tu lèves les yeux, d'un coup tu baisses les yeux, il n'y a plus personne dans la rue. Non, mais il parle de la saison des pluies là. Moi j'y étais, il n'y a plus. Je suis désolé, ça va, c'est comme chez nous, faut arrêter là. Non, en plus j'y étais pour le Hanami. Excuse-moi, c'est pas la saison des pluies. Ah non, c'est. Oh, ouais, c'est effectivement, t'as raison. Ouais, t'as raison. Mais il n'y a plus. Oui, il n'y a plus. Le ciel était vert fluo.
Et ça t'a plu? Ouais. J'ai cru qu'il y avait Godzilla qui allait arriver. Non, je suis sûr. Quand vous voyez voilà, ce ciel vert fluo, tu te dis que là. Oui, bon, bref, après c'est aparté. Ça lui fout le jalon en l'air, là, c'est tout. Donc c'était bien. Ouais, juste pour, allez, pour finir en quelques mots, ouais, il y a peu de texte, c'est surtout sur les dialogues, mais c'est vraiment le minimum. Hein. Mais il y a un dernier chapitre très différent. Oui. Ah oui, parce que le dernier chapitre, et c'est vraiment très astucieux, je trouve. On est 10 ans plus tard. Oui. Et là, il se rebalade. Et dans toutes les cases, il y a une voix off qui est sa pensée. Oui. Et là, il nous dit, en fait, tout ce qu'on a compris avant. Sauf qu'on est 10 ans plus tard. Et le mec est capable voilà, d'expliquer, d'expliciter son bonheur, ce qu'il a acquis, ce qu'il a gardé, quoi. Et ce qu'il a intégré à sa vie. Et moi, j'aime beaucoup cette idée du dernier chapitre comme ça. Et je trouve que c'est rare de voir une œuvre qui, avec aussi peu, puisse avoir une portée philosophique, existentialiste aussi forte. Parce que franchement, il faut dire, ça se lit en un quart d'heure, 20 minutes. Hein. C'est pas beaucoup plus. C'est ce qu'il me faut en ce moment. Ouais, non, pas beaucoup plus. Et avoir ça, parce que moi, je me rappelle, comment il s'appelait là, le Wolverine de Niais, il se lisait en 12 minutes, mais t'avais aucune portée, par contre. C'était sympa, mais t'avais aucune portée. Et vraiment, moi, je le conseille à tout le monde de le lire pour se retrouver un petit peu, pour les gens qui seraient un peu égarés, là, plutôt que des livres là, de bien-être là, et tout ça, là, toutes ces conneries. Prenez ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça te force pas à avoir une opinion, à avoir l'opinion de l'auteur. Oui. C'est assez libre, parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de. Donc, on t'impose pas une idée, une idéologie ou quoi que ce soit, un mode de pensée. Tu vas t'en tirer ce que tu veux de ce truc-là. Et juste pour finir, oui. Je lis la dernière phrase, parce que je pense qu'elle résume bien tout le truc. Lentement, j'ai longé le bord sans chemin de la rivière. Voilà, avec ça, tout est dit. Je vous conseille de le lire. Non, ça résume bien. En fait, t'aurais dû dire que ça, en fait. Parce que histoire de meubler un peu, de dire que je l'ai lu, quoi. Et puis pas de faire acte de présence. Ah non, il faut. Important. Inès, prends le micro, tu vas le garder bientôt, de toute façon. Je voulais dire quelque chose, ça me fait beaucoup penser à un film qui est sorti, un film japonais, c'est Little Forest. Je ne sais plus le nom du réalisateur, et c'est aussi une fille qui vit dans la montagne, et elle s'adapte aux saisons, elle chasse, et ensuite on la voit cuisiner, etc. Vraiment, c'est un film ou un animé? C'est un film. D'accord. Et c'est très très calme, il se passe, c'est aussi la contemplation, etc. Et en fait, c'était adapté d'un manga, je ne sais pas si c'est Little Forest, le titre principal. Ouais. Mais en fait, c'est fait par un auteur, j'ai plus le nom, il a fait Les Enfants de la Mer. Pas de la baleine. Non, pas de la baleine. Je sais pas si tu vois, il a fait encore un autre grand manga, mais je sais plus lequel. Je crois qu'on avait vu un de ses mangas. Alors là, comme ça, on recherchera. Hein. Vas-y Inès, continue, du coup, on verra. Nico est en recherche. Je sais plus. Ouais, je sais plus en tout cas, mais en tout cas, je te conseille Little Forest. Bah ouais. C'est vraiment tout à fait la même chose, il me semble, parce que ça fait un moment que je veux le voir. Là. Et c'est exactement ça. Quand on pense forêt, on pense Kino. Bah garde le micro Inès, voilà. Parce que là on quitte la forêt, on quitte Taniguchi, on va dans un classique, Hunter x Hunter. Alors Inès, qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais commencer par dire, alors je vais vous présenter un manga niche que personne connaît, mais vraiment personne. Non, c'est pour le mois prochain ça. C'est que les pros qui connaissent, voilà quoi. Mais en fait du coup Hunter x Hunter, pourquoi? Parce que mon copain m'a dit, ah nini, tu t'as toujours pas lu Hunter x Hunter, nani nanana. Et celui qui a dit du mal de Gun, c'est ça? Ouais. Bon, c'est bon. Alors, on passe à la prochaine chronique. D'accord, vas-y, Inès. C'est une crise conjugale, elle est obligée de lire Hunter x Hunter. Du coup, moi, je voulais toujours le lire aussi. Vas-y, Inès. Je voulais toujours le lire aussi, et il avait quelques tomes. Et du coup, il m'a acheté les tomes manquants, donc j'en suis au 8e tome. Et c'est bien, hein? Ah, c'est pas mal, hein? Ok, bah ça vas-y. Pourquoi c'est bien? Ça parle de quoi? Alors, c'est compliqué à dire pourquoi. Ouais, parce c'est que bien. Là, tous nos auditeurs ne sont pas des connaisseurs de manga. Bah, c'est compliqué à dire parce que. Bah, déjà, on sent une maîtrise dans le manga. C'est classique sans lettres, en fait, ce manga. On a toute une bande de personnages qui est encore à développer, mais pour l'instant, ils sont tous très bien écrits. On a, en fait, des arcs qui s'enchaînent. Et c'est très bien comme l'examen des Hunter, où là vraiment ça s'enchaîne sur 3-4 tomes. Et c'est vraiment, il y a des examens très intéressants à lire, où par exemple au début ils sont obligés de courir et courent. Ensuite, si je me rappelle bien, ils sont dans une forêt, ils doivent éviter des bêtes, etc. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est Hunter x Hunter, c'est la suite de L'Homme qui marche.
Non, non. Oui. C'est l'épisode de... Parce que tu m'as dit, il court. Mais alors, raconte-nous, c'est quoi Hunter x Hunter ? Alors, Hunter x Hunter, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà... C'est indéfinissable, tellement c'est bien. Non, c'est pas indéfinissable, en fait. C'est là qu'elle sent que t'es un prof quand tu lui poses des questions comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc bon, c'est une question générale. Les profs, ils vont chercher plus loin, non ? C'est plus vicieux. Alors, en fait, c'est dans un univers fictif, mais qui ressemble beaucoup au nôtre, où on suit Gon, donc le personnage principal, qui souhaite devenir un hunter, comme son père. D'accord. Et quand pas on un, est... Pas quand... un farmer. Non. D'accord. Quand on est hunter, en fait, on a déjà la possibilité de voyager un peu partout, parce qu'on a une carte gratuite et tout. Enfin, c'est vraiment un rôle prestigieux où on a plein de choses qu'on peut avoir, comme l'argent, le fait de se balader partout, d'avoir accès à des lieux qu'on ne peut pas, etc. Enfin, c'est vraiment un rôle prestigieux. Mmh. Et on peut un peu choisir quel hunter on veut devenir si on veut totalement vivre en ermite et analyser des animaux. On peut, si on veut sauver des gens, si on veut être un peu un hunter méchant. Enfin voilà, il y a plein de possibilités et il y a des milliers de personnes qui veulent devenir hunter. Et donc pour devenir hunter, donc des milliers de personnes veulent devenir hunter, il faut passer un examen. Et dans cet examen, bah, y a plusieurs sous-examens et vous pouvez mourir évidemment. Et c'est un examen très compliqué. Il y en a très très peu qui peuvent avoir le titre à la fin. Ça peut être de 5 à 10 par exemple. Ouais. Et donc on a notre personnage principal, Gon, qui va tenter l'examen et il va rencontrer du coup d'autres persos qui vont l'accompagner. Et c'est un arc, l'arc d'examen Hunter. Puis ensuite, il y aura d'autres arcs. Et pour l'instant, donc, comme j'en suis au tome 8, j'en suis, pour les connaisseurs, après la Tour Céleste. Et il n'y a pas de temps mort en fait dans ce manga, ça s'enchaîne comme je l'ai dit. Mmh. Et c'est très bon. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais c'est juste très bien maîtrisé. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie ou autre. Les personnages sont tous bien écrits, mais j'attends de voir pour l'instant parce que Hunter x Hunter, c'est vraiment à ce qui paraît le shonen qui a tout bousculé, où on dit oh, c'est vraiment un génie, etc. Et j'attends de voir. Je pense que pour ceux qui savent, il y en avait. Je crois que c'est l'arc qui met tout le monde d'accord ou pas. C'est l'arc des fourmis. Donc j'attends d'avoir cet arc là précis. Mais pour l'instant, c'est un shonen classique, mais je sais pas. Il y a vraiment cette petite touche qui fait que c'est bien. Mais j'attends de voir. Mais vraiment, pour l'instant, c'est très bien. Et surtout, je paye pas. Donc. Okay. On me les prête, je suis très content. Ah là là, ça compte. Inès, les bons plans. Inès, les bons plans, Inès, la radine. Attention, fais gaffe, hein, ça peut glisser rapidement. Tu voulais dire quelque chose, Nico ? Alors, il faut savoir que la petite anecdote sur Hunter, donc déjà, c'est l'auteur qui a fait Yu Yu Hakusho, donc qui est très connu dans le domaine. Et à l'époque, il a failli arrêter le manga à cause d'un autre mangaka, d'une autre histoire, c'était celle de Jojo's Bizarre Adventure. Quand il a lu la première fois Jojo's Bizarre Adventure, il s'est dit comment un auteur a-t-il pu monter aussi haut dans un domaine d'écriture, d'histoire, de personnages, de profondeur. Et donc, à la base, il voulait arrêter carrément le manga. Et il s'est fait pousser justement pour qu'il continue. Et c'est grâce à ça qu'on a eu du Hunter. D'ailleurs, pour les lecteurs de Hunter, les gens connaissent Hisoka. Hisoka, c'est un peu une sorte de clown comme ça, un mec bizarre. Ça, ben, c'est un personnage, sorte de Joker magicien. Voilà, ce personnage-là, en fait, il est le clin d'œil de Jojo's Bizarre Adventure parce qu'il prend souvent les Jojo poses. Il a la manière d'être, c'est vraiment dans Jojo. C'est un pur clin d'œil. Il faut savoir que Hunter est un pur manga dans shonen, on va dire classique pour certains, dans sa construction, mais en fait, dans sa profondeur, dans ses thèmes, dans ses histoires et surtout dans son scénario et dans ses dialogues, on est dans le seinen. On n'est même plus dans le shonen. C'est une série qui est tellement poussée à un tel niveau que si demain l'humanité devait avoir des pouvoirs, je précise bien des pouvoirs, si vous, ceux qui ont lu le Hunter avec le passage du nain et compagnie, ça serait exactement ce qui se révélerait dans l'être humain, dans la manière d'être. C'est tellement intelligent, tellement poussé au niveau des énergies, de la façon de voir de autres. C'est un auteur, c'est un peu comme l'auteur de par exemple de Gun. Dans Gun, il adore par exemple tout ce qui est physique, chimie, quantique, biomécanique et philosophie. Tout ça. Et il pousse tout ce qu'il donne en donnant des détails, en disant si on avait telle technologie, ça ferait ça parce qu'on peut faire ça. Et bien dans Hunter, c'est à peu près la même chose. Il se base sur tellement de choses, sur tellement d'analyses, c'en est incroyable. Et
tout est très 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 intelligent. Il a toujours au moins 4 ou 5 coups d'avance dans une réflexion ou dans une présentation par rapport. Et l'un des meilleurs exemples, c'est ceux qui ont envie de lire quelque chose, de pousser dans sa réflexion, dans son écriture, comme, jusqu'où il en est capable, c'est de lire un manga qui s'appelle Level E. Ouais. Si vous lisez ça, vous verrez que l'auteur dans Hunter ou dans Yukosho, eh ben, il est vraiment gentil parce qu'il ne vous met pas tout. Parce que s'il pousse sa réflexion comme il peut la pousser, c'est du level E. Level E, c'est par exemple, tu as 3, 4, 5 pages d'affilée où tu n'as que de l'écriture et quasiment zéro dessin. Et c'est tout intelligent, c'est comme des conversations, c'est tellement dense, c'est fou. C'est le pur mélange entre le roman et le manga pur et simple. C'est pour ça que là, sur le coup, Hunter est une des plus belles perles. Le Alan Moore japonais alors. Toi, tu sors ou je vais t'arracher le cœur à la petite cuillère en plastique. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que... Non, Alan Moore, c'est quand même plutôt pas mal. Non, c'est extraordinaire aussi Alan Moore, je ne dirais pas le contraire, j'aime beaucoup. Mais sinon, il y a aussi dans Hunter, là, il faut savoir que c'est une des rares séries au Japon, même en France, quand un volume sort, le volume qui sort se vend plus que les précédents quand ils sont sortis. À sa sortie en France, pour les derniers tomes, tome 34-35, ça a fait une taille hype, que ça a tellement relancé la série, que c'est actuellement, il est considéré encore aujourd'hui dans les 20 séries de fond qui font tourner 50% d'un magasin. 50% d'un magasin de manga est tenu par du fond. Et sur ces 50% de fond, il y a Hunter qui en fait partie. Et à chaque ressortie de volume, et quand on a de la chance, on a deux par an, quand on n'a pas de chance, on n'a qu'un, mais par an, à chaque fois que ça sort, ça relance tellement la série qu'une série des séries complètes se revendent derrière. C'est l'une des rares séries qui arrive à faire ça avec Berserk. Et l'autre, c'était, il y en avait trois comme ça, il y avait Berserk, il y avait ça, et c'est Prison pas... Prison, Eriku et Space Brothers. J'aimerais bien, mais malheureusement. Mais je vous le dirai, j'ai tous les documents ici, parce que j'ai fait une réunion chez les libraires spéciales. Non, je vous donnerai les 20 si vous voulez, si ça vous amuse, mais vous verrez, c'est quand même impressionnant. Mais cette série est vraiment une série très 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 forte dans ce domaine-là. Et je pense que ce qui peut faire sa qualité, c'est aussi que ça ne s'enchaîne pas, que l'auteur n'est pas obligé de sortir un chapitre tous les mois. En fait, il sort, il me semble, pendant 6 mois les chapitres, et je crois que les chapitres, ils durent quand même 40 pages, etc. Et ensuite, il fait une pause de 6 mois. Donc, je pense que ça peut aussi expliquer... C'est pas tout à fait vrai. Il sort tous les 6-8 mois en moyenne un manga. Ouais. Donc ça, c'est en courant. La problématique, c'est qu'en fait, il a eu... c'est un auteur qui a eu beaucoup de soucis. Il a eu beaucoup de soucis de santé, aussi bien physique que psychologique, parce que c'est un auteur qui est adepte des... comment ça s'appelle ce truc dépression nerveuse. Ah. Donc, en fait, il fait énormément de dépression. Il fait pas mal de dépression. Ah oui. carrément. Tu sais, il a une petite carte de fidélité comme ça. Si tu regardes si tu recherches sur Internet, c'est très drôle parce que cet auteur, il a tout eu. Il a eu le cancer, le sida, il a été amputé, il est devenu aveugle, il a tout eu. Hein. Donc c'est l'auteur qui a tout eu dans la vie. Il serait pas un peu repoussant, ton Kitaro là ? Non, mais c'est ça qui est très drôle. C'est qu'en fait, si tu regardes sur Internet, il a tellement de rumeurs sur lui, sur des trucs qui lui ont arrivé, c'en est impressionnant. Il faut savoir que même. Des rumeurs et des tumeurs. Limite, non, mais on croyait. Hein. Donc il a quand même été. C'est un auteur quand même, quand il était marié avec l'auteur de Sailor Moon, quand il était à l'hôpital, il faisait le storyboarding et c'est sa femme avec le studio qui faisait des volumes. Donc je crois que ça doit être le 24, 25, 26 dans les Zola. C'est sa femme qui l'a réalisé avec son équipe et lui qui a fait le storyboard. C'est quand même assez impressionnant. Et c'est un auteur qui malheureusement fait souvent des dépressions, qui a souvent des soucis et à cause de ça, des fois, il peut mettre du temps à sortir. Mais il y a une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, en fait, il a sorti un volume et je suis désolé, j'aime bien. Je sais ce qu'il va dire. Donc il sortait un manga et d'un coup il a dit voilà, comme je n'ai jamais pris vraiment de vacances, j'ai toujours des problèmes et donc j'étais en arrêt par des problèmes. Donc là il s'est dit je vais prendre des vacances. Il s'est mis en vacances et c'est un auteur qui s'était acheté une console à l'époque et pendant 8 ans il n'avait pas joué. Je crois que c'était Dragon Quest 8, il était en train de jouer devant. Ouais. Il s'est pris une photo en train de jouer et les haters lui ont balancé des au lieu de jouer, de glander, va travailler. Ça le feignant. Il a fait ok, il a sorti un volume, il l'a sorti. Quand il est sorti, ce manga a fait une telle. C'était une apothéose, que c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle épopée, c'était le nouveau cycle. C'était après les hommes fourmis, ça a été le tome 32, il me semble, si j'ai pas de conneries, quand il est sorti. Ça a été tellement. Waouh, les gens se sont dit, mais putain, c'est génial! Il n'a jamais été aussi bon, son histoire n'a jamais été aussi bonne. Et là, il a dit, c'est simple, à partir de maintenant, je vous dis au revoir et je pars. Et maintenant, c'est le dernier que vous allez avoir à voir des années. Il est parti pendant presque 4 ans. Et il a dit merde aux gens. Vous me faites chier, vous me critiquez, vous faites des haters, et bien il se barre. La haine attire la haine. Ah, c'est ça. Et donc il l'a fait comprendre. Et donc les gens sont retournés contre les haters en disant la prochaine fois vous fermerez vos mouilles. Et derrière, son contraire, ils ont été derrière. Et
à sa sortie. Maintenant, tout le monde l'attend avec impatience sans aucun hater. Aujourd'hui, c'est un des rares auteurs où il n'y a plus aucun hater qui lui parle. Parce que s'il y a un hater qui arrive, il se fait dézinguer par la communauté fan de l'auteur. C'est vraiment un truc énorme. Tu vois à quel point le manga il est très bon parce qu'il tient ses fans dans la main, tu vois. Et jamais ses fans l'abandonneront, je pense, tu vois. D'ailleurs, j'ai la petite information que tu posais tout à l'heure pour le Little Forest. En fait, c'est Daisuke Igarashi qui l'a fait. Et donc, voilà, c'est un auteur qui est très connu, qui a fait des trucs extraordinaires. On le connaît effectivement par Saru, par Anashipanashi. Il a fait Sorcière, Les Enfants de la Mer. Donc, c'est un très, très grand auteur. Et effectivement, il a participé visiblement sur la réalisation de ce film de Little Forest. Merci, Nico. Alors moi, je vais vous parler de Destin Parallèle. Comme si vous vous souvenez, on avait fait la chronique de Destin Parallèle à la sortie des deux premiers tomes 1. Hein, donc je vous explique le concept de Destin Parallèle de Daisuke Imai. Lui, c'est Imai, l'auteur de Sansu, si vous vous souvenez. Nyaki Imai, Imai. Merci Nico. Kino, vas-y, ça t'apprendra. Tiens, merci Nico. Voilà. Les vagues pourries, tu dis Nico. Et puis pour les bonnes, tu diras Kino, merci. Donc le concept, c'est quoi? C'est de raconter une seule et même histoire. L'histoire de Chihiro et de Yukishi. Deux étudiants qui vont progressivement tomber amoureux l'un de l'autre. Deux étudiants à la fac qui vont tomber progressivement amoureux l'un de l'autre. Ça se passe à Kyoto. C'est la rencontre. L'idée, là, ouais, ça, quand même, au bout de trois tours, ça va plus loin quand même. Et l'idée, le ça concept, reste deux êtres qui se rencontrent. Oui, si tu veux. Le concept de ce manga, c'était donc qu'à chaque sortie de tome, il y en a deux. Donc tome 1 vu du point de vue de Chihiro et tome 1 vu du point de vue du Kishi. Et c'est comme ça jusqu'au bout. Il y a un tome 1, elle, et un tome 1, lui. Voilà. Et tome 2 et tome 3, pareil. Et quand vous les mettez côte à côte, chaque tome, ça fait une grande image. Ce que je n'avais pas vu tout au début. Oui. Donc, c'est chez... lui, c'est chez Komiku. Parce que Sansu, c'était chez Delcourt. Non, c'était chez... Casterman. Je crois que j'ai confondu. Donc, ils vont être contents. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc là, c'est chez Komiku. Donc voilà, donc bilan. On avait beaucoup aimé. Sur tome 1, parce que le tome 1, c'est la vraie rencontre pour le coup. Voilà. Au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu adopter une autre façon de lecture. Non, t'as lu tout un côté, puis tout l'autre. Et ça marche pas. Non, il faut lire en zigzag. 1, 2, 2, 3, 3. Ouais, ça marche pas, non. Parce que t'as fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, toi. C'est ça. Ouais. Ça marche pas du tout du côté de la fille. T'as l'impression qu'il ne se passe rien. Et c'est déjà ce qui se passe dans le tome 1. Mais c'est oui, quand en termes de rebondissement scénaristique pur, il se passe des trucs chez le garçon. Chez la fille, il ne se passe rien. Oui, mais c'est ce qu'on avait trouvé ça bien à l'époque, parce qu'on avait dit ce qui était intéressant, c'est qu'il ne fait pas la même chose des deux côtés. Premier bilan, il en profite ne pour lisez faire pas deux rythmes tout vraiment. Elle d'un coup ou tout lui d'un coup, ça ne marche de pas. De toute manière, il ne les écrit pas comme ça. Il fait, donc, lui, il écrit tout un, et puis tout deux, puis tout trois. Donc ce qu'il faut faire, voilà, effectivement, c'est alors, soit vous commencez soit par le garçon, soit par la fille, mais que le tome 1, et après le tome 2, et après le tome 3, mais à chaque fois, lire les deux correspondants, elle et lui, à chaque fois. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on se rend compte aussi que, bah, comme dans Sansu, c'est que ça commence très fort, avec une idée et un concept très intéressant. Le problème, c'est que encore une fois, ça tourne en rond. C'est pas aussi catastrophique que la fin de Sansu, après le tome 3, où, juste avant la résolution, ça part complètement en eau de boudin. Là, c'est pas le cas, j'irai pas jusqu'à de l'eau de boudin. Par contre, on se rend compte d'un gros défaut. Et ça, on le voit quand on soulève les couvertures et qu'on va regarder derrière, c'est que on est dans la carte postale du Japon, quoi. C'est l'idée dès le début. Mais on avait dit, ce qui était intéressant, c'est qu'il nous présentait des choses qu'on voyait un peu moins, des brocanteurs, des petites ruelles, des petites choses comme ça. C'est plus ça, bon, après. Après, on était déjà au temple à la fin du 1. Mais bon. C'est plus ça après. Tu regardes les photos, je suis désolé, les photos que tu vois de Kyoto là. Mmh. C'était style parce que j'y suis allé là il n'y a pas longtemps. Mais c'est des trucs hyper touristiques, hyper connus. Vraiment à la fin. Puis alors à la fin, ça termine sur quoi? Tu as qu'à me parler d'Hanami. Hanami, c'est ça. Et puis tiens, on va terminer le manga. Et tiens, si on allait au Hanami, où est-ce qu'on va aller? Au chemin des philosophes. Et voilà, c'est terminé. Chemin des philosophes, ils se promènent tous les deux. C'est la vie japonaise. Il non, va non, pas c'est pas la vie japonaise, c'est issu. Non, c'est non, la carte postale. C'est la carte postale. Oui. Et donc, travers, carte postale. Mais de toute manière, même dès le tome 1, je veux dire, sa mécanique, elle était intéressante parce qu'elle renouvelait la manière de percevoir les choses et que ça disait quelque chose quand même de comment on peut percevoir chacun de son côté une rencontre. Mais au final, tout le reste de l'histoire est classique, effectivement. Alors,
la mécanique. De pub pour les régions aussi. Hein. Oui, voilà, là, c'est, on a clairement l'impression. Hein. Parce qu'à la fin de chaque manga, il parle de. Parce qu'il lui était étudiant apparemment à Kyoto. Il y a le conseil général de Kyoto. Voilà, et il parle de son expérience. Et il le dit, hein, moi, je me suis beaucoup inspiré des personnes que je connaissais pour écrire ce manga quand j'étais en universitaire à Kyoto. Donc tu sens. Sauf que le mec, il est en train plus ou moins de parler de sa vie. Et là où tu le sens encore plus, c'est que. Et c'est bizarre, hein, parce que moi, généralement, je préfère quand on est dans la psyché des filles que celle des garçons. Et là. C'est beaucoup plus intéressant à la fois ce qui se passe, mais à la fois ce qui est dans la tête du mec que sur la nana. L'impression que la nana, elle tourne en rond. Dans le premier tome, t'as l'impression qu'elle évolue pas jusqu'au tome 3, alors que lui, il évolue complètement. Tu vois, Donc à chaque fois, en fait, il faut lire tome 1, elle. Ouais, tome 1, lui. Ouais. Non, mais tome 2, elle. Il faut toujours lire le L. Parce que moi, je sais pas après en tome 2 si je devais lire lui ou elle d'abord. Par elle, mais vaut mieux faire elle toujours, comme ça, on va crescendo lui, à chaque elle, fois. Lui, elle, lui. Ouais. Voilà, il faut faire comme ça. Voilà, bon, je vais pas vous déflorer plus parce que je suis déjà. Non, mais le truc, la vraie question, c'est toujours la même, c'est de savoir est-ce qu'il y a un réel intérêt à avoir les deux axes. Est-ce qu'on. Les points communs, on les voit d'une manière différente de chaque côté, là où ils se rencontrent, là où ils vivent la même chose. Parce qu'au début, comme ils ne se connaissent pas, ils ont quand même sur le tome 1 une vie un peu séparée. Je vais en parler donc après. Donc on voit parce des choses différentes, mais après ils se recroisent que très peu, mais là au bout d'un moment ils vont se croiser plus. Je vais en parler après parce que dans Totally Crazy, je parlais d'une série qui s'appelle Tokyo Girl, où il est beaucoup question de point de vue. Pas tout à fait pareil, mais plus en mode voix off et face caméra, où les personnages prennent la parole et regardent la caméra. Là. Donc le processus de voir de son point de vue à lui et point de vue à elle, au final, la seule façon où c'est un peu intéressant, c'est sur les quiproquos. Hein, ça, on le voit dès le premier tome, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, il va être avec la canon du bahut que tout le monde kiffe et que lui essaie de repousser parce qu'il essaie de théoriser et de rationaliser tout ce qui lui arrive. Il dit « Attends, c'est pas normal qu'on me traite comme ça, et cette nana-là, elle veut juste plaire aux gens ». Au mec, il faut que la petite Chihiro là m'intéresse bien aussi, je vais plus aller vers elle. Et la petite Chihiro arrive à ce moment-là, elle les surprend. Le problème, c'est que ça en fait. Et l'intérêt du changement de point de vue n'est révélé que dans des moments comme ça. Donc tu vois un petit peu la limite de l'utilisation du procédé. Voilà. Oh, mais moi j'avais bien aimé dans le 1. Ah non, mais c'est pas mauvais. Hein. La chose mauvais. Qui fait que quand on rencontre quelqu'un. On peut l'apprécier sur ce qu'il est, mais seulement il y a plus qu'on ne connaît pas qu'on connaît de lui. Et on ne peut pas imaginer ni même tenir compte, puisqu'on ne sait pas de toute la partie qu'on ne connaît pas. Et ça, c'était bien parce qu'on voyait qu'elle surinterprétait un peu des choses déjà dans leur rencontre. Bien sûr. Non, mais après, c'est super lisse. Ça tourne en rond. Le procédé n'est pas, à mon goût, assez travaillé, assez utilisé. Et c'est de la carte postale. Voilà. C'est clairement, tu vois les coups. Voilà, en plus, de toute manière. Allez l'acheter chez Nico. Vous pouvez le lire. Vous passerez un bon moment. C'est juste que. Alors, si vous habitez à Biarritz, venez aussi l'acheter chez Nico. Nico merci. Vous les enverra. Alors oui, si vous commandez par le portail Canal BD, vous choisissez la parenthèse et nous pouvons vous le livrer directement chez vous en commandant directement sur le portail. Vous tapez la parenthèse et ça sera nous. C'était instant pub. Merci. Ah bah tiens, garde le micro, Nico. Donc moi, je vous rappelle, c'était Destin Parallèle en 3 tomes x2 de Daisuke Imai. Et maintenant, Nico va terminer. Il va essayer de faire rapide. Hein. Il a déjà beaucoup parlé sur Hunter x Hunter. Tu vas nous parler de Yamcha. Quand je me rends rien. Je sens que ça va être raté pour le rapide. T-Hunter, je garde pour une prochaine fois, d'accord ? Vas-y, Yamcha. Bon, ben, je ne dirai rien sur T-Hunter, mais il est extraordinaire, prenez-le. Alors, sinon, sur Yamcha, ça a été... Et pourquoi plus Yamcha alors que T-Hunter, c'est quoi ? Hop là. Alors, ouais. Non, parce que voilà, je suis obligé de me taire sur T-Hunter, donc je ne dirai rien. T-Hunter, Rebirth. Voilà, Rebirth, nous prononçons bien le Rebirth. Mais sinon, pour Yamcha, quand je me réincarne en Yamcha. Tu fais ça, toi ? Comme je vous l'ai dit, je joue à Dokkan Battle. Donc forcément, qui dit Dokkan Battle parle de Dragon Ball Z. Et imaginez si demain, bah voilà, un gamin qui joue à Dokkan Battle, il est fan, il s'amuse avec ses potes, tout ça, tranquille. Et on parle même d'un parc d'attractions, des DBZ, donc ils sont tout flammes. Et donc là, sur le coup, ils se préparent à partir chez eux. Et là, ils voient une jeune fille un peu mignonne. Et le gamin, il veut la regarder de plus près. Il descend de la passerelle qui passe les routes. Et là, il tombe et il meurt. Et quand il se réveille, il est dans Yamcha. Yamcha au moment où contre Pilaf, où Goku s'est transformé en gorille. Mais c'est la même chose, City Hunter, le point de départ quasiment. Oui, mais tout à fait, c'est bien pour ça que je voulais parler des deux, mais justement c'est ça qui est très drôle. Et donc, mais je referai comme une petite aparté rapide pour l'explication sur City Hunter, mais je ne ferai pas de développement sur l'histoire. Et là, sur le coup, le gamin qui se trouve dans Yamcha, il se dit sur le coup, ben voilà, je suis Yamcha, mais je vais avoir une petite amie, c'est Bulma, en plus elle est mignonne, donc il est tout content, c'est la première fois qu'il va avoir une copine. Et dans ce monde-là, il se dit, ben il est mort, donc c'est peut-être un rêve, ou il s'est regardé, ou bref, il ne sait pas trop. Et là, sur le coup, une image lui vient au moment de se quitter avec Son Goku et compagnie, c'est la mort de Yamcha. Et là, il se dit, merde, je vais mourir.
je vais mourir. Quand Vegeta va arriver, je vais mourir. Et là, il dit, non, je peux pas laisser ça. Donc, il décide de faire quoi ? De partir avec Goku pour s'entraîner et ne pas mourir contre Vegeta. Et imaginez donc la scène avec les Saiyamen. C'est alternatif. C'est totalement alternatif, mais c'est tellement drôle parce que c'est basé dans ce monde. Et alors imaginez quand c'est la scène où justement Nappa et Vegeta arrivent sur Terre, détruisent tout, ils viennent avec les Saiyamen, ils sortent de Terre, il y a 6 héros, et donc ils sortent 6 Saiyamen, ça tombe bien, vous êtes 6, vous allez combattre les 6. Et Yamcha est devant, il fait non, moi je les prends moi tout seul. Tu fais quoi ? Quoi ? Donc t'as les 6 Saiyamen qui sautent dessus comme ça, ils sont là, et ils sont explosés, donc Krillin fait « Non, Yamcha !» Donc tu t'attends à voir la scène où il est par terre allongé, qui met tout le monde mal à l'aise quand tu vois ça. Et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois Yamcha qui « Pok, pok, pok !» C'est Sultan, il fait « Voilà, à moi !» Et là, t'as Nappa « Vegeta, quelle puissance il a-t-il » Vous vous rappelez tous de cette fameuse phrase « Quoi ? 9000 de force, c'est inadmissible !» Avec le truc sur internet, c'est même un mème. Et ben c'est la même chose, sauf que sur Yamcha, c'est quoi ? C'est « Oh, il a 10000 de force ! Waouh !» Et t'as même mais c'est drôle. C'est débile, mais qu'est-ce que c'est bon, ça marche super bien. Et il a conscience que, oui, il peut monter, oui, il peut devenir un héros, oui, il peut éviter des choses, qu'il connaît l'univers de Dragon Ball, donc il sait comment faire, il sait où est s'entraîner, il sait qui aller voir, il sait où est le vaisseau du Tout-Puissant qui peut repartir son Namek pour aller voir l'ancien, pour le ramener le plus de force, pour s'entraîner avec Nell, et tout ça. Donc c'est drôlissime. Et il y a plein de petits bonus. Et il y a le dernier bonus, vous le découvrirez en lisant, c'est simple, je crois que j'en ai ri aux larmes en voyant un petit truc. Dans les jeux vidéo, à un moment, pour justement, ils ont fait un jeu spécial où vous avez les fusions des personnages. Et ben, comment faire quand les personnages n'ont pas les mêmes tailles ? Vous ne pouvez pas, et Bulma a inventé une technique pour le faire, avec un accessoire. Et ben, imaginez qu'il y a ça dedans avec la fusion la plus ridicule du monde, et c'est à ce pisser dessus. Donc vraiment, le extra de Dragon Ball avec Yamcha, je vous le conseille. Pourquoi est-ce qu'on parlait dans le Rebirth que c'était la même chose ? Parce que dans le Rebirth, ça commence dans le même principe. C'est une jeune fille de 40 ans l'autre, là, qui va mourir et qui va se réincarner dans le monde de City Hunter. J'en parlerai pas plus parce qu'il y a tout un intérêt par rapport à tout ça. Mais justement, ça amène en ce moment sur ces deux univers-là. On a aussi bien du DBZ que du City Hunter. On va se retrouver avec, comme je disais, la Marlène de Proust. On va se retrouver avec cette course. Avec la cette Madeleine. Course. La Madeleine. Ouais, j'ai quoi ? La Marlène. La Marlène. Ah bah c'est la Marlène de Proust. Pourquoi je dis Marlène ? La Madeleine de Proust. Et c'est exactement ça. C'est ta corde sensible. C'est même une corde sensible. C'est on te fait du black metal sur ta corde, quoi. C'est vraiment tellement drôle parce que on prend tous les trucs que tu maîtrises, que tu connais dans ces deux univers là-dedans. Les gens qui connaissent Dragon Ball ou City Hunter, vous connaissez, on connaît, si vous les avez lus ou vus, vous êtes rentrés dedans, vous les avez tous partagés, bah c'est ça. Vous rentrez dans ces univers-là avec ceux que vous connaissez et comment vous réagiriez si vous vous retrouveriez dans ces mondes-là. Je sais pas si j'ai pas fait une faute de conjugaison, non, mais je crois que c'est ça. On mais avait compris de manière. Voilà, mais c'est en tout cas très bon, je conseille, surtout que Yamcha, c'est un one shot. Donc là, vous êtes tranquille, c'est un seul tome, vous êtes parti. C'est et marqué extra. Voilà, c'est un extra. Par contre, Rebirth est une série. Et pour ceux qui ont, par exemple, la version deluxe chez Panini, c'est l'équivalent à partir du tome 16. Il va tout dire. Donc là, sur le coup, voilà. Donc je reparlerai plus tard, mais en expliquant certains petits détails. Mais en tout cas, c'est à voir, à découvrir. Et allez-y, les deux, les yeux fermés, surtout Yamcha. C'est petit bonbon. C'est du bonbon à lire, c'est plaisant. Voilà. Merci Nico. Oh la vache, 39 minutes. Le mec est stressé par le chrono maintenant, je te raconte même et pas. Et c'est moi qui parlais le moins, hein, je précise, de tout le monde. Hein. Mais t'es fou toi. Je crois quoi. Pas en fait. Mais c'est pas grave. C'est tous les alternatives. C'est ce quand je vous coupe et que je rajoute des trucs. Mais là, pour ma présentation sur Yamcha et machin, je vous coupe. Sauf que sur la présentation d'Inès, t'as fait plus long. Qu'Inès. Bon, bref, les gars, c'était. Il n'y a plus rien à dire. C'était quoi ? Je ne sais même plus ce que c'était. Oui, c'était Yamcha, pardon. Ouais. Yamcha, mais c'est donc c'est pas Akira Toriyama, c'est comment ça, le Dragon, je sais pas quoi là. Ouais, c'est Dragon Chiron. Franchement, c'est quoi ce nom ? Bref, ok. Voilà, les amis. Bon, allez, on passe au débat du mois. Et on va débuter par Jagan de Miniyuki Kaneshiro. Et machin Nishida. Oh non, ça c'est pas son mon correcteur, il m'a. T'as pas le droit de faire ça. Il t'a mis machin réellement ? Non, il m'a mis censure, il m'a mis. Je te suis véridique. Censure Nishida, il m'a mis. Qu'est-ce que c'est ? Kensuke Nishida, pardon. Kensuke Nishida, Seinen, censure. Un tome en cours chez Kaza. Kaza, Kaza, Kaze, Kaza, Kaze. Pan t'es mort. Oui, c'est ça, c'est Pan t'es mort. Comme dans l'Astiro Inuyashiki.
Oh, les parallèles, ils sont. Alors, je vais commencer par vous lire comment quand vous arrivez sur le site de Casier, très beau site d'ailleurs. Franchement, leur site Casier sont au top au niveau de leur site de présentation de leur manga interactif, machin, très très bien. À chaque fois. C'est un site en même temps, merci. Oui, tout à fait, mais c'est très très bien présenté. Donc voilà comment ils le vendent. Kino, tu ne rigoles pas, s'il te plaît. Découvrez Jagan, la naissance d'un anti-héros hors du commun. D'où, dans un monde où les désirs enfouis transforment les humains en monstres, la violence et la destruction deviennent les mots d'ordre. Le nouveau manga gore, sexy et décalé, mis en scène avec brio et servi par un graphisme expressionniste. Merci. Le expressionniste, je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Ce qu'il fout là, mais le reste est plutôt juste. Oui. Voilà. Alors le moi, mec je vous... a mis ce mot, il sait ce, que, ce qu'il y a derrière. Je pense pourquoi, savoir pourquoi il l'a dit. Ouais, tu vois. Donc, à cause des monstres. Moi, je vous dis maintenant ce que j'ai lu. Vous me direz si on a lu la même chose. Hein, parce que moi, ce qu'ils me disent là, comment ils le vendent, c'est pas ce que j'ai lu. Bon. Donc, moi. Hein, tu veux du Nutella? Non. Ça... ah ouais, ça n'avait rien à voir. Alors, ça, merci. Moi, j'ai lu l'histoire de Jagasek. Un flic qui n'arrive pas à se faire respecter ni dans la rue, ni dans son commissariat, et qui s'enlise dans une relation amoureuse monotone avec une nana canon quand même. Monotone, Tony la voit, il est content, hein, la monotonie. Non, mais attends, je suis désolé, juste avant de la voir, qu'est-ce qui se passe patatras, mais c'est ce qu'on appelle de la débilité, parce que quand tu vois qu'il. En fait, quand il explique sa relation, on essaie de lui faire expliquer sa relation dans son commissariat, il s'ennuie clairement, il se pose des questions, il dit bon, qu'est-ce que je fais dans cette relation? Bon, c'est pas. Ah bah je suis désolé. Non mais disons que le monsieur n'est pas ce qu'il voudrait être. Il pense tout le temps qu'il pourrait être plus fort, plus ceci, plus bien cela. Il est pas. Ça, on y arrive. Heureusement qu'il a Boopaman. Vous connaissez Boopaman? C'est son coussin en forme de patate. Ah oui. À qui il parle quand il va pas bien? D'aubergine. Ah excuse-moi. Ah, je préfère les aubergines en plus. C'est vrai que ça change tout. Mais c'est une mascotte, c'est très important. Très important. Très important. Il y a quelqu'un voilà. Qui va fermer la porte. Ah oui. Là c'est pas des patates et des aubergines là-bas. Bon bref, faut que je termine. Sa relation empire le jour où une sorte de parasite grenouille. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Mais quand tu racontes le truc, mais tu plus... dis le mec, il allait loin quoi. Sa relation empire le jour où une sorte de parasite sous forme de grenouille entre dans l'oreille de sa bien-aimée okay. Et laisse éclater violemment ses frustrations au grand jour. En effet, elle se transforme en hystéroscorpion. Hystéroscorpion et tente de le tuer. Bah c'est ça qu'ils ont écrit sur leur site. Voilà. Mais Jagasaki est aussi contaminé et arrive à réguler lui l'influence de la grenouille et à l'utiliser pour devenir Jagan. Et c'est grâce notamment à la chouette Doku. C'est la némésis des parasites. Qui quoi elle mange les petites grenouilles et les transforme en crottes. Des crottes en LSD. Je savais pas que ça allait me faire autant rire de résumer. Le pire, c'est que j'ai bien aimé un truc débile quand même. Oui. Mais c'est ça qui est bon. On comprend pourquoi Inès dit que c'est le pire manga qu'elle ait lu en même temps. La question, c'est quoi? C'est Jagan et Doku vont-ils réussir à sauver le Japon en le transformant en WC géante en fait? C'est ça la question. Ouais, c'est ça quand même. Ouais. Donc, voilà. Alors, je tiens à préciser quand même. Donc, le jour où il y a une pluie de grenouilles, abritez-vous. Quoi. C'est ça. Donc, je vais redevenir sérieux maintenant. C'est même pas prévu, ce fou rire. C'est vraiment venu comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, en fait? Donc... c'est ça qu'ils ont mis sur leur site, Kazé. Oui, ça doit être ça, en fait. C'est expressionniste. Ouais, c'est ça. Donc, c'est du dessinateur de jeux d'enfants et Billion Dogs. Billion Dogs. Ça. Par contre, le scénariste, c'est pas le même. Le scénariste, il s'appelle Kaneshiro et il débute sa carrière professionnelle avec. I am a hero in Nagasaki. C'est pas Last Hero in Yashiki, c'est I am a hero in Nagasaki, qui est un spin-off du manga qu'on a beaucoup aimé, I am a hero. Je sais même pas qu'il y avait un spin-off. Je découvre tout via cette série. Voilà. Je l'ai pas pris assez au sérieux, ce truc-là. Je sais pas pourquoi, peut-être les crottes, mais je l'ai pas pris assez au sérieux. Pourtant, j'ai pas eu de fou rire. Ça fait du bien. Ouais, le prof, pour moi, le prof est bourré. C'est comme l'auteur le dessinateur de Resident Evil et le dessinateur de Saru Locke. Pourquoi non, je veux bien qu'il travaille dessus, mais le dessin, c'est pas du tout ça. Donc, je vais tirer à le dire à Kazé, hein. C'est ce qui est écrit sur leur site. Donc voilà. Bon, moi, je vais dire trois lignes, après, je vous laisse parler. Il y a une grande mascarade autour de ce manga. C'est Nico et Kino, je dénonce, qui ont voulu qu'on en parle, mais c'est normal parce que je pense que c'est tellement mis en avant par Kazé qu'ils y croient. Donc c'est du grand n'importe quoi, comme vous avez pu le lire, mais alors c'est complètement assumé. Ça qui fait plaisir, c'est que le mec, il assume son côté BZ et il prétend à rien d'autre.
Moi, je trouve qu'il perd un dos. Ah oui, bien sûr. Chaque personnage, comme la, comment elle s'appelle, la hystéroscorpion, ou alors. C'est même pas flagrant tout le temps, le. Parce que c'est censé être leur désir, pulsion. Ah bah si, c'est écrit à chaque fois en dessous, t'as un petit sous-titre. À chaque fois, t'as un petit sous-titre qui te dit pourquoi il est. Non, mais leur pulsion réfrénée les fait devenir monstres, et le monstre qu'ils sont est censé exprimer dans. Cette pulsion, c'est pas super flagrant tout le temps. Félicitor, celle qui va se marier, mais en fait. Ouais, bah là, elle vient quoi là, un espèce de centaure avec un arc ou je sais plus quoi là. Ouais, enfin, dans ce genre, c'est pas franchement. Et l'angotueur, c'est le premier. J'ai oublié de dire le premier dans le train qui critique son employé et puis qui se transforme en l'angotueur. Donc ça, un monstre qui n'existe pas. Enfin, mais qui pour le coup sont super stylés et très très bien dessinés. Ah bah oui. Ça, c'est la bonne chose. Et puis je terminerai, voilà, bah, ouais, oui, de dessin sous influence effectivement de Oroya Oku, hein, pour le côté photoréaliste de l'astéro Inuyashiki. On peut pas s'empêcher de penser ouais, à ça. Moi aussi, j'avais Pan est mort, voilà, je suis désolé, c'est l'astéro Inuyashiki. Oui, oui. Et ça a été écrit après, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, quand on parle de photoréalisme et que Kazé nous parle d'expressionnisme, je pense qu'on n'a pas la même définition. Mais en fait, là où il voit de l'expressionnisme, c'est que. Le sentiment intérieur des personnages est traduit, oui, voilà, est traduit par la forme de la bestiole. Et franchement, si c'est ça l'expressionnisme, oui, réduire ça, les Allemands doivent se retourner dans leur tombe. L'esthétique n'est plus là, quoi. Ah, complètement. Juste pour comparer encore au dessin de Oku, là, de Gantz et de l'Astéro Inuyashiki, c'est bien mieux ici. Hein. Parce que dans l'Astéro Inuyashiki, il a pris des photos. À la fin, c'était complètement torché. Il passait juste en noir dessus pour dire que c'était pas des photos. Et c'est terminé. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Là. Ah non, c'est quand même beaucoup mieux. T'avais pas dit ça comme ça le jour. On avait chroniqué la série. Non, mais il a le melon. Si, à la fin. Pas tout à fait. Non, mais après, il a le melon, le mec de. Plus ça va, plus il peut. Donc c'est bien ça. C'est bien. Non, ce n'est pas le dessinateur de Billion. Non. Donc carrément pas. Donc je vous le dis, c'est pas lui. Donc c'est même précisé. J'ai fait la recherche. Ce n'est pas lui l'auteur. Bah si. Ah, pourquoi j'aurais écrit ça alors, j'aurais trouvé où sur Kazé, mais... C'est ton correcteur. Bah, vas-y, continue. Vas-y, bah, garde le micro, Nico. Moi, je vais chercher de mon côté, d'accord hein, Vas-y. Je recherche en même temps que je peux parler. Est-ce que je peux faire deux choses en même temps? C'est ça qui est cool. Tu veux que je parle avant? J'en ai pour deux minutes. Ah même bah pas. Vas-y, si tu veux. Ah bah alors comme toi, Stan. Moi, j'avais fait des parallèles avec l'Astéro Inuyashiki parce que c'est la série B en manga, quoi. La différence, c'est que l'autre se prend au sérieux et que lui pas, heureusement, quoi. Je veux dire, il assume sa connerie, mais il se prend pas au sérieux, surtout, c'est ça qui compte. C'est une très bonne série. Moi, j'ai dit B, ouais, BZ, on n'est pas loin. C'est du n'importe quoi, c'est maîtrisé, c'est jouissif. Je trouve quand même que je préférerais qu'il y ait un peu plus d'action, un peu moins de blabla sur la fin du premier tome, mais bon, ça, c'est, voilà. On n'a aucune idée de vers où ça va, hein. Franchement, quand même. On sait, le mec, il peut faire ce qu'il veut par la suite. Ils sont pas d'accord, hein. Ah d'accord. Le mec, franchement, on a aucune idée où. Non, vous n'êtes pas d'accord, les gars, là. Le dessinateur, c'est le truc. Le mec donc, qui a fait, c'est Reijiro Naoki, et c'est pas lui, quoi. Ouais. Vas-y, je vous laisse regarder. Oui, donc je disais, on a aucune idée de vers où va le manga, il peut aller où il veut. Presque, j'ai envie de dire, on s'en fout, quoi. Tant que ça reste jouissif. Il faut que le mec prenne du plaisir, et nous, on en prendra. Voilà, c'est fun, c'est what the fuck, et la promesse, pour moi, elle est tenue. Allez. Ah, et puis c'est très beau, quoi. Les scènes d'action sont superbes en plus. Donc voilà. Lisez-le. Quoi. C'est bien le scénariste de Billion Dollar qui a fait. Billion Dogs, pardon, qui a fait Jagan. C'est le scénariste, pas le dessinateur. Scénariste. Voilà, je préfère ramener. Voilà, c'est pas grave. Le débat super sérieux pour une connerie quand même, les gars. Non, par c'est contre. C'est une bonne bousasse, quoi. C'est une bonne bousasse. Tu as fini? C'est comme quand tu regardes un. T'as fini? Ouais, c'est comme quand tu regardes un bon Steven Seagal. Enfin, quand t'as tu regardais un bon Steven Seagal, quoi. Oh, oui. Un bon Jean-Claude Van Damme. Voilà. Hey. Là, c'est que ça, là. C'est naze. Tu sais que c'est naze, mais tu kiffes. Alors, parce que c'est du bon naze. C'est énorme. C'est très, très bon. C'est un mélange d'univers entre un. Alors, pour ceux qui vont comprendre pourquoi est-ce qu'on va dire ça, c'est dans la noirceur, dans les personnages, dans le glauque qu'on peut avoir, on va avoir un mélange dans ce qu'on peut trouver dans du Tokyo Ghoul avec du Parasite Kiseiju, mais avec un dessin assez proche par certains moments de Terraform Mars. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent voir, vous retrouvez un peu dans ces univers-là, un peu ces deux-là. Donc, enfin, ces trois-là. Donc, c'est. Oui, c'est totalement assumé, c'est complètement déjanté, c'est complètement sexy, sexisé, c'est complètement par moments très noir, très agerbé, où il garde la tête de sa petite amie dans un frigo, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Oui. C'est bourrin, hein. C'est assez bourrin,
mais en même temps c'est très juste dans le côté aussi vie de ce personnage qui va se retrouver devoir bouffer de la crotte LSD d'un piaf qu'il a déjà buté une fois, qu'il retrouve, qu'il se comprend pas pourquoi, avec des grenouilles extraterrestres qui tombent et qu'il faut ressortir les pulsions des gens. Alors dans l'idée c'est bien, en plus on retrouve par moments certains petits clins d'œil à du Gonagai, on retrouve c'est vraiment intéressant avec du Devilman et tout ça, donc c'est vraiment très intéressant. Moi personnellement je me suis éclaté, en plus ce côté justement c'est un défouloir ce truc, sauf Inès parce qu'elle a pas de goût. Mais ça, c'est un autre bar. Mais, c'est... non, je déconne, bien sûr. C'est vrai qu'elle s'assied en face de toi à chaque fois. C'est exactement ça. Sinon, elle aurait déjà vomi si à force de me regarder. Sans déconner, c'est un bon moment, bien assumé, déjanté, complètement loufoque, complètement dur, très noir. Mais il y a un avertissement à l'arrière, voilà, quand même, complètement, sur la sensibilité des plus jeunes qui pourraient être. Tout à fait fait pour les gens qui aiment ces univers-là, mais ce n'est pas à mettre à la main de tout le monde, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas à la portée même de quelqu'un qui dirait un Tokyo Ghoul en disant ouais, c'est bon, j'ai lu Tokyo Ghoul. Non, c'est vraiment plus à la portée de sur la fin d'un Tokyo Ghoul pour ceux qui connaissent ce qui s'est passé à la fin du premier arc avec les duretés, les morts, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est génial, oui. Sauf que c'est très premier degré, alors que là, c'est en délire, là, c'est du délire. Voilà. C'est exactement ça. Les autres étant premier degré, ce qui est réfléchi, il y a quelque chose de très fort. Là-dedans, c'est complètement mis à la légèreté d'une œuvre tout en étant assumé pour que tu passes un bon moment, tu t'éclates. Et t'as du gore et tu t'attaches pas à certains trucs parce que tu dis ça peut mourir à tous les sens, et c'est ça qui est fun. Mais comme Eddie Stan, s'il fallait rapprocher d'un truc un peu pour faire style Magical Girl of the End, oui, voilà, un peu dans ce voilà, genre là, les shit et compagnie, tout ça, fait voilà. Fun et tout ça. Donc c'est le what the fuck, voilà, c'est très bien, c'est le what the fuck du Shekaze, et je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu. On avait des choses dures à la Fire Punch qui amenait ce côté là, où on a eu des chez d'autres, mais là il manquait un peu ce côté là Shekaze qui était aussi bien dur mais léger à la fois. Tu lis ça au bout d'un moment, c'est limite que tu débranches ton cerveau, tu le mets dans un formol pour que tu lis ça en disant tu regardes le truc, tu cherches à voir à quel moment ça va dériver. Et en plus, rien n'est épargné, ce qui veut dire que n'importe qui peut toucher aussi bien un héros que un proche du héros que un parfait inconnu. C'est ça qui est bien, c'est que n'importe qui peut toucher n'importe quand, à n'importe quel moment, par un déclic qui peut se passer, par une situation qui s'est donnée. Surtout que dès le début, quand même, le héros. Voilà, il n'arrive pas à maîtriser les jeunes du quartier. Dans sa tête, il s'imagine en train de les buter. Et c'est là, ça. Il a son super pouvoir et on ne sait pas ce qu'il va en faire. Et il y a quand même cette petite. Est-ce que ça va, voilà, la Signora Inashiki ? Où ça va aller. Ouais, et c'est ça. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il y a soit une vengeance, soit un truc au bout d'un moment qui va péter un plomb. Et c'est ça que j'attends maintenant. Et ce que tu dis, c'est. Ce qui est très drôle, c'est qu'on y retrouve vraiment la jeunesse actuelle du Japon, qui est pas toujours de respect face à certains ordres, mais que les ordres ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas forcément les pouvoirs ou ils ne savent pas faire. Et que si tu parles un peu plus ou que tu tiens tête à, bah, ils n'osent pas faire. Même les flics n'osent pas faire parce que si tu retiens trop la tête sur certains trucs. Et donc c'est un peu ce côté-là, ce côté désœuvré de ce qu'on peut avoir de certaines formalités administratives japonaises qui sont, bah, ils n'ont pas toujours envie de s'embêter, ils n'ont pas envie de se retrouver dans ces situations, ils préfèrent laisser couler que devoir s'en occuper parce qu'ils n'ont pas envie de gérer. Et c'est ça qui est fort. Donc c'est assez intelligent et incisif par rapport à ce qui se fait même aujourd'hui au Japon. Inès, excuse-nous, hein, vas-y. Hein. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on a chié sur le manga. Je pense. Je sais pas comment dire. Cette chronique est complètement folle. Je sais pas comment dire. C'est aussi bien que le jour où t'as mis la mort. Bah, il y a du caca SD, donc tu peux y aller. Hein. Oui, bah oui. Bah, je sais pas. Bah, si, il faut que tu puisses expliquer. Oui, bah, pourquoi, oui, bah, t'as, oui. Pourquoi t'as pas. Ah, c'est nul. Mais pourquoi c'est nul? Est-ce que j'ai pas adhéré? Mais en fait, c'est un manga, vous voyez. Oui, ce qui paraît. Si vous êtes sombre, si vous êtes incompris de la société, si vous aussi, les bleus bonheur et tout, vous moi faites... alors, c'est bien, c'est très bien. Bah, voilà. Si donc le bonheur des autres vous fait gerber, s'ils comprennent rien à la vie... Si... Encore une fois pour moi, c'est très bien. Si voilà, la société, si vous êtes un pur nihiliste, comme ça, que vous mettez une capuche et que vous allez sous la pluie comme ça et que vous restez... C'est toi ça ? Non, bah non, toujours pas. C'est pour vous ce manga. Mais donc en fait, en gros, rien que je vais vous lire voilà. Le titre, enfin non, le début, dans ce monde qui ne tourne pas rond... Les malfrats sont légion. Bon, voilà. Vous avez déjà compris tout le ton du truc. C'est un mec qui gerbe en fait sur tout le bonheur des gens. C'est... Les gens, ils comprennent pas que c'est. Qui sont... Inès, ça va bien non, non, non. Dépressif, le mec qui a des problèmes sexuels tout le temps. Et là, c'est un mec qui veut juste buter. Il est frustré parce qu'il se maltraitait même pas. Il est flic et puis il se maltraitait par des non, petites c'est pas racailles pareil. De à la c'est semaine. Pas pareil. Dedans, on considère encore une fois que la racaille, c'est le ce que la jeunesse est devenue par la facilité et que les gens n'osent plus rien leur dire. Non, c'est pas ça. C'est que c'est un truc. C'est en fait, c'est déjà ça. Mais c'est aussi, par exemple, avec l'épisode du mariage. Ouais. Ou en mode, à toi aussi, ça te dégoûte les gens heureux. Attends,
qu'est-ce qu'il y avait ? Non, mais c'est une technique commerciale pour convaincre les jeunes mariés qu'ils vont être heureux ou quoi. Enfin, franchement, ça fait un peu le mec qui a tout compris à la société. Bah oui. Et voilà. Mais en fait, je sais pas, j'aime pas. Déjà, en plus, je trouve que c'est du what the fuck. Sauf que c'est du what the fuck en mode trop classique, en mode ça se veut original, etc. Mais pas du tout. C'est vraiment c'est vraiment d'un truc de base où on a un héros qui comprend, qui est au-dessus et qui comprend tout et qui dit ah vous êtes des pions, etc. Moi c'est pas je un suis héros justement, et là pour le coup ils ont raison, c'est un anti-héros. Le mec tu le supportes pas, il est insupportable ce mec. Il est insupportable le mec. Oui il est insupportable, mais un peu comme tous ceux qui se mettent au-dessus de la société en mode vous êtes des pions, etc. Moi je suis au-dessus, etc. Enfin j'ai vraiment pas aimé, c'est mauvais. Non, c'est pas, parce que t'as pas aimé que c'est mauvais, c'est pas pareil. Ah si, c'est mauvais. C'est pas bon aussi. Hein. C'est pas bon. T'as compris ce que je dis, ça veut dire que c'est pas la même chose. Le truc qui est intéressant, c'est que ça se lit en 5 minutes, donc ça c'est torché comme on dit. En plus, les dessins. Ça se lit aux toilettes, c'est ça que tu dis. Ouais, presque. Mais après, il y a juste les dessins qui sont vraiment beaux. Ah, ils sont beaux, oui. Non, tu peux pas dire ça. Mais vraiment, si vous êtes dark dans votre tête. Non, mais si t'aurais pas de te prendre au sérieux, c'est juste ça. Ah, c'est bien parce que d'habitude c'est moi qui prends les choses au sérieux, comme tu me le dis à chaque podcast, notamment sur GTO. Et là c'est toi, je te trouve très sérieux sur quelque chose qui à mon avis se le prend pas autant au sérieux. J'aime bien les trucs détraqués comme ça, mais j'aime bien les trucs détraqués qui pas du classique, parce que pour moi c'est vraiment du classique. Oui, mais d'accord, il y a rien. Ouais, non, mais, c'est bien effectué, sans plus. C'est bien effectué, mais juste au niveau des dessins, mais y a rien à retirer. Alors juste pour préciser ce que tu viens de dire, et là je vais juste rouler dessus. Il va être avec Beastar, ça va être parmi les meilleurs mangas de cette année. Ouais bah. Les plus vendus, tu veux dire. C'est pas étonnant. Les plus vendus, oui, ça, on est d'accord. Ouais, bah, l'autre truc avec son babysitting et ses films pourris, il marche bien aussi. Hein. Bon, allez, écoutez, on va pas repartir là-dessus, on va finir jamais le podcast. Ouais, ok, Inès. Et juste pour dire, comme quoi, il y a vraiment trop de trucs référence à d'autres mangas. Enfin, ah oui, mais les sous-influences, le mec. C'est du pompage. Oui. Pompage non, clin d'œil et assis totalement assumé, oui. Pompage non, parce qu'il le fait même en beaucoup de références. Si tu veux parler, si oui. Le pense est mort, c'est Yu Hakusho, c'est même encore plus antérieur. C'est parce qu'il fait avec le doigt, il tire son laser, c'est Yu Hakusho, c'est le Reagan. Si on va par là, tout le truc, on te va dedans. Donc, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui n'est pas pompé de tout et n'importe quoi? Même Dragon Ball est pompé sur certains trucs. Donc, sauf que là, c'est assumé et c'est maîtrisé et surtout, il a créé son univers avec. Moi, je trouve que justement, c'est trop du pompé et il n'y a rien qui fait que même si c'est pompé, c'est son univers à lui là, c'est il y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, il y a rien de nouveau. C'est là. OK. Non mais de toute façon, c'est clair, c'est tout ce qu'on est, nous on est tous d'accord sur ce que nous on a aimé, toi t'as pas aimé. Oui, mais voilà, mais elle a quand même raison, on peut quand même dire que c'est bien fait, mais c'est quand même pas très bon dans le sens où c'est pas une grande œuvre, quoi. Ah non, bah personne a dit que c'est une grande œuvre ici. Non, bah voilà. Nico dit que ça les vachement bien, mais on a passé un bon moment. On a le droit d'aimer des trucs mauvais, on a le droit de détester des bons trucs. Qu'est-ce que je t'ai dit quand on est au téléphone? Je t'ai dit bah voilà, effectivement pour moi c'est comme Magical Girl Love. Non, tu m'as dit que c'est ta référence ultime et que t'as jamais vu mieux que ça et que Taniguchi et Tezuka, c'était vraiment des branleurs. Voilà. Même pas de où ils veulent en venir, enfin. Ah bah nulle part, je l'ai dit. C'est nulle part. C'est pas grave. Ah si, on sait exactement où ils vont venir. Là-dedans, oui, on va être dans la lignée d'un Devilman mélangé à ce qui peut se rapprocher dans la situation où tu te retrouves dans ce monde-là entre ce que a fait très bien Tokyo Ghoul comme Parasite Kiseju. Ouais, bah voilà. S'il y a autant de bons mangas qui ont fait la même chose, autant les lire que ça. On a tout lisez mélangé. Parasite. Alors ne lis surtout pas Tokyo Ghoul parce que Parasite l'a fait. Donc ne lis surtout pas Parasite parce que Devilman l'a fait. C'est pas pareil. Ce manga-là, il y a vraiment de tous les mangas en fait, c'est ça. Il y a vraiment de tous les mangas et on mélange et on essaie que ça donne quelque chose, mais non, ça donne rien. Ça donne ce que c'est. Si, on peut le lire, on peut le voir comme ça. Prends un bon moment. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec Inès. En fait, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'on. Si t'as envie du titre écrit fun, voilà, c'est bien. On a vu les mêmes choses, on a juste pas eu le même ressenti. Voilà ce que je t'ai dit au téléphone, pour moi, c'est un plaisir coupable. Voilà, pour moi, c'est la définition même du plaisir coupable. Ah, moi, pas du tout. Non, mais t'as pas eu de plaisir, toi, mais nous, on en a eu, tu vois, c'est juste ça, mais c'est pas exceptionnel, loin de là. Mais on passe un bon moment. Ok, les amis, c'était Jagan. Anne. Catra. C'est chez Kazé. Bah, Ja. 4. Il y en a 3. Ja, 4. Donc c'est chez Kazé. Jagan, 4A. C'est chez Kazé Manga. Il y en a un tome pour l'instant. Le tome 2 sort le 10 avril.
Ah, ça, c'est le genre de truc, j'espère qu'ils en ont d'avance sous le coude. Je sais pas combien il y en a au Japon. Parce que c'est le genre de truc que t'as un peu envie d'enquiller pour te marrer, pas d'attendre tous les 6 mois quand même. Hein. Mmh, on va voir, ça va voir. Ok, les amis, maintenant, alors, on part en 1959 avec Kitaro le repoussant Gagé. Non, on n'était pas né, Inès. De Shigeru Mizuki. Shonen, oui, Shonen, 11 tomes finis. Donc il y en a plus que ça au Japon, hein, mais Cornelius en a sorti et a pris des histoires, je vous expliquerai. On a fait 11 tomes, c'est chez Cornelius donc. Donc Kitaro est un jeune orphelin un peu particulier. Il est l'ultime descendant de yokai. Ah bah lui aussi il est désabusé. Tu m'étonnes. Être fantomatique, on va dire. Hein, bon, hein. Ayant précédé. Bah c'est pour soi, ouais, c'est pas comme ça. Mais pas l'auteur. Ouais. Ayant précédé l'homme sur Terre. Je vais réduire parce que là tu me coupes, du coup après ils vont pas comprendre les gens, donc je récapitule. Kitaro est un jeune orphelin un peu particulier. Il est l'ultime descendant de yokai, être fantomatique ayant précédé l'homme sur terre. C'est important, on va revenir après. Enfant borne sorti de l'utérus de sa mère morte en rampant, c'est un shonen, hein. Il est le repoussant que personne ne veut chez lui mais que tout le monde appelle en cas de yokai problème. C'est donc son père réincarné en œil, oui, se loge dans... Bah, je vous dis qu'il était borné, hein, donc il se loge dans le globe oculaire, donc le père se loge dans l'autre orifice de son fils. Enfin, donc, pas tout le temps. Pas tout le temps. Des fois, il se balade. Ouais, avec ses petites pattes, il dort même à côté sur la couve du rein. Il doit être sur son oreille droite. Ouais, un truc du style. Du côté où ouais. Il a un œil. Sur son épaule. Ouais. Ah, sur son épaule, alors c'est la 2. Ouais, voilà. Et donc ça lui permet de veiller sur lui. Voilà. Il est orphelin, mais que de mère, on va dire ça comme ça. Donc tout est faux. C'est-à-dire, il est borné, mais il a deux yeux, il est orphelin, mais il a son père. C'est ça. Kino ouais. qui a avide de cohérence, là, il a lu ça, il s'est rasé la tête tout seul. Tout est tombé. Alors, je resitue le truc. Donc, c'est paru en 1959. Mizuki. Comme si ça excusait. Non, ça explique par contre. Ça excuse pas, mais ça explique. Mizuki nous invite, oui. Alors non, le père est bien mort. Et en fait, c'est son cadavre que l'œil est tombé et qui reprend vie dans l'œil. En fait, il se réincarne. Donc, il est bien orphelin. C'est bien juste. Et ouais, qu'il revient à la vie en tant de la momie, revient. De toute manière, je contestais pas les faits. Ah ouais. Alors, non, mais là, parce que là, on va pas s'arrêter avec Kino sur ce manga-là. Hein. Donc, je rappelle juste. Paru en 59, Mizuki nous invite à suivre, je l'appelle le Yokai Buster, dans une série d'histoires courtes présentant par là même la galerie de yokai peuplant le folklore japonais. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Mizuki, c'est The Mister Yokai, hein, qui a fait... Tu les as lus d'ailleurs, enfin, je lui en ai même parlé dans le podcast. Oui, tout à fait. En lecture en cours, j'avais présenté... Chez Cornelius. En lecture en cours, oui, ou yokai, en Total Crazy, je ne sais plus, j'avais présenté... Et l'autre, c'est tout. T'as pas lu l'autre? Ah non, mais l'autre, ouais, mais l'autre c'est pas sur les yokai. Ah non, oui, non. Si, c'est l'intérieur non, de mais d'accord, non, je crois que... Et oui, j'avais présenté yokai, que je vous reparlerai et que je vous conseille toujours autant. Voilà, même plus. Donc, Cornelius ici a décidé de ne publier que les histoires dessinées par Mizuki. C'est important ça. Parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, il a été rejoint par trop de. D'associés, j'allais dire. D'autres auteurs et de. D'assistants, pardon. Et du coup, pour eux, ça dénaturait ce qui était véritablement Kitaro. Donc, ils n'ont pas publié ces histoires-là. C'est vraiment dans ces 11 tomes que les histoires écrites et dessinées de la main de Mizuki. Tais-toi, Kino, je sais ce que tu vas dire. Mais j'ai rien dit. Je dis à Nico de me le montrer pour faire une photo pour les réseaux sociaux. Donc, rappelons que lors de la Deuxième Guerre mondiale, Mizuki, lui, a à peine 20 ans. Et il est envoyé dans la jungle. C'est important, ça vient dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Et là, il va vivre un véritable cauchemar. Oh, il contracte la malaria. Il assiste à la mort de la plupart de ses camarades. Tu parles de l'auteur, oui. Excuse-moi, je dis pauvre bête. Ah. Il assiste à la mort de la plupart de ses camarades. Et en plus, il perd son bras gauche pendant un bombardement. Mais il récupère le bras de son père. Non, ça, malheureusement, c'est dans la vraie vie, ça marche pas, ça. Donc, il est détenu sur place. C'est pas terminé à la fin de la guerre. Il est encore sur place. Il est détenu. Et c'est parce qu'il va se lier avec une tribu locale qui va réussir à survivre, donc à ne pas mourir de la famine, de la maladie, ce que vous voulez, et surtout de la folie. Et quand il revient, donc voilà, en 1957, il commence directement, d'après aussi les histoires que sa grand-mère lui a racontées sur les yokai, parce qu'il est plutôt, comme vous le savez, versé dans les yokai, il va commencer sa fameuse série Kitaro, Gegege no Kitaro, Kitaro le repoussant, manga lu par tous les jeunes japonais, génération après génération, et ce monsieur va mourir en 2015. Non, il est mort il n'y a pas longtemps. Pourtant, il est né en 1922, je crois. Donc, il a bien vécu, le monsieur. Il a bien vécu. Surtout qu'il est ressorti de la Malaisie. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure ? C'était la Nouvelle-Guinée. Ah, Nouvelle-Guinée, pardon. Mec. Attention.
J'ai pas suivi du tout, je me fais engueuler. J'ai genre une heure de colle derrière le podcast. Moi. Alors, ouais, c'est ça, deux heures de colle. Kino, deux heures de colle. Donc, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Je vais vous dire rapidement, après je passerai la parole à mes amis. Moi, ce que j'aime beaucoup, attention de ne pas confondre avec le découpage, j'aime beaucoup son dessin. Alors, c'est sûr que pour oui, ceux le trait. Qui... Le trait? Ah, ça, on est d'accord. Le trait, j'aime beaucoup son personnage principal. Je trouve que son design est fou, avec son œil, voilà, avec son père qui sort. C'est même ses fringues, la façon, enfin, plus une espèce de Freddy Krueger, sans la main, bien évidemment, avec son polo à rayures, là. J'ai trouvé ça vraiment. Bah, ouais, Charlie aussi, si tu vas parler. Ah ouais, mais Charlie, Arnaud Bondebourg. Mais Charlie, c'est pas mon pote. Ouais, mais c'est Freddy Krueger, que dalle, quoi. Je suis là, ce qui m'a fait penser à moi. Je t'ai pas dit que c'était l'inspiration. Enfin, il a pas le chapeau, il a pas la main. Bon, alors, bref, pour les il y a une marinière, quoi. D'anachronisme, Freddy Krueger n'existait pas en 1959. Merci. Donc le dessin, bien sûr, et sa représentation fidèle des yokai. Donc ça, on a déjà cité les bouquins déjà. Les morales, parce que c'est des histoires pour gamins qui sont plutôt bien amenées. Et effectivement, on est dans une espèce d'école de la vie à la dure. Donc ça, c'est clair que le mec, on sent qu'il ne parle que de la mort. Hein. Ça, c'est. Ah oui. Ça, c'est avant avec les fantômes déjà. Et moi, je trouve ça plutôt sain. Encore une fois, on avait déjà une discussion là-dessus. Je trouve ça plutôt sain, à la place de cacher la mort, comme on le fait dans nos sociétés occidentales actuelles, de pas d'en parler tous les jours, de dire tu vas mourir mon fils, tu vas mourir, on la cache pas partout. Pas ça. Mais de l'aborder d'une certaine façon, et je trouve que sa façon à lui est très intelligente. Écoute du métal, aussi, tu verras, c'est pas caché. Ce qu'il écoute aussi, ce qu'il met aussi en avant, c'est à la fois... du heavy metal. C'est les humains, c'est les humains dans leur travers régulièrement, et les yokai aussi. Hein, comment s'appelle ce yokai fantomatique, qui est vraiment un fantôme, et qui le trahit régulièrement? J'ai plus son nom là. Ça fait quelques temps que je l'ai lu et que j'ai préparé. Enfin, que j'ai préparé, non, que j'ai lu, donc du coup, je me souviens plus de son nom. Mais c'est toujours celui-là qui est en train de le trahir. Oui, c'est celui-là qui est toujours là avec sa tranche de fantôme là. Voilà. Ensuite. Celui qui est un peu peureux. Oui, toujours, oui, bah, c'est un pleutre. Ouais, qui est un vrai fantôme, dessiné en fantôme. Oui, tout à fait, qui est toujours en train de faire des coups dans le dos, voilà. Et que même à la limite, il vient à un moment donné. Oui, Ratichon. Merci. Et à un moment donné, il vient vraiment dans un épisode, l'ennemi carrément de Kitaro. Le repoussant. Qui porte bien son nom. Ce que j'aime aussi, c'est l'arrogance de l'homme moderne, qui est ici, enfin, du moins, c'est ce qu'il tente de faire, c'est son intention, il le dit clairement, remis à l'ordre, hein, parce qu'on voit souvent les gens des villes, de certains villages, mais surtout des villes, se moquer de ceux qui croient en l'existence des yokai. Et hop, ils sont touchés par les yokai, et là, ils redescendent, etc. Ils disent, bon, on n'entend plus parler de la réalité du tout, là. Et... Ah bon, allez, on va appeler Kitaro, bon, c'est qui ce mec? Bah, mais Kitaro, tu sais, c'est un petit peu le yokai buster qui va nous aider. Et, c'est très intéressant à ce niveau-là. Et puis, moi, je l'ai dit, oui, une certaine acceptation de la mort via, bien évidemment, ce gamin qui est pas mort-né, bien évidemment, mais qui dé, voilà, de sa mère. C'est quand même assez horrible comme image, mais voilà, sa mère est morte et il sort de l'utérus. Oui, mais c'est pas amené c'est... de cette manière. Non. Bien sûr, mais quand tu l'aurais fait, on s'en souvient. On parle de la chaîne. Non, mais voilà. Donc, non, mais je veux dire, l'idée peut être forte, mais alors, bien amenée, quoi. Pour moi, les trois faiblesses, parce qu'il y en a, bien évidemment, on va pas le nier. Je tiens à recontextualiser. Kino va sûrement revenir là-dessus. C'est 1959, donc on est dans des espèces de balbutiements. Bon, on est bien après. Les tragédies grecques. On ne prend pas notre histoire pour l'histoire internationale. Je pense pas que la tragédie grecque en 1959 au Japon, c'était trop ce qu'ils lisaient partout à l'école, tu vois. Je pense pas. Hein. Non, on les traite pas d'un culte non plus. Donc, non, c'est pas question d'un culte. Je pense que c'est une partie de notre histoire. C'est pas l'histoire de tout le monde dans le monde. Avant le manga, il y a des décennies, des centenaires d'écriture. Ah, je suis d'accord. Mais pas pour eux, peut-être pour nous, mais pas pour eux. Pas le même type d'écriture, c'est ce que je veux dire. L'écriture en 59, les mecs, non plus. Pas d'écriture. On parle de la narration, c'est pas la même chose. On parle de la narration. C'est ça que j'entends par écriture dans notre cadre. Là. Et là, on est vraiment dans des balbutiements du manga. Et c'est pour ça que moi, je lui excuse son découpage extrêmement basique, des maladresses de scénaristiques, c'est indéniable, on peut pas le nier. C'est loin d'être bien écrit. Kino va le dire tout à l'heure. Il y a des incohérences. C'est vrai. C'est pas des incohérences, c'est que c'est même pas écrit. C'est quoi. Des faiblesses. Ouais, dans la genèse, on vient de le dire. Et puis, comme tout, mais ça c'est propre au style. Hein, c'est des histoires courtes, c'est un recueil d'histoires courtes. Et ben il y a des inégalités, bien évidemment des inégalités. C'est inégal, je veux dire. Il y a des histoires qui sont pour moi extrêmement réussites et d'autres beaucoup moins. Mais bon, ça c'est un petit peu un lieu commun de le dire dans un recueil de nouvelles. C'est des histoires courtes, je veux dire. C'est un peu tout le temps comme ça.
J'ai encore plein d'autres choses à dire, mais bon, je vais laisser la parole à qui de droit. Non, mais moi, je veux juste dire, là, cette histoire de c'est les balbutiements, machin, ça veut rien dire. Parce que c'est une perception des choses qui est de croire qu'on est en évolution constante, c'est faux. Le classique, le balbutiement n'est pas moins bon que le moderne. Et même souvent, c'est aujourd'hui un paquet de films, qui sont extrêmement moins bien écrits que des classiques, et voire même des films au début du cinéma, quoi. Non, c'est pas écrit. Je suis désolé, tu regardes les premiers films des Frères Lumière, tu regardes les films de. Je te donne toujours cet exemple-là, de Naissance d'une Nation de Griffith. Je te parle de la grammaire, parce que là, on est vraiment dans une grammaire. Quand on parle de découpage. Non, Naissance d'une Nation, c'est tout. C'est écrit par l'épée, au-delà d'être idéologiquement dégoûtant. Mais là, je te parle juste au niveau de découpage et d'écriture. C'est pas pour rien qu'on parle de cinéma dans sa forme primaire. Et bah pareil, là, t'es dans la forme primaire du manga. Et tu prends Okusai, tout le monde parle de Okusai. Prends du Okusai. C'est du primaire aussi. Et est-ce qu'on va dire que c'est mauvais ? Oui, c'est mauvais. Maintenant, parce que ça a évolué. Par contre, je dis pas que c'est en évolution constante. Je dis pas qu'on est en train d'évoluer. Par contre, passer de ça jusqu'à, je sais pas, même Tezuka, et puis maintenant où l'on est, là, il y a eu une évolution. C'est indéniable. Ouais. Tu peux pas nier qu'il y a eu une évolution. Oui, parce qu'il est mauvais. Parce qu'il est, dans les balbutiements, dans les débuts de la grammaire. Il n'y a pas de grammaire, tu vois bien qu'il n'y a pas encore là. Ah oui, c'est bien ça le problème, ouais. Je suis d'accord. Le mec n'a jamais rien lu, quoi. Non, parce que le problème, c'est que le cinéma, c'est pas comparable à ça tout à fait quand même. C'est un art. Oui, je suis d'accord, mais ils sont pas tous les mêmes. Et l'écriture, elle est là, quoi. Écrire un dialogue et écrire des phases de rythme et des articulations scénaristiques, ça existait avant le manga. Oui. Il a qu'à lire, quoi, mec. Oui, mais pas dans le manga. Oui, mais c'est pas. Et alors, voilà la différence. Non. Bah si. Vas-y, Inès, parce que chaque fois on la laisse en dernière. Donc, je pense que le manga, il devait être bien aussi de lire un chapitre par mois. C'est vraiment un manga magazine, en fait. C'est ça le truc. Et nous, on a un tome. Donc je pense que ça peut être moins apprécié. Il y a vraiment ce type de manga où on apprécie beaucoup parce que ça sort. Il y a un chapitre qui sort par mois, etc. On est content, on a lu ce notre chapitre, voilà. Alors que tout d'un coup, c'est vrai que ça peut paraître lourd et qu'on voit beaucoup plus d'inégalités entre les nouvelles parce qu'on lit tout d'un coup et on se souvient de l'autre nouvelle. On se dit, par rapport à l'autre nouvelle, la précédente, elle était quand même beaucoup mieux. Pardon. D'accord. Tu parles des liens entre les histoires, d'accord, au niveau du recueil de nouvelles. Mais toi, par exemple, qui est plus jeune que nous, est-ce que tu as trouvé ça extrêmement daté, extrêmement mauvais même, je dirais, parce que toi, dans le culture. Après la mort de l'auteur. Non, ouais. Pas quand même. J'ai pas trouvé ça mauvais. Enfin. Tezuka, c'est même antérieur parce que c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il a créé son studio après la Seconde Guerre mondiale et il est mort en 89. Donc ça donne à peu près l'ordre d'idée. D'accord. Ouais, c'est pas faux dans le sens. Attends, c'est pas en lisant Les Trois Adolphes qu'il a fait en 80 qu'on peut parler de tout Tezuka. Je suis désolé, tout Tezuka n'est pas exceptionnel, il faut arrêter, c'est comme tous les auteurs. D'ailleurs, les premiers Tezuka, c'est désolé, les balbutiements marchent très bien pour Tezuka pour une simple bonne raison que les premiers Tezuka étaient écrits pour les enfants. Ils créaient vraiment une histoire pour les jeunes. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'était d'autant plus vrai parce qu'en fait, il y avait une sorte de code préétabli qui s'était à tous imposé, qu'il ne fallait pas faire de manga dur ou qui parlait de la vie des gens. Et c'est là où est apparu les Gekiga, qui a été les balbutiements et qu'on retrouve en partie dans ces écritures qu'on a aussi dedans, même si le Gekiga est encore une œuvre un peu plus particulière, où Tezuka s'est testé par la suite et pendant très longtemps il s'y refusait. Donc les balbutiements, on en est à 200% dedans. Et puis il faut contextualiser, je pense que c'était déjà un manga qui se prenait pas non plus trop au sérieux, qui était vraiment pour les enfants. Et après en France, quand c'est sorti et tout, il y a tous ceux de la BD, les grands, etc. Ils en ont fait, ils l'ont mis sur un grade qui n'était pas destiné. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on est en mode, mais non, c'est pas très bien, etc. Je pense que c'était un manga, ça a beaucoup parlé à la jeunesse japonaise, etc. Son manga, et je trouve ça bien qu'on parle des yokai d'une manière assez drôle au final. Il faut en avoir peur, mais en même temps, il faut surtout les accepter. C'est comme ça, la société japonaise, on a trop oublié. Nos traditions, notre art de vivre pour s'intéresser au futur, alors que non, il faut se souvenir aussi de ce qu'il y avait avant et de ce qui fait aussi notre peuple. Et je pense que bon, ça c'est vraiment du sous-texte, enfin en mode faut pas non plus lire ça en mode c'est une critique, enfin oui, mais d'un côté non, faut pas autant prendre ça au sérieux. Et voilà, il y a des nouvelles qui sont pas mal et il y en a d'autres, c'est assez bof. Mais après moi je dirais pas ça non plus en 11 tomes non plus, enfin. Voilà. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus là-bas. C'est pour ça que c'est un manga
c'est bien, si ça sortait en magazine chez nous, ce serait bien, tu vois. Enfin, une petite histoire, bah, une petite histoire par-ci par-là, et on serait content. Kilo, vas-y, moi. Oui, bah, phare d'un auteur culte, mais comme les trois quarts des gens, bah, j'ai pas aimé, je me suis emmerdé. Parce qu'au final, t'as raison, Inès, c'est un regard un peu aussi qu'on a ici, d'une minorité de gens qui pourraient faire bien sur du patrimonial. Et au final, balbutiement, pas balbutiement, de manière naissance d'une nation, tu me dis, ouais, c'était balbutiement, puis tu trouves ça nul. Donc voilà. Là, c'est tout. Bah, c'est pas bon. Et c'est parce que, bon, je vais pas revenir dessus, mais c'est mal écrit, et c'est voire très mal écrit. Les dialogues sont chiants, les résolutions, quand elles existent, des histoires. Sont bâclés, ratés complètement, mais ça, à la limite, ça devient presque une marque du manga par moment. Sauf que le problème, c'est que quand c'est une série au long cours, et je comprends si un mec, on est arrivé au 850e chapitre et qu'on lui dit dans 3 chapitres c'est fini, que ce soit dur de conclure, là, quand là, c'est une histoire, un chapitre, c'est plus embêtant qu'il n'y arrive même pas quand même, le monsieur. Les histoires en elles-mêmes, certaines sont farfelues, d'autres extrêmement farfelues, d'autres sans intérêt. Il y a un problème quand même, c'est que pour rentrer dans cet univers, dans le tome 1, la première c'est sur les origines de Kitaro. On va se dire c'est normal, ouais, c'est peut-être normal, mais je pense qu'en France aujourd'hui, quand tu sors ça, c'était pas la bonne histoire à mettre au début. On aurait pu la mettre plus tard, alors ses origines plus tard, on était pour vivre ça comme un flashback. Parce que le problème, c'est que d'entrée de jeu, il te parle des zombies, que c'est un zombie, et en fait, c'est pas un zombie. Donc voilà, c'est pas un zombie. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Alors si c'est la trade, je viens, mais ça rajoute encore plus au fait que ce soit chiant à lire. Et je suis pas sûr que ce soit un problème de traduction. Et la deuxième histoire, il est même plus là, le pépère Kitaro, dans la deuxième histoire. Donc comme entrer dans l'univers, c'est très compliqué quand déjà t'as un contresens et après t'as plus le héros. Ça part déjà mal. Moi, il y a des histoires que j'ai bien aimées. Hein. Je balance pas tout à la poubelle hein, là-dedans. Hein. Mais je pense que c'est pas uniquement un problème de traduction. Je pense que le point fort de Kitaro, pardon, c'est que le mec dessine bien, l'auteur dessine bien, ça c'est sûr, il a un trait, voilà, il sait dessiner, et qu'il est ultra documenté en yokai. Enfin, je l'en avais déjà parlé, quoi. Il est allé chercher des partout en province et tout au Japon, il allait se renseigner et tout pour faire un recensement des yokai, donc ça c'est très très bien, mais sorti de ça, il est zéro. Et il est, voire limite, il a des petits problèmes de culture, le monsieur, parce que ne même pas connaître Frankenstein, c'est un peu ennuyant, surtout quand tu fais de la fantasy. Alors, je veux dire, je sais que les Japonais, ils sont sur le Japon et ils sont moins ouverts au monde extérieur. Ouais, mais dans ces cas-là, qu'ils convoquent pas, quoi. Frankenstein, c'est pas la créature, c'est le créateur. C'est le minimum à savoir. La couverture, le résumé, la fiche wiki, enfin, pas les PAN 59, enfin, ils se démerdent, quoi. Tu me diras, les Américains ont encore sorti un film où c'est encore la même. Hein. Et récemment, donc Frankenstein et la créature. Mais non. Oui, docteur Victor Frankenstein, qui est Frankenstein, c'est le créateur de la créature et non pas la créature du créateur. Oui, de Mary Shelley. Et voilà, donc c'est un peu ennuyeux quoi, d'aller convoquer à un moment donné dans des histoires des trucs que tu maîtrises pas. Et c'est là que tu vois que je suis pas sûr que l'histoire du zombie soit un vrai problème de trad. Juste un problème de l'auteur surtout, quoi. Je te rappelle qu'à quelle période c'était écrit, et même en termes d'œuvres ou de séries qui arrivaient, et insulairement parlant, ils n'étaient pas ouverts. Ouais, je l'ai dit, ouais, je sais bien. Et ça, c'est aussi, bien sûr que ça pose problème. Mais c'est comme tout, je dis toujours, c'est contextuel. Il faut remettre à l'époque, à quel moment c'est écrit, et comment on pouvait avoir les renseignements sur certaines choses. Si tu mettais ça à l'époque par rapport à la créature, je veux dire un truc tout con. Je veux dire, reviens 10 ans chez nous en arrière, même 20 ans et 20, 10 ans. 15 ans en arrière, tu demandes aux gens c'est quoi Frankenstein, on va te dire c'est la créature. On va dire Frankenstein, c'est le mec qui marche avec les yeux. Bah évidemment, quand t'as des mecs comme ça qui sont du classique et le classique de du patrimonial qui ont commencé à déconner. Mitsuki est arrivé quand, je te rappelle, c'est arrivé tardivement chez nous, mais moi je te parle de chez nous. C'est les gens chez nous, prends même des jeunes aujourd'hui, prends même des gamins aujourd'hui, même des adultes, la plupart ne savent pas. Je vais pas, si tout le monde raconte une connerie, je vais pas la valider. Non, c'est pas une connerie, c'est ce qu'on appelle l'effet Mandela, mon ami. Ouais, je suis d'accord, mais au final, moi je juge son œuvre et du coup, ce genre de truc, ça me gonfle. Ah, je ne dis pas le contraire, je dis pas que tu as tort. Et je trouve que c'est dommage parce que d'un côté, il est extrêmement bien documenté et on sait que les Japonais savent bien se documenter et depuis longtemps, y compris depuis les balbutiements quand on voit son travail, et ça c'est bien, mais de l'autre côté, le rythme il est chiant, quoi, faut dire ce qu'il y a, quoi. Il y a des vrais problèmes de rythme, la gestion des ellipses c'est une catastrophe, et c'est vraiment. Et la notion de découpage existe à peine, quoi. Alors, il y a des histoires qui sont très courtes.
et d'autres très longs, mais ça, c'est pas un... bon, ça joue pas. Il y en a même une fresque qu'on peut comparer un peu à du Godzilla, que moi j'ai bien aimé, hein, parce que encore une fois, je jette pas tout, quoi. Mais voilà, je sais plus ce que j'avais gardé. Oui, bah, j'aime bien le personnage principal. Oui, il est intéressant, son perso principal, comme ça, un peu désabusé de la nature humaine, mais qui fait quand même, à chaque fois qu'on va l'appeler, à chaque fois que les humains vont l'appeler pour avoir son aide, il va quand même y répondre. Parce que les humains sont un peu de problème à se confronter à la réalité. Donc ça, j'aime bien. Et l'univers, le folklore qu'ils maîtrisent parfaitement, je répète, ça, c'est vraiment bien. Et c'est pour ça que je conseille plutôt de lire l'artbook. Parce que l'artbook, c'est une page, un yokai et une histoire en un dessin. Et il y a, je l'avais déjà dit, je le redis, en plus, il y a trois niveaux de dessin quasiment, qui est les décors, très détaillés. Il y a les yokai, avec un style fantastique, on va dire, parce que c'est des monstres, des fantômes, tout ça. Et le style de ces persos, qui est un style plutôt arrondi, manga, qui fait un vrai contraste. C'est en format italien chez Cornelius, là, en longueur, là, et à l'horizontale, et c'est splendide, quoi. Et ça coûtera moins cher que toute la série. Et en fait... c'est 10 fois plus efficace et c'est tout son savoir-faire positif. Le dictionnaire, il est chez Pika. Ouais, aussi. Il y a ça aussi. Mais voilà, c'est tout son savoir-faire positif. C'est tout là où il est le meilleur pour moi. C'est-à-dire le dessin et la maîtrise du folklore. Enfin, folklore, tradition, croyance. Moi, personnellement, hein, je ne le jugerais pas sur celui-là. Parce que du coup, bah, pour le coup, on a lu celui-là. Mais c'est vrai, comme on en parlait tout à l'heure, Opération Peur, c'est vrai que celui-là, ça me dirait bien de le lire. Ou pour le coup, il y a quelque chose de plus autobiographique. Et il l'a écrit plus tard. Donc, à voir, effectivement, si c'est son manque de talent pour l'écriture s'est amélioré, on va dire. Non, mais là. Oui, non, mais attends, je parle bien de Kitaro. Hein. Je mélange pas, enfin, je traite pas toute son œuvre. Mais franchement, enfin, quand tu regardes les retours des gens en plus, enfin, les trois quarts abandonnent et ils trouvent ça chiant. Ils ont raison, quoi. Et faut arrêter cette espèce de truc faussement branchouille de dire ah c'est bien, parce que c'est le mec qui a fait les yokai et que nous en France on n'a pas de yokai et qu'on tripe quand on voit ça. Parce qu'au final, c'est quand même chiant à lire, quoi, parce que c'est mal fait. Nico. Mal fait. Alors. Je suis d'accord avec toi par rapport à un seul domaine, sur un seul truc. C'est par rapport à un moment où il a été écrit. Effectivement, il fallait avoir une certaine légèreté par rapport à quand est-ce qu'il a été écrit, quand les périodes, pourquoi, comment. Mais la seule chose qu'on peut lui rendre par rapport à ça, pour moi, c'est le côté où il fallait ramener la culture des choses qui ont été perdues à l'époque, qui était le yokai. Et je trouve que c'est justement bien, ça, le travail de ce point de vue-là, c'est ça qui fait que... Et ça te permet, en fait, à travers ça, de te rappeler que les yokai sont certes des créatures fantastiques, des monstres et compagnie, mais ce sont avant tout des esprits qui peuvent avoir peur, partir, une histoire, et que même s'ils sont là, bah, on peut quand même faire quelque chose à travers eux. Ce qui veut dire soit pour certains... Ben c'est les chasser, être amis ou s'en servir pour des choses et pourtant qui sont, même si on a qui sont démoniaques, comment s'en débarrasser. Et ben je trouve que c'est à travers ça qu'on a réussi à ramener une certaine culture qu'on n'avait plus pendant un moment. Et le Japon a réussi à travers ça, moi je trouve, et je dis pas que c'est grâce à cette œuvre, mais grâce à des gens comme lui, parce que c'est des choses qui sont passées par la suite et qu'on continue, c'est que l'œuvre de Mizuki reflète le côté où, à travers un monde extrêmement avancé au niveau de la technologie, des sciences ou de la technologie en soi, et ben qui ont fait ce mariage avec la tradition, et tradition. Voilà, c'est ça, et qui amène ça. Et ben c'est exactement ça. Il y a des œuvres comme ça, même si aujourd'hui bah, elles font vieillotte, même si les thèmes sont un peu oubliés, bah, j'ai envie de dire par là, il suffit de ne pas regarder non plus si loin, regarde des Albator, regarde du Goldorak, regarde du Candy, regarde toutes ces choses-là, et tu te rends compte qu'en fait, la plupart des œuvres bah, sont assez légères dans leur regard, sont pas toujours très bons dans le scénario, mais c'est plus en termes de ce que ça te transmet comme information, comme univers et comme savoir qui est derrière. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que moi je le regarde comme ça. Mais je suis d'accord avec toi derrière. Hein. Non, mais regarde, l'artbook là, chez Cornelius. Ah, il est magnifique. Il est splendide, mais en fait, à chaque fois, t'as... donc en pleine page, t'as rien. Ça a fait un renvoi à la fin, ouais, où ça t'explique dans quelle région tu trouves le yokai,
pour quelle peur, pour quelle voilà. Et là tu te dis bah dans chouette, le dictionnaire, Kitaro, c'était encore plus dense dans le dictionnaire. Et bah tu te dis chouette, finalement Kitaro ça va être plus ludique parce que ça va être la mise en scène de tout ça, et au final c'est chiant à lire. Allez, et finalement il vaut mieux se lire l'artbook où t'en apprends beaucoup plus sur les yokai quasiment. Oui, mais j'ai envie de te dire que ça c'est ce qui lui a permis de plus tard de lancer. Ouais, je suis d'accord, hein, bah c'est oui, ce qui ça, lui a permis a même sans l'autre, à l'époque hein, de rappeler les yokai aux gens. Et du fait, comme l'a dit très justement Stan, il y a une nouvelle œuvre qui va arriver dessus et qui va être remis au goût du jour pour remettre un peu l'explication sur toutes les créatures et autres avec le goût d'aujourd'hui. On va le retrouver. Par contre, là, si tu trouvais ça neuneux, je te conseille qu'avec ce qui va arriver, ça va être avec la façon de penser et la manière de percevoir des choses des jeunes d'aujourd'hui. Comme ça me dérange pas le côté jeune, hein. Puis c'est pas obligé d'être neuneux parce que c'est pour les jeunes en plus. Hein. Tout à fait. Eh bien écoute, on va parler de quelque chose que j'espère que c'est pas neuneux. Hein, parce que là on a terminé, excusez-moi. Kitaro, 11 tomes, Cornelius, le mec il est pressé donc il zappe ses transitions. Il est temps de partir les gars. Shinobiri de Lean Global en Manga. En deux mots, hein, Shinobiri. Oui, Global Manga, 3 tomes en cours chez Tengu Edition. C'est vraiment, on garde finalement Global Manga comme. Bah écoute, oui, le manga français. Du franga. Non, c'est moche ça. Je déteste ce mot. Oh, c'est dégueulasse. On dirait une boisson ratée. En plus, on n'a même pas fait exprès. Même Nico, il n'a pas fait exprès quand tu nous l'as proposé. Parce qu'il a déjà rencontré l'auteur. Non, je ne l'ai pas rencontré. Tu ne l'as pas rencontré ? C'est, en fait, c'est. Merci mon petit Cédric qui, lui, est à Narbonne. C'est un petit jeune que j'ai eu chez moi en formation pour devenir libraire. En fait, il a fait l'UIT métier du livre et il était chez moi. Et c'est, ce gamin était une de mes petites fiertés parce qu'effectivement, il s'est donné, il a aimé le manga, il a appris énormément de choses. Et il a cherché à travers toute la France. Il est parti, il a crapahuté partout et il a trouvé à Narbonne. Le mec de Narbonne lui a dit viens, petit. Il l'a pris dans son stand, enfin dans son rayon, il l'a mis dans le manga et il a vu qu'il travaillait bien. Il leur a donné une seconde chance en le revenant venir parce que c'était un CD machin et de compagnie. Il a apprécié, il a dit écoute, moi je te propose, c'est un CDI. Mais en plus, il me racontait l'histoire. Tu vois le patron qui regardait les comptes, qui a relevé. Donc il cherchait vraiment un bon jeune et il a vu que c'était un bon gamin. Et oui, effectivement, Cédric est vraiment, je trouve, pour moi, voilà, c'est ce qui est l'archétype des nouveaux jeunes aujourd'hui qui vont arriver en tant que spécialiste manga. Et je me dis qu'avec une grande fierté, c'est moi qui l'ai formé. Donc c'est il fait partie de mes petites fiertés en ce moment de je peux dire sensei, mais tu formes des jeunes et tu vois qu'ils trouvent des jobs et dans le spécialisme manga, bah, ça te touche. Non mais c'est le vieux sage dans son temple qui forme un jeune et va crapahuter dans la province française et il s'établit sur le mont machin, je sais plus où là, et puis voilà quoi. Alors Shinobiri, de quoi que ça cause? Ah bah oui. Bah oui, parce que là on va retourner au tigre des neiges. Au tigre des neiges. Et si Kenshin, le tigre des neiges, était un hippopotame et non une femme. Et non un homme. Voilà. Voilà. Dans un Japon médiéval où les grandes figures historiques sont des animaux, on suit la jeune Tomoe Itori. Atori, pourquoi il m'a encore corrigé. Atori, donc Atori Honzo, c'est la fille de Atori. Il est temps d'avoir un correcteur japonais. Toujours. Avant la rébellion des shinobi de la province d'Iga, berceau du ninjutsu. Tomoe est une kunoichi, donc c'est une ninja femme. Désirant faire ses preuves dans un monde d'hommes, mais difficile de trouver sa place. De mal. Ces animaux. Accompagnée de son frère Genzo, elle décide de faire ses preuves dans une mission qui scellera l'avenir de son clan. Elle va essayer de... C'est un spoil si je l'ai dit, ce qu'elle va essayer de faire ? Non, ça, tu peux le dire. Elle va tout simplement essayer de tuer Kenshin. Bah, c'est juste ça. Vous découvrirez ainsi l'histoire du clan Hattori, dont le destin bascula lorsque le seigneur de guerre Oda Nobunaga, ça revient souvent dans les jeux, dans les films, dans les séries, se lança à l'assaut de la vallée d'Iga pour éliminer les guerriers ninja, dernier obstacle qui l'empêchait à régner sans partage sur le Japon. Donc comme je l'ai dit, c'est la jeune auteure Lynn qui, en autopublication, il faut le souligner, sort Shinobiri en 2012 et le tome 3 vient de sortir en 2018. Nico, tu veux nous en parler ? C'est toi qui a choisi ce tome. Alors, on se retrouve dans un univers qui est assez ce qu'on appelle, ce que disait très justement Inès en off, c'est dans l'ambiance, ce qu'on appelle le furry. Le furry, c'est ce qu'on appelle justement le côté un peu animal, humanoïde, et ce qu'on retrouve surtout dans les conventions, des gens qui se déguisent en sorte d'énormes chiens ou machin, c'est le côté furry. Donc c'est ce que vous trouvez quand vous regardez dans les conventions. Et bien là, elle s'est amusée à faire ça. Alors, généralement, quand on retrouve des œuvres pareilles, mis à part Ozaki
Yojimbo qui était sorti par Stanley et compagnie, donc ça c'est un débat, c'était le côté où généralement c'est toujours un peu homosexuel, ou Yuri dans le côté animal, dans cet esprit là et ça m'a fait plaisir de voir autre chose sortir, et c'était vraiment très bien fait. Donc sur le coup on a une bonne histoire, c'est basé sur des faits réels, encore une fois, parce qu'on parle de certains seigneurs des périodes... Il y a un coming out hétérosexuel des furies. Monsieur, veuillez sortir de ce Kensington, s'il vous plaît. Et effectivement, on y découvre justement cette partie de ce qu'on avait parlé déjà des Tigres des Neiges, avec le côté historico-populaire, avec les mythes et légendes, mais le côté animal. Cette jeune fille française maîtrise vraiment très bien ses plans. On voit la progression qu'elle a en trois volumes de ses décors, de ses ambiances. C'est une sacrée dessinatrice qui a été en plus invitée d'honneur au TGS, à côté de Renaud Lemaire, d'Elsa Brandt et compagnie. Donc ça fait comme plaisir d'entendre qu'une jeune fille qui est en auto-édition, qui se décarcasse, qui fait des choses. Ça me fait beaucoup penser à Michael Almodovar ou autres qui se battent pour leurs œuvres et ils le mérite parce que c'est des très bons auteurs, et ben elle, c'est une très bonne, très très bonne auteure. Et donc, on est basé vraiment sur cette épopée, sur cette grande fresque, ces grandes batailles et ce côté animal. Et c'est assez rigolo parce qu'on retrouve justement à côté de ces animaux, le côté chaque animal avec son comportement, sa façon de vivre, sa façon d'être, le côté fourbe de certaines bébêtes, le côté fier d'autres en fonction des animaux utilisés. Et c'est vraiment le côté ninja. Et on t'explique effectivement, j'aime bien cette phrase-là, c'est le ninjutsu ne formate pas une personne à un style prédéfini. Chacun doit développer le sien avec ses affinités qui lui sont propres. J'ai trouvé le mien en toi, à toi de trouver le tien. Et ben c'est exactement ça. Voilà, on va trouver des ninjas qui ont développé leurs arts. Ça se passe dans les univers de Iga et les Koga et tout ça, pendant les grandes périodes de Nobunaga, donc les Tokugawa, ces grandes frais, ces grandes batailles. Et c'est bien, c'est fait de manière assez ludique, c'est mignon, c'est beau graphiquement. Ben moi, j'ai pris plaisir. Et je remercie encore une fois Cédric qui me l'a offert comme cadeau. Et avec la dédicace, je suis dit, oh, oui, c'est cool. Le premier. Et aussi, non, oui, tous, mais le premier, quand il me l'a offert, j'ai trouvé, oh, pourquoi pas, ça nous l'auteur à découvrir. Je l'ai lu, j'ai pris plaisir, et quand il m'a offert le deuxième, j'étais tout content, et je m'attendais pas du tout. Il m'a offert le troisième, alors j'admets que je l'attendais en me disant, est-ce que je pensais que j'aurais une opportunité de l'avoir, et en fait il me l'a amené, et ça m'a beaucoup touché, parce que j'aime beaucoup Lynn, j'aime beaucoup son style, et j'aimerais effectivement qu'elle soit un peu plus distribuée un peu partout. J'admets que je dis ça, mais dans mon magasin, avec la taille de mon magasin, j'admets que je suis un peu à l'étroit. Donc prendre des auto-éditeurs, des fois j'aimerais, mais c'est compliqué. Par exemple, Michael Domodovar, je l'ai pas, et j'aimerais bien. Donc la petite ligne, j'aimerais bien aussi. Mais c'est pour ça que je me dis quand même, si on essaye pendant des événements, pendant des conventions, ça peut être vraiment bien. Et la faire venir, c'est vraiment une bonne chose. Et cette jeune fille qui a été quand même membre d'honneur, je trouve que c'est une très bonne chose. Et elle a un dessin qui se fluidifie, qui s'enrichit, et au troisième tome, mais c'est une pure merveille. À un moment, il y a une scène où on voit toute une vallée, où on la voit galoper, c'est magnifique, et je me suis dit, mais vache, cocotte, ton dessin, mais il est incroyable, t'as une maîtrise. Elle descend de cheval, on voit les bâtiments sur le côté, on redescend, on le voit en contre-plongée. Je me dis, mais vache, tes perspectives, carrément. Et je me dis, les perspectives, mais tu maîtrises bien, c'est incroyable. Et vraiment, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez l'occasion, allez sur Internet, allez chercher sur son site pour trouver. Elle vend, donc allez voir. Et ça vaut le détour. Et si vous avez l'occasion de la voir pendant une dédicace de ce que m'expliquait Cédric, c'est un amour. C'est une fille, mais incroyable, d'une gentillesse extra. Donc, allez la voir, parce qu'apparemment, c'est vraiment, ça vaut le pâté. Ça se voit à travers son manga. Oui, c'est gentil. Inès ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Suite à ces mangas, notre sélection de mangas, je me suis dit que ça manque vraiment de furie finalement en France, qu'il pourrait y avoir plus de mangas avec des animaux, parce que le furie c'est assez... C'est vraiment une communauté, c'est pas partagé en fait, à part si on s'y intéresse, mais c'est pas quelque chose... très universel ou quelque chose comme ça où on peut découvrir au travers d'un site sur internet, etc. Il faut vraiment le chercher, et je me dis que moi je suis pas du tout, mais j'y connais quand même, et suite à par exemple à Shinobi et Beastars, je me dis que ça manque vraiment de mangas où il pourrait y avoir des animaux
parce que de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de monde. Pas qu'en manga, je parle surtout du côté de Disney ou quelque chose comme ça. On est habitué à voir des animaux qui parlent. Anthropomorphisme. Ouais, voilà. Et que ça pourrait plaire. Oh, donc si tu parles si Disney, moi, je ne suis pas du tout Disney. Sinon, concernant ce manga, alors je ne sais pas si j'étais fatiguée. Si j'étais fatiguée, si des fois je confondais peut-être la lecture japonaise avec la lecture française, mais j'avais du mal à comprendre en fait le manga. Et je sais pas si c'est moi. Moi je trouve que j'ai mis dans les points forts justement qu'on comprenait très bien la. Je trouve que c'est le découpage, j'ai l'impression qu'on passe vraiment d'une chose à l'autre et je sais pas, il y a pas. Il y a beaucoup, c'est très dense comme manga quand même, hein, au niveau des dialogues, des dessins, c'est généreux. Moi, je le mets en point positif. Moi aussi, je l'ai mis en positif. Ouais, mais je sais pas. Je crois que j'étais peut-être fatiguée, mais j'avais du mal à comprendre, en fait. J'ai l'impression que il y avait... Je sais pas, un personnage, il parlait de ça, puis après, ça parlait de ça, puis après, ça parlait de ça. Je sais pas, il y avait... J'avais du mal. Je sais pas si c'était la liaison ou autre. Je sais pas si j'étais la seule, je pense. J'ai l'impression, finalement. Non, nous, on fait les malins, on dit qu'on a tout compris. Non, mais je déconne. Mais oui, non, faut quand même être assidu sur la lecture de ce manga. Il faut être concentré, oui, tout à fait. N'est-ce pas, Nico ? Nico est concentré. Lui. Je le mettrais vraiment dans la lecture. Après, le même moment où j'ai lu du City Hall par moment, pour vraiment rester dans certains enchaînements qui étaient des fois un peu abrupts, je peux comprendre. Et ça m'est arrivé dedans, effectivement, de me dire. Oula, attends, on revient en arrière. Ah oui, c'est tel personnage pour telle raison. Et en fait, il essaie de te rappeler sur un truc. Ouais, voilà. Mais voilà, je peux comprendre. Mais en même temps, elle le fait quand même relativement, même très bien, vu que, comme disaient Kino et Stan, c'est le côté où c'est un point fort, parce qu'elle le maîtrise bien, elle arrive à faire son écriture et son... Je trouve, je perds mes mots. Bref, l'animation de ces mots, de ces personnages, mais entrecoupée de scénettes par moment. Comme un moment avec le truc, le poison, le truc du collier, après on repasse sur un truc, après on revient sur elle, après on repasse sur un autre personnage. C'est vrai que le tome 2, à un moment, je me suis un peu perdu sur certains moments. Et je pense que, comme toi, je l'ai lu à un moment où je n'étais pas le plus concentré dessus. J'étais un peu en mode, j'étais dans le lit, j'étais en train de lire, en mode, allez, je dis ça avant de coucher. Et j'étais un peu, oula. Je l'ai repris le lendemain, je dis, ah oui, effectivement, oui, j'avais raté ça. Et je peux comprendre ce que tu veux dire. Mais je pense que ce manga a du potentiel, juste peut-être ça manque peut-être d'ancrage, parce que des fois je confondais beaucoup les personnages vu que c'est des animaux, donc c'est un peu plus compliqué des fois à les distinguer entre eux. Peut-être un peu de dégâts. Inès, par la différence entre un chat et une girafe. Non, mais non. Un hippopotame. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup d'animaux. Beaucoup de félins. Beaucoup de félins, etc. Oh. Donc sur le coup, j'avais un peu du mal. Et je sais pas si ça vient peut-être. Je pense que ça vient de moi aussi. Mais voilà, je pense que vraiment il y a quelque chose à découvrir. Je pense que la mangaka a vraiment du potentiel, a vraiment une maîtrise. La mangakatrice. Il faut que. Je pense qu'il faut qu'elle continue. Puis surtout, c'est vraiment l'une des seules à faire du Fury qui est sorti en tout cas en France, édité, parce qu'on n'en voit même pas, on est au niveau du Japon. Enfin, est-ce que tu as un manga japonais? Parce que ça, c'est pas non plus trop du Fury, ça c'est beaucoup plus Fury. Nico, il est d'accord avec moi, mais au niveau d'un manga japonais, j'en vois pas du tout. D'accord. Il y en a marre. Elle a posé une question. Je sais pas. Est-ce que tu en as? Est-ce que moi j'étais en train de lire et j'étais un peu plongé? Je sais pas, tu as compris ta dernière phrase. Tu disais. Est-ce qu'il y a un manga Fury qui vient du Japon, édité en France? Absolument pas. Ouais, voilà. Il y a effectivement le Beastars est entre guillemets le seul vraiment dans qu'on pourrait mettre dedans, même si on n'est pas vraiment. C'est apparemment du Fury, ouais. Gone. Non, alors, tu sors un saumon, mon fils, là. Je sais plus exactement le titre. D'accord, Kino a bien capté le délire. Bon, moi bon, on va aller assez réfléchir, Nico. Je ne vais pas me répéter, surtout qu'on a bien avancé dans le temps. Moi, je ne vais pas parler dessus. Non, parce mais que j'ai pas grand-chose. J'ai aimé. Hein. Non, alors d'abord, ça évite le piège que je reproche souvent au manga français, c'est-à-dire d'étaler sa culture, enfin ce qu'il a aimé, ce qui a bercé son enfance du Japon, tout en clin d'œil, en justification. Bon, ça évite. Au moins là, l'auteur développe ses persos, son histoire, son univers, sans se préoccuper de ça. Moi, j'aime bien. Moi, enfin, en plus, je participe au débat, mais pour le coup, je l'ai pas vu. Hein, ce que tu dis, tout à fait. Enfin, moi, ça m'a pas pesé. Enfin, ça m'a rien. Ça m'a même pas sauté aux yeux. Je veux dire, pesé encore moins, mais ça m'a pas sauté aux yeux. Je trouve juste qu'après, ce qui est un peu dommage, l'éditeur, c'est très dense en termes d'histoire, d'éléments, de dessin, tout ça.
c'est, il faut suivre quand même, mais c'est juste trop bavard pour moi. J'aurais juste envie de dire, faut faire confiance au dessin, faut pas oublier que le dessin raconte plein de choses. Moi, si je devais donner un point faible, je sais pas comment ça se passe dans la réalité, j'en sais rien, hein, je suis pute, mais enfin, moi, je sais mon ressenti en tant que lecteur. Je dirais que ça manque d'un responsable éditorial derrière qui accompagne un peu l'auteur. Quand, pour même, revenir, même quand tu en es en France, ça pose problème. Voilà, quand on voit la couverture, ça va dans ce sens-là pour moi. Mais c'est dommage parce que ça parle trop, quoi. Pour moi, c'est pas obligé que ça parle autant. Je conseillerais à la personne de lire L'homme qui marche. Non, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à cet extrême-là non plus, hein, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire avec les dialogues, évidemment. Je ne suis pas que pour des trucs mutiques. Mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire passer par le dessin, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le dessin. Ça ne sert à rien de doublonner, ça ne sert à rien de tout mettre dans le texte, qu'on peut mettre beaucoup de choses dans le dessin. D'autant qu'elle dessine bien. Elle dessine très bien. Après, le choix des animaux, moi, pour moi, c'est plus un truc esthétique que vraiment. Tu vois, enfin. Est-ce que ça apporte vraiment pas quelque chose? Pas de propos dans l'utilisation, voilà, du anthropomorphisme. Alors d'accord. Pour par rapport le Black Sad, on a ça aussi le côté chaque animal a son caractère et ultra classique en plus chez Black Sad, c'est le ce qu'on appelle un gorille, un Black Sad, c'est le gorille, le mec qui vient pour taper les autres, va être un gorille là, le petit malin rusé, ça va être un renard, c'est très classique et tout. Là, ça pousse pas jusqu'à ça, il y a même pas une réelle utilité comme ça. Qu'est-ce que j'ai sur la tête? Non, c'est une petite bestiole qui se promène. Non, vas-y, arrête pas une araignée. Bim, Fury. Oh la vache, on a pu faire, c'était Karate Kid là. Ouais. Avec la baguette. Elle a chauffé le truc. Mais non, voilà. Et puis, c'est pas pour autant que je verrais bien plus des humains à la place. Ça me va très bien comme ça, l'esthétique est très bien. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est généreux, il y a de l'envie. Et, ça, et cette générosité, cette envie ça est bien transmise. Non. Alors que moi, j'aime pour bien. Le coup, comme tu disais, on connaissait pas l'auteur. Mais ça ressort véritablement dans son œuvre. C'est vrai qu'on a envie de la connaître. Elle a très sympathique, cette jeune femme. Oui, c'est pas que de la gentillesse. Il y a de la bienveillance, tu vois, vis-à-vis de ses persos, bon, tout ça. Ça, j'aime bien. Donc, Shinobiri, 3 tomes en cours chez Tengu Édition. Donc, Nico, pourquoi j'ai laissé parler Kino en dernier? Nous allons parler de Prisonnier Riku. Je sais pas. De Gun, comment ça s'est passé? Je sais pas pourquoi je dis ça. Je comprends pas. Prisonnier Riku de Shinobi. Shinobu Seguchi, 29 tomes en cours chez Akata. Cela fait 10 ans qu'une météorite s'est écrasée sur Tokyo, séparant la mégalopole en deux. D'un côté, les riches. Enfin, ça, c'est comme le train dans Boichi, dans Origin. On s'en sert pas pendant longtemps. De l'autre, les pauvres dans leur bidonville. Riku est de ces derniers et vit tant bien que mal aux côtés de son papy. Oui, papy. Riku, 13 ans. 13 ans, tout à fait, je vais le dire. Mais s'apprêtant à dévoiler la corruption des hauts placés, papy est tué. Et Riku, accusé de ce meurtre. Petit Riku. À 13 ans, il est alors incarcéré dans une prison de haute sécurité et se retrouve au milieu de co-détenus et de matons, tous plus violents les uns que les autres. C'est sa détermination et sa grande gueule qui vont forcer le respect, notamment de certains chefs de gang comme Renoma, avec qui il va tenter de s'évader. Riku arrivera-t-il à s'évader et surtout à se venger de Kodoin? Kodoin? Ça fait penser à Kodoin. Kidoin, l'assassin de son papy. Qui est le préfet, merci. Qui dirige cette prison du futur. C'est ça. C'est lui qui a donné toutes les solutions étatiques, soi-disant, pour éradiquer. Ah, c'est même mieux que ça. Toi, t'es pas allé jusqu'au bout. Je suis pas encore là. Bah oui, mon gars, attends. J'introduis le truc rapidement. Ou tu veux. Kino, vas-y. Ah, bah alors, voilà. Riku, c'est un petit rouquin irlandais de 4 mois et demi. Ah, il vous parle de son chien qui vient d'avoir. Alors, la dernière fois, c'était Nico qui parlait de ses chats. Maintenant, c'est Kino qui parle de son chien. Je suis obligé de le placer. Lendemain du dernier podcast, j'ai eu un chien intérieur irlandais que j'ai appelé Riku. Parce que j'aime beaucoup cette série. Parce que, en fait, ça lui va bien au final. Même s'il est irlandais, ça lui va très bien. C'est un petit teigneux. Bon, clairement, ça fait partie de mes séries préférées, hein, dans ce qu'on a pu faire ici. Enfin, avant même qu'on commence le podcast, quoi. Et ouais, alors bon... Comme c'est une longue série, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de dégager 3-4 points importants. Alors le premier, c'est que c'est dans le genre carcéral. Donc le genre carcéral, en gros, on a deux options. C'est-à-dire soit on opte pour une histoire qui se passe dedans, qui reste dedans, et où le but quand même, c'est d'observer la faune humaine, la nature humaine dans ce qu'elle a de plus exacerbé, on peut dire ça comme ça. Soit de faire une approche plus thriller en traitant de l'évasion. Et c'est pour ça que je crois que je basculerai quand même du côté de Rainbow. J'ai repensé en préparant, bien évidemment, parce qu'en fait, c'est un style quand même très balisé. Dans le manga, on a Rainbow, Coq de combat. Enfin, on pense que c'est quand même des... Puis c'est pas n'importe quoi, hein, en termes de manga. On a quand même le haut du panier. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un shonen qui arrive là-dedans, parce que je l'ai pas dit, mais c'est un shonen quand même. Et qu'il arrive quand même à proposer autre chose. Mais je te laisse continuer.
Bah là, ce qui est bien, je pense, c'est qu'on, du fait surtout de la durée de cette série, c'est qu'on a les deux, en fait. 29 tomes. Ouais, on a les deux. Et pour essayer un peu de découper comme ça, les projets d'évasion vont arriver au bout d'une bonne une dizaine de tomes, quand même. Les 10 premiers tomes ne sont pas du tout consacrés à ça. Oui, c'est plutôt comment il va s'intégrer et comment il va lier des relations. On découvre les gens, quoi. Et donc ça, déjà, moi, pour moi... Oui, et un petit bonus, on a le monde extérieur. On ne s'en rend pas compte au début, mais le monde extérieur va avoir beaucoup d'importance. Il est bien développé. Ça semble anecdotique vraiment au départ, mais ça va être vraiment... Ça commence dans le tome 11. Ouais, ça va vraiment être intimement lié au devenir de Riku et de sa petite équipe. Tout d'abord via des flashbacks, parce qu'on a des flashbacks sur les persos qui sont courts, qui ne sont pas chiants, qui s'intègrent bien, pour nous expliquer un peu qui sont les mecs, pour éviter d'être dans le trop caricatural, parce que... On a l'impression, hein, les... carcéral. Ah bah parce que les méchants là, enfin les mecs, c'est des badass. Riku, il est tout petit, les autres, ils sont énormissimes, ils sont tous méchants. Tu te dis, t'es dans la caricature systématiquement. Et les flashbacks viennent tout le temps un peu. Ce caractère design rétro, j'appelle ça rétro furio. C'est de ouf. Quoi. Et puis donc j'ai dit, hein, le monde va vraiment s'intégrer pleinement à l'intrigue. Et je pense que la résolution de tout ça se fera sûrement à l'extérieur et avec ce qui se passe dehors, parce que cette prison n'est qu'un élément de ce qui est en train de se faire dans la société japonaise. À grande échelle, ouais. On s'en rend compte déjà, hein, oui. Mais apparemment c'est beaucoup plus que ça. Ça se développe bien. Ouais, parce qu'en fait, si vous regardez la série sur un rayon, vous allez voir, il y a les 23 premiers tomes qui sont en bleu, ou 22, je ne sais plus où est la césure exactement. Rouge. Et après, le dos passe en rouge, et c'est pas pour rien, il y a vraiment deux arcs différents. Le deuxième point important, c'est les persos. D'abord, Riku, qui est un perso à premier abord faussement shonen, quand même, on va dire. C'est-à-dire, effectivement, il est toujours ultra motivé, il veut aller de l'avant, il est positif. Elle est très shonen, hein, pour le coup. Non, faussement shonen. Non, faussement shonen. Parce qu'au final, derrière, il a vraiment une mauvaise image de lui-même, il pense vraiment qu'il n'est pas utile, qu'il ne sert à rien, il s'en veut beaucoup, il se remet beaucoup en cause. Mais... par son inébranlable droiture, sa nature positive, il va embarquer quand même les gens dans sa quête d'évasion. Et... deux fois son âge, ou presque. Ouais, pas tant. Renoma, il a 19 ans. On l'apprend. Non, parce que les mecs, presque deux fois. Mais c'est-à-dire que le mec, il a 19 ans, il fait 1m91, 120 kilos. Alors, c'est un monstre. Ce que j'aime dans ce manga, c'est que même si t'as 13 ans, par rapport à cet univers, comment ça leur retombe sur la gueule, que t'es 10, 12, 13 ans, tu peux aller en tôle. Oui. Et dans n'importe quelle tôle. Et vous ferez attention à un truc, un petit détail, mais c'est des fois il fait des très gros plans sur les yeux de Riku, ouais. Et là il est vieilli tout le temps, parce qu'il lui met beaucoup plus dans le regard, beaucoup de choses, c'est très très touchant et très, c'est presque dérangeant, c'est particulier, t'as l'impression qu'il a 10-15 ans de plus des fois, et c'est très bizarre quand même. Oui, puis il fait un peu une tête de singe sur celui-là d'ailleurs, tome 14 on dirait un singe un peu. Et du coup, je disais, avec son voilà, il va embarquer les gens dans son projet d'évasion, et il va devenir un symbole d'humanisme et d'histoire et d'espoir dans cette prison, parce que c'est ultra violent, c'est tout le monde se fout sur la tronche, ils sont divisés en groupes de cellules parce qu'ils sont plusieurs par cellule qui travaillent dans des ateliers, dans des zones, parce que c'est une prison gigantesque sur une île. Je ne sais pas si tu l'as dit au départ. Juste entre parenthèses. Ils mettent science-fiction, baston et social chez Akata. Science-fiction, vous oubliez les robots, les machins. C'est parce qu'il y a les astéroïdes. Mais ça, c'est la partie, c'est le jeu, l'élément faible. C'est-à-dire astéroïde, c'est une météorite. Météorite, ouais. C'est la partie faible de l'histoire. C'est juste ce point de départ d'avoir mis une météorite. C'est un peu dommage parce que je pense qu'on pouvait avoir le même résultat de division de la société juste en disant c'est aujourd'hui, on va un peu plus loin. Voilà. On est en train de quitter Los Angeles 2000. Oui, je pense qu'on aurait pu faire plus anticipation. Et du coup, il ne faut pas chercher de la baston sociale, oui, mais il ne faut pas chercher science-fiction trop. Non, okay, tôle du futur, c'est une tôle qui ressemble à maintenant, sauf qu'elle est gigantesque. Et puis parce que c'est démultiplié en violence et en population. Quoi. Et alors, il y a les autres persos. Au début, ils sont tous badass, plus badass les uns que les autres, gigantesques, avec des gueules pas possibles, des tatouages, t'en veux-tu, en voilà. Ils doivent se faire chier à dessiner les tatouages, les mecs, à chaque fois. Des expressions de fou. Assistant tatouage. Parce qu'il y a un vrai, voilà, on l'a dit, hein, il y a un travail énorme sur les persos, sur les mouvements, les bastons et la violence. En passage, il y a quand même, entre parenthèses, il y a des passages qui sont très hardcore. Enfin, il y a un passage de torture. Je l'ai lu ongles, une fois, je ne l'ai pas relu deux fois. Parce que je n'arrive pas, là, les tuteurs là, dans les angles, machin, tu sais, j'y arrive pas. Et au travers les relations entre le groupe qui va se former autour de Riku, l'auteur va mettre en avant
une forme de virilité. Alors là, grimper pas au rideau. Hein. C'est pas, c'est... Ah, après ce que je viens de dire sur podcast à Rukia, attention, ça on n'est est ban. Nullement opposé au sexisme ou à autre chose. C'est pas de la... Il peut exister une virilité qui n'est pas de la misogynie intolérante. Donc pas du tout. C'est dans, quelque... voilà, dans l'amitié, dans la camaraderie. Ça, c'est des valeurs très très fortes qui sont développées là-dedans. Ouais, ouais les gars, quoi. Non, mais je déconne. Mais... Non, non, enfin voilà, si vous êtes sensible au thème de l'amitié, allez lire ça. Parce que la façon dont va se faire la relation entre Renoma qui et Riku, qui sont ennemis au départ, qui vont se foutre sur la tronche littéralement, et lui qui est un molosse, qui ne laisse rien trahir, rien passer, qui est sans froid, blindé de chez blindé, par les adultes. Et lui qui est un petit gueulard optimiste et qui va aller de l'avant et qui limite un peu tape sur le système par moment quand même, un peu quand même. Quand même, parce qu'il chiale beaucoup aussi. Mais comment, enfin voilà, comment le grand va apporter de la force au petit, comment le gris va entrer dans les petites interstices et failles du grand pour aller le toucher, et comment il va. Moi j'adore la manière dont Renoma montre son amitié et son attachement à Riku à travers des petites choses, notamment sous ton des grosses baffes dans la gueule, mais qui deviennent amicales au bout d'un moment. Et par moment, il dit une ou deux choses et enfin, ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Et c'est super beau. Moi, il y a des passages, ça me bouleverse presque hein, dans ce manga là-dessus. Quoi. Ah, si t'es dans l'amitié, la fidélité, le code de l'honneur, t'es dedans là. Et la camaraderie, et parce qu'il y a différents niveaux, le reste de l'équipe. Ça me parle aussi. Ouais. Parce que vous allez voir, au début, on vous présente des mecs plus bourrins les uns que les autres et tu dis, oh, ok, c'est des méchants. Oh, puis, ok. Il va nous les intégrer comme le shonen typique, c'est-à-dire le méchant devient le gentil dans l'équipe jusqu'au prochain méchant. Non, c'est pas ça. Et, parce que j'arrive au dernier point, très très fort, c'est l'écriture. Honnêtement, moi je nous voyais partir sur du feuilletonnage, ça va développer les bastons, les machins, comme ça, en bourrin dans la prison. Et j'étais très très surpris de voir. Alors je sais pas si c'est très pensé dès le départ ou il se retombe très très bien sur ses pieds et qu'il est très cohérent l'auteur, mais toujours est-il que tout ce qui est, je dirais à peu près dans les 10 premiers tomes, c'est une partie d'échec quoi. Il pose ses pions pour plus tard le mec et ça c'est vraiment impressionnant comment il retombe dessus. Très clairement je pense que le deuxième arc rouge était pas autant pensé dès le départ, ça me paraît peu probable, mais ça reste bien écrit et cohérent et il utilise toujours bien ses rebondissements, ses persos, ses nœuds dramaturgiques, tout ça. Moi ça me plaît quoi. Je spoil ou je spoil pas sur ce qu'est la fin de l'arc bleu? Peut-être pas quand même. Non. Pas quand même. Mais parce que Stan, lui, il me dit toujours, ouais, mais moi, ce qui me fait chier, c'est que moi, j'aime bien, c'est quand il s'évade. Oui, mais le problème, c'est non, que... Non, c'est pas exactement quand il s'évade, j'aime quand dans le récit carcéral, il y a un après et qu'il se passe autre chose à l'extérieur. Sauf que, moi, je lui réponds, le vrai, c'est que s'il s'évade trop tôt, et ben, t'as plus rien, c'est Prison Break. Non, dans Rainbow, il y a toujours un aller-retour entre la prison juvénile et l'extérieur. Ça va se développer différemment ici, mais ça va se développer avec le reste du monde. Il va réussir à garder cet esprit carcéral tout le long. C'est très très bien. C'est très nuancé. Hein. Franchement, je tiens à le dire vraiment, il a très nuancé ses persos. Et enfin voilà, tous les mecs qui paraissaient brutes épaisses, on va apprendre à connaître leurs faiblesses et tout. Donc voilà. Il y a une intrigue principale hein, qui va être développée en fil rouge sur tout le long qui est en rapport avec le grand méchant qui est ce préfet Kidoin qu'on a dit. Oh là là. Qui est le grand méchant et la manière dont ça va s'entrelacer avec le récit extérieur, c'est-à-dire au bout d'un moment ça ne va plus être que des flashbacks sur les persos, ça va être un peu de la vie des gardiens, ça va être le reste du gang des prisonniers, ça va être ce qu'est en train de prévoir le préfet dehors, et on va relier tout ça, et le devenir de Riku, je pense, est intimement lié à la société entière, il va se passer quelque chose. Il faut y aller. Il a bouffé de chaleur. Il a un sens, pour finir, je dirais qu'il a un sens du rythme assez bon, moi je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des tomes, ça va être action, mais tu les lis d'un coup, et t'en prends plein la tronche, ça déboîte dans tous les sens particulièrement. À la fin de l'arc bleu, vous en doutez bien, c'est la fin de l'arc, c'est que c'est un peu en apothéose. Et par contre, il sait ralentir sans qu'on s'ennuie, c'est faire des moments plus humains, s'attacher à ses persos, enfin voilà, bref, allez-y quoi. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que cette série pas assez mise en avant. Moi, visiblement, les séries que j'aime bien, alors je fais pas exprès, hein, mais soit Space Brothers, I Am a Hero, ou ça. Ouais, mais non, justement, quoi. Et ne marche pas, c'est cool. Risque, non, mais il y a des trucs qui marchent encore moins que ce que j'aime. Hein. Mais cette série mérite beaucoup mieux et d'être beaucoup plus vendue. Allez-y, quoi. Vous allez prendre du plaisir avec de l'action. On est d'accord. Et si vous voulez un vrai héros humaniste, et pas juste un héros shonen volontaire, mais vraiment humaniste. Parce que moi, j'ai discuté avec une nana sur Instagram que je connais pas et que j'ai jamais reparlé. Mais on a échangé trois mots sur Riku. Et les premières choses qu'elle me dit, c'est
qui a dit c'est les valeurs humanistes que transmet ce manga, quoi. Ben ouais. Ben ouais, mon gars. J'ai pas appelé mon chien pour rien. Rico, quoi. Il veut que son chien se fasse mal. Ouais, mais je veux qu'il soit humaniste, mon ça chien. Ça se vend comment, Nico? Alors, malheureusement, Rico se vend mal, particulièrement bien. Et en fait, c'est vraiment sur conseil de notre part quand on essaie de mettre en avant. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas vraiment accéder à ce genre de type de manga. La plupart de lectorats qui sont shonenisants, bah, ce n'est pas sur quoi ils vont se lancer. Et ceux qui sont sur le seinen, avoir une série qui soit aussi, entre guillemets, longue, qui fasse là plus d'une trentaine de tomes, donc le problème, il est là. C'est que ça bloque la plupart du temps. Et les gens qui sont dessus sont devenus un noyau très dur autour, parce qu'ils sont fans et ils en veulent. Et ils ont toujours besoin de savoir tout ce qui va se passer. Ils sont attachés au personnage. Ah oui. C'est tout ce qu'il y a derrière qui est très très fort. Mais malheureusement, en termes de vente, c'est malheureusement pas ce qui se met le plus en avant. Et puis ils ne feront plus de promo. Là, arrivé au tome 29, c'est fini. Mais Akata, le fait que ce soit chez Akata, je trouve que c'est quand même déjà quand même relativement... Bah, c'est super bien que ce soit eux. Mais le souci, bah, c'est ça. C'est que ça se vend pas. Et des scènes de folie. Et bien, en plus, ce qui est vraiment bien, juste pour rebondir un tout petit truc sur ce que tu as dit et pour vraiment appuyer dessus, ce qui est vraiment bien, c'est qu'à chaque fois, tu as envie de lire la suite pour deux raisons, l'intrigue et les persos. Et des fois, tu as l'un ou l'autre. C'est rare d'avoir les deux. Et là, tu as vraiment les deux, quoi. Non, je pense que pour relancer la série, il faut qu'ils fassent ce qu'ils voulaient faire au début. Hein. Oui, il faut qu'ils prennent un rappeur. Oui, hein. Ils voulaient faire la promo de la série en faisant un lancement. Je cherche mon terme, enfin en faisant ça avec un rappeur, quoi. Puis ça, je sais pas qui ça devait être, mais ça. Non, parce qu'il l'a pas dit. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que lui, pourquoi il était content de publier ça, parce que voilà, pour ceux qui connaissent Akata avec son patron Dominique Vernet, c'est que c'est quelqu'un qui est engagé, c'est-à-dire que. Il pense que quand tu lis un manga, il faut qu'obligatoirement qu'il y ait une cause sociale, politique, ou pourquoi pas engager. Moi, j'aime bien aussi quand on fait pas que de l'art pour de l'art. Et là, avec Riku, ce qu'il disait, c'est qu'on est, en termes de shonen, avec Naruto, enfin tout ce qu'on connaît, hein, One Piece, Fairy Tail, etc., on dit on enferme les gamins dans de la fantasy. Et ils sont pas préparés, pour lui, parce qu'il voit très noir l'avenir, il a raison. On n'est pas préparé. C'est ce côté écolo qui lui fait voir ça, en plus, ça, il a raison. On n'est pas préparé. Et les gamins sont encore moins préparés à ce qui... Non, l'éditeur français. Il dit les gamins ne sont pas préparés, en lisant ces shonen-là, à ce qui va leur arriver. Donc moi, quand j'ai lu Riku, voilà, à prison, 13 ans, à la dure, qui ne se laisse pas faire, parce que c'est quand même un message très positif malgré tout. Hein. Ce n'est pas du tout nihiliste, ni victime. On n'est pas dans la victimisation du tout, au contraire. Le mec, il s'en prend plein la tronche, mais il se relève tout le temps, et il lutte, et il bat. Et il se bat. Et Dominique Vernet, c'est ce qu'il voulait mettre en avant avec ce manga-là. Donc après, effectivement, je pense que pour relancer la série, là, parce qu'il a peut-être besoin d'un un petit coup de projecteur, c'est vrai qu'il devrait peut-être payer un rappeur, j'en sais rien, pour relancer le truc, parce que le rap... Gims. Non, bah non, pas super. Qui ne s'appelle plus Maître, non, l'image, hein, l'image ne va pas. Non, bah, bien sûr, tu vois. Un Booba ou. Non, d'ailleurs, mais juste à ce propos-là, parce la squale, que. La squale, là, je sais pas quoi. Il y a eu une interview de Marc Véret où justement, je reviens là-dessus, c'est pour ça que j'en avais parlé. Je l'ai appelé comment ? Marc. Ouais, allez. Jean-Pierre. C'est pas bon, quoi, moi. Enfin voilà, il défend une idée de virilité qu'il y a dans ce manga-là, et il y a des gens qui ont fait des contresens sur ce qu'il a dit. Ah oui, tu me disais. Alors d'abord, je pense que s'il y a un éditeur qu'on sait ce qu'il pense, c'est bien lui, parce qu'il a une ligne éditoriale plus puissante et plus déterminée et beaucoup plus précise que plein d'autres, notamment sur des sujets sociétaux. Donc je pense qu'on peut pas l'accuser de certaines choses. C'est pas parce qu'il dit on fait des bonhommes qui savent se défendre et qui sont virils que ça veut dire que si t'es pas ça... qu'il faut opposer à cette idée-là une forme d'homophobie, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas parce que si t'es pas ce bonhomme-là qui dit, et encore, faut vraiment lire le manga pour comprendre ce qu'il dit, hein, parce que il est pas en train de te dire tu es un bonhomme qui casse tous les gueules de sa femme, hein, c'est pas ce qu'il dit. T'es pas obligé d'être sexiste, homophobe, t'es pas une tapette ou quoi si t'es pas ça. Lui, il est en train de. Enfin, voilà, bon, bref, on fait des raccourcis qui sont un peu stupides, ouais, et puis c'est de la fausse indignation continue de toute manière, ces trucs-là, pour faire chevalier blanc. Mais c'est très dommage. Ouais. Disons que c'est un petit gars qui n'en veut, alors. Voilà. Inès, alors genre les déchiens. Ça t'a dérangé, toi, la virilité? Non, ça va. Le seul truc, en fait... alors, au début du manga, j'ai pas été fan, dans le sens... c'était surtout l'arc, entre guillemets, parce que c'est très court, où tu as l'autre bastion qui va frapper le bastion 27 ou 37. Ouais. Et
Bah, t'as le petit Riku qui se met entre et qui se fait taper. Et il continue de se relever tout le temps. C'est un shonen. Ça, c'est un personnage shonen. C'est ça l'idée du truc, c'est que peu importe ce qu'on te mettra dans la gueule, c'est si tu te relèves et que tu continues à avancer, c'est là où tu changeras les choses. C'est pas en pliant et restant à terre que tu changeras. C'est ça, cette vérité-là qu'on peut voir. Ouais. Oui, évidemment. Sauf que sur le coup, j'ai trouvé ça du coup lourd, parce que c'est vraiment un personnage typique shonen, et je trouve ça un peu pour son âge en fait, ça m'a dérangé en fait. Alors, c'est le fait que. J'étais sûr que t'allais dire ça. En fait, par rapport à l'âge, c'est aussi par rapport à l'âge où il a vécu. Il n'a vécu que dans ce monde où drogue, violence et compagnie a existé quand il était dans l'autre côté du mur, où lui il jouait avec une boîte de. Comment ça s'appelle là, un bidon de lessive avec deux trucs pour faire les roues, et qui est de l'autre côté, il voit le gamin qui joue sur son gros truc véhicule et qui se fout de sa gueule parce qu'il a ça. Ouais. Et c'est toute cette violence qu'il a vécue. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vis dans cette violence? Tu l'acceptes ou tu la combats? Lui, il a décidé de la combattre. Oui, ça me va. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand tu te prends... Positivement et pacifiquement. Ouais. C'est juste que tu as des mecs de 200 kilos face à toi, ils te foutent des torgnoles et lui, il est presque comme ça. Et puis, il se relève tout le temps. Tout le temps. Non, mais t'as vu l'état dans lequel il est. En fait, j'ai trouvé ça lourd, en fait. Vraiment, qu'il se relève tout le temps. Alors que normalement, dans la vraie vie, ce serait pas ça, en fait. Mais c'est juste ça qui m'a dérangé, où j'ai trouvé ça vraiment... Vraiment le personnage shonen typique avec l'idée de la justice, où toute sa justice tient limite à une phrase que son papy il a dit. Ça, j'ai trouvé ça... trop fait, trop refait. C'est vraiment ce point-là qui m'a dérangé et j'étais en mode, oh là là, qu'est-ce que je lis ? C'est pas ce qui me plaît. Mais après, qu'est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce que... Il y a tellement... Il y a des intrigues qui se font... Les personnages, comme tu as dit, ils ont tous leur caractère qui fait qu'on s'attache un coup à lui, etc. Il y a vraiment, les personnages secondaires sont écrits de manière, ils sont pas délaissés en fait, c'est ça le truc, ils sont pas du tout délaissés. Et des fois on a des petits moments où on va s'intéresser à tel personnage, par exemple au moment de l'anniversaire, etc. Ça j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup le tatoueur en fait, bien sûr celui qui était un ancien Furio. Ça j'avais beaucoup, très bon personnage, enfin vraiment il y a des personnages secondaires qu'on adore. Tandis que le personnage principal, c'est vrai que c'est lui où on a tendance un peu à pêcher, enfin on l'aime bien hein. Surtout qu'au début je l'aimais pas, mais après c'est vrai que j'ai commencé à l'apprécier, mais c'est vrai qu'il est carrément casse-couille et qu'au niveau des autres personnages il y a plus d'intérêt à avoir un peu. C'est lui qui arrive qui révèle les autres. Oui, c'est ça, j'allais le dire. Par sa simplicité, il révèle les autres. Voilà, ouais. Sans lui, les autres personnages, ils seraient restés en fait, comme ça. La seule chose qu'il est en lui qui force l'admiration des autres, qui va changer les autres, c'est son courage de dire non et de se relever, peu importe l'adversité et la difficulté qu'il y a en face. Et de faire ça, les autres qui ne jurent que par la violence et que par l'imposer aux autres, se révèlent en disant non, il y a peut-être d'autres visions. Et effectivement, si j'en suis là, c'est pour telle raison. Donc, essayer de rechanger ou de voir. Oui, mais je trouve qu'il y a quand même une petite écriture assez inégale où d'un côté on a des personnages pas forcément clichés en fait, et on a le personnage principal très shonen, et je trouve que ça fait un peu une faiblesse en fait. Quoi d'autre à dire, surtout l'humour hein. Putain, l'humour il est drôle, surtout il y a vraiment une scène qui m'avait vraiment fait rire, c'est quand à un moment t'as la docteure qui fait du bouche à bouche, je crois que c'était à Riku, et sinon t'as tous les autres prisonniers qui tombent, toute la cour qui tombe, qui dit « j'ai besoin d'aide aussi », etc. Ou même avec le personnage où les cochons, pour lui, c'est vraiment toute sa vie. Le cuisinier est vraiment très drôle, enfin c'est vraiment, il y a vraiment un humour très viril, mais jamais mauvais dans le sens sexiste ou un truc comme ça, enfin, vous voyez, on n'a pas du tout ça. Et c'est vrai qu'on en... ça se laisse lire. C'est juste le début, peut-être, accrochez-vous.
Si ça vous gonfle au bout d'un moment, les persos shonen qui ont aucun muscle mais qui se relèvent par la force de la conviction, de la justice, de ce que papy il a dit telle journée, nanani nanana, enfin bref, l'idée de la vengeance. C'est vrai que si ça au bout d'un moment, comme moi, ça vous gonfle, continuez quand même, vous verrez bien. On s'habitue, mais c'est moins exagéré que le moment-là, en fait. C'est ça, vraiment... C'est ça le truc qui m'a fait tiquer, enfin, que j'ai pas trop aimé. Et puis, au niveau de la prison aussi, c'est vraiment un univers qui plaît, enfin, qui me plaît, moi. J'adore tout ce qui est l'univers de la prison. Je sais pas, il y a plein de choses à faire, etc. Et puis, le fait qu'on la découvre, en fait, enfin, qu'il reste pas non plus sur un point. Après, il change de bastion, il va là, puis ensuite, il va faire ça, etc. Puis, on découvre tel policier qui sont... Enfin, non, tel gardien qui sont pas tous les mêmes. Enfin, voilà, il change tout le temps. Ça sent qu'il a vraiment beaucoup à écrire. Au début, j'étais en mode 30 tomes sur ça. Je me suis dit... Et pourtant... Moi, quand j'ai mis le nez dedans... Il y a... Repartir, et pourtant ça se passe bien, il y a pas des arcs qu'on se dit ouais c'est du rajout quoi, fallait écrire quelque chose, non il délaye pas trop, non, justement. Puis je pense qu'il se repose pas sur ses acquis, et ça on le sent, et qu'il continue toujours de nous étonner. C'est jamais ennuyant où on se dit ah, cette partie là j'ai pas trop aimé, à part moi la première partie, mais ensuite le reste non, pas du tout. Et même c'est même pas finalement découpé en parties, en fait. C'est pas, je sais pas, ça, il y a tout qui est fluide, en fait, exactement. Et on a des petits moments par-ci par-là où on se dit c'est une petite pépite, c'est vraiment quelque chose. Lisez Riku. Surtout que je pense que ça devrait être beaucoup plus conseillé aux adolescents, etc. Qui cherchent un manga, bah leur dire, ans, c'est bien, ça. Lisez. Pour leur montrer la vie. Ouais. Tu es mon fils. Je sais pas si, enfin eux ils le mettent en M, donc c'est-à-dire du coup c'est quoi, c'est shonen up un peu. Ouais. Parce qu'après il y a L. Ouais, il y a seinen, shonen, ça va pas entre les deux quoi. Bah, c'est shonen M quand même. Non mais lui il le vend vraiment, c'est un shonen de toute façon, mais il le vend lui vraiment, il veut que les jeunes lisent ça. Il a raison. Enfin, on les prend pas pour des débiles et. Ah ouais, c'est dur quand même, hein, par moments dans la violence. C'est une torture. Ouais. Renoma qui est une bête et tout, il y a des plans où quand il commence à souffrir, le mec, tu vois sa tronche en gros plan, tout congestionné. Enfin, c'est. Oula. C'est vrai. Inès, elle veut dire quelque d'ailleurs, chose. Très bon personnage, Renoma, franchement. Ah bah, tout le monde dès que je l'ai vu au début, j'étais en mode, ah, c'est bon, lui, je vais l'aimer. En plus, il est déjà très beau aussi, très bien dessiné. Ah oui. Vraiment, il y a quelque chose à faire. Et puis, vraiment. Tous les, enfin vraiment, il y a une qualité au niveau des personnages secondaires qu'il faut reconnaître vraiment. Puis j'aime bien, ils ont des baguilles. Ça se met encore des baguilles maintenant ? Non, les tôles, sûrement. Ah bah, ça vient de là, les baguilles. Ça vient de là. Mais vraiment, je pense qu'il y a une écriture au niveau des personnages secondaires. Ouais, les styles, mec, qui est vraiment fabuleuse. Et puis ça change tout le temps. Il y a toujours des nouveaux personnages. Ils sont toujours aussi bien, toujours aussi différents l'un de l'autre. Vraiment. Et c'est vrai. Alors que c'est vraiment. Il y a beaucoup de personnages. Enfin, il faut le faire quand même. C'est pour dense. Bien écrire. C'est dense. Au bout d'un moment, tous ces personnages vont être liés, vont avancer tous ensemble, enfin pas de la même manière, hein, mais et ça va être très, ça va devenir très intéressant de voir les relations qui évoluent, parce que ça évolue, ça c'est bien. Hein. Tout à fait. Donc c'était Prisonnier Riku. Bah, tu dis rien toi. Bah, j'ai pas grand chose à dire. Hein, et ça. Vous avez rien dit vous. Oui, c'est bon. Mais attends, faut qu'on avance. Prisonnier Riku. Tu rigoles. De Shinobu Seguchi, 29 tomes en cours bon. Toujours. Mais ouais, allez-y, ça c'est du bon. D'abord, c'est pas des tomes très chers. Nico, tu nous diras, je crois que c'est 6,99, non, un truc comme ça. Ah, c'est... Oui, 6,99. Et tu peux en lire presque... Chez Akata. 6,95 chez Akata. Deux à l'heure, à peu près. Ouais, un peu presque, plus. Un peu plus. Bon, allez, 3 en 2 heures. Et donc voilà. Voilà, un peu moins. Le Seal of Approval de chez Harukiya. Lisez Prisonnier Riku. Et nous terminons avec Beast Stars. D'ailleurs, j'allais pas appeler mon chien Space Brothers. Beastars de Paru Itagaki, seinen, 2 tomes en cours chez Kiun. À l'Institut de Sheraton, on est veggie. Et herbivore et carnivore semblent vivre en harmonie. Enfin, jusqu'à ce que Thème, parce qu'il s'appelle Thème, c'est un alpaga, soit retrouvé mort sur le campus. Les vieilles suspicions ressurgissent alors et se cristallisent sur Legosi, le loup, pourtant toujours en retrait.
Louis Le Serre, star et même bistar. Alors qu'est-ce qu'un bistar ? C'est une sorte de leader, de rôle modèle de l'école. Donc c'est la star aussi donc, du théâtre, ce Louis Le Serre, semble vouloir calmer le jeu. C'est la star de la sororité un peu. C'est, oui, un peu ça, c'est ça. Enfin, ce qu'il veut surtout, c'est remettre les carnivores à leur place. Alors, qu'est-ce que ce manga ? C'est un manga qui est déjà multiprimé au Japon, prix Osamu Tezuka, Manga Taisho Awards 2018, Japan Media Arts Festival, enfin bref, il est... C'est justifié. Et pour une fois, là en tout cas c'est justifié. Paru Itagaki Seki, c'est une auteur encore qui se lance dans le manga. Comme quoi, hein, on les aime bien. Hein. Mais attends, en plus, les met encore. Pourquoi ? Parce qu'elle se lance dans le manga. Il n'y a pas de comme quoi, et surtout. Et pourquoi est-ce qu'on va les mettre encore plus ? Mais au final, il y en a plein, hein, final, je me rends compte. Bien sûr. On avait critiqué Atom en disant qu'il n'y avait aucune mangaka femme. Et pourtant, nous, bah, c'est même pas voulu en mode. Atom, si vous écoutez notre podcast, ça, en tout cas, ils nous répondent sur Instagram des fois. Voilà, pourquoi vous ne mettez pas plus d'auteurs dans votre magazine ? Donc, Paru Itagaki, en tout cas, elle se lance dans le manga après avoir fait quoi ? Des études de cinéma. Donc en fait, elle se rend compte, comme beaucoup de gens qui ont étudié de cinéma, que en plus, pour le coup, c'est une femme au Japon. J'ai pas de caméra, c'est mais j'ai un bouché. Crayon. C'est exactement. Je sais dessiner. Et voilà. Donc, elle a des envies d'histoire et de narration, ben, c'est clair. Mais la difficulté de lancer et coordonner un projet de film la pousse à choisir. Je pense la que tu voie. Réussis mieux ta vie qu'un mangaka qui marche, qu'un cinéaste qui marche au Japon. Peut-être. Oui, tout à fait, peut-être. Donc, elle peut enfin créer ses propres univers. Elle va d'elle-même à la rencontre des éditeurs. Donc, elle en veut. On parlait de Riku qui en veut, mais elle en veut, la demoiselle. Elle se relève. Exactement. Et trouve sa place dans le magazine Weekly Shonen Champion d'Akita Shoten. Et c'est en 2016 qu'elle se voit offrir la chance de publier une série courte, d'histoire courte, c'est Beast Complex, donc c'est un, il y a Linky Pit, ou moins la genèse de ce que va devenir Beast Stars. C'est bon ? Ah bah c'est très bon même. C'est très bon, c'est très très bon, c'est excellent. Ouais. Alors, ce que... bon... On va passer rapidement parce que c'est non. De prime abord, on le sait. Pourquoi est-ce qu'on choisit des animaux dans une histoire ? On l'a déjà dit. Pour renvoyer à la nature humaine, bon, voilà, la nature animale de l'être humain. Bon, voilà. Mais ça va beaucoup. Des fois que les humains nous parleraient plus, on va chercher les animaux. Ben voilà, il y en a qui prennent des chiens, des chats. Tu vois, c'est ça. Mais ça va plus loin que ça. N'est-ce pas ? Non. Non, ça s'arrête là. Si. L'homme est un loup pour l'homme. Pff, ah, je le dis, ça. Allez, allez. C'est terminé. Ils sont moches, les coups. Hein. Non. Ah si, moi j'attaque direct non, sur ce qui est moche, le point faible. Mais c'est bah, bien, on parle vraiment des coups. Non, ce qui est moche, c'est la couve. C'est le lettrage. Bah c'est le lettrage. C'est le bistard grands... avec le gros B là. En haut, puis c'est là. Les lettres derrière en... par contre, qui flinguent par tout le contre, dessin. Par contre. Bah le dessin est beau, la couve elle est. Voilà, faut juste qu'ils enlèvent le... Non, faut qu'ils changent de lettrage, c'est tout. Faut juste ça. Oui, pareil. Ouais, pareil, non, mais c'est faut la même. Qu'ils enlèvent tout le lettrage. C'est-à-dire le gris, le titre et le gros B tout pourri là-haut. C'est vrai, on est d'accord. Mais c'est bien de parler des coups parce qu'on en parle rarement, tout à fait. Donc l'homme est un loup pour l'homme, ouais, non mais rien là. Non, pas là. Non, mais c'est juste pour dire que c'est pas ça le plus important. Ah si si si. Vas-y. Ah non mais vas-y. Ah bah, non mais vas-y. Ah bah moi je commence pas par là. Non, il n'aime pas rebondir, il n'aime pas bondir. Mais si si. Non, ce que je veux dire c'est qu'en plus d'utiliser une certaine forme d'anthropomorphisme qui renvoie le lecteur à la nature bestiale, c'est que là où ça a une deuxième dimension, c'est par l'utilisation du théâtre. Et ouais. Et ça. La bonne idée. Je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attends pas quand tu commençais, tu t'as... Ah, ça parle de théâtre, en fait. Et ça va plus loin que ça ? Enfin, il faut mettre tout de suite... Ils sont dans le club de théâtre, faut le dire, hein, parce que c'est oui. Pas... Excusez-moi, oui, c'est dans... Ouais. Je l'ai pas cité, j'ai pas dit que c'était dans une école. Si, je l'ai dit. Ah bah si, je pense, ouais, oui. C'est ça. C'est dans une école, si. Et plus particulièrement, on se sent beaucoup... Sur le club de théâtre. Le club de théâtre, voilà. Et... avec ce cerf hein, qui est le leading role dans la pièce de théâtre et qui va un petit peu manipuler tout le monde, hein, c'est vraiment ça. Ouais, bah lui, il arrive plus tard. Il va hein, tout décider. Quand même. Oui, est-ce que tu veux que je raconte depuis le début ? Non. Non. Mais non. Disons, le personnage principal, c'est le loup, quoi. Les Gozi, tu l'appelles ? Ouais, c'est son nom. Je sais pas, il y a un H. Ah les bon. Gauchis. Les Gauchis, d'accord. Moi, j'avais lu les Gauchis, peut-être que je l'ai oublié. Non, je me demande s'ils mettent un H tout le temps. J'ai un doute, tu mets un doute là, il y a un H tout le temps ? Bah, écoute, quand j'ai préparé le truc, moi, j'ai les gauchis. Ouais, les gauchis. 17 ans. Sur mon t-shirt spécial, le oh là là, marqué des gauchis. On ne parle pas de ça, il est terrible ouais, ce t-shirt. Il en a un pour lui, on n'en a pas, nous. C'est pas. Bah pourquoi on en aurait ? Parce qu'on en veut. Ah bah. On n'est pas libraire, c'est mais d'accord. Bah Kiun, si tu nous entends, monsieur Kiun, on en veut. C'est ça. Elle aime. Parce qu'on parlait de on parlait de renvoi avec l'anthropomorphisme, ce que apparemment vous allez plus développer, parce que je ne l'ai pas développé, j'ai juste dit bon. Qui me vous voit maintenant ? Parce que vous, bah, ah bon, t'as, parce que moi je le saute, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler du théâtre, parce que moi je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que le théâtre soit utilisé avec autant de résonance, et puis en plus on est vraiment dans la tragédie,
Et puis voilà, c'est vraiment le théâtre qui renvoie complètement à l'intériorité des personnages, qui, leur rôle en fait, le rôle qu'on leur fait jouer, donc le cerf leur fait jouer, les renvoie complètement à l'intériorité. Puis il y avait une séquence, c'est du spoil en parler, une séquence de fou entre un tigre et Legoshi. Mais tu peux en parler, moi ça me dérange pas en critique. Bah non, mais juste ça. Je dis qu'il vraiment, tu vois à quel point il essaie le cerf essaie de manipuler Legoshi. Comment lui résiste jusqu'à un certain point, mais comment vraiment tu vois le qu'il a toujours ça en lui. Donc c'est ce que l'auteur nous dit, c'est qu'à un moment donné, on a tous en nous ces pulsions négatives, comme le pouvait le dire le grand auteur de Jagan, mais que on peut quand même réussir à les maîtriser jusqu'à un certain. Avec du caca LSD. Avec du caca LSD. N'importe quoi, ils sont fous ces gens. C'est marrant, tu parles pas plus de Legoshi, putain. Enfin, pardon, c'est la pièce centrale, quoi. Bah, parle-en, vas-y. Non, non, mais. Non, moi, je suis l'intervenant, mais je suis pas dans un monologue, là, je suis vraiment. Allez-y, hein, parce que. Allez-y. Si vous voulez m'interrompre, comme ça, on termine plus vite. Ah, bah, d'accord. Bah, moi, j'ai. Ouais. C'est très bon, lisez-le. Moi, c'est quasiment que du bon. La première chose que j'avais marqué, c'est que c'est un bonheur à lire. Vraiment. D'abord, je tiens à dire que j'aime beaucoup en général Kihoon, mais ça fait quelques mois que je sais pas, moi, ça me. Dit l'autre, surtout que tu nous le dis, ça. Bah, ouais, je trouve qu'il y a plus grand-chose. Enfin, voilà, ça me. Bon. Il manque d'avant de folie. Et bah là, voilà. Ça, c'est ce qu'on attend. Ça et. Et. Bah, City Hunter, merde. Depuis le début, il nous en parle et quand il faut le dire, il nous en parle plus. Quoi. De ça, non, on m'a dit pas en parler, donc j'en parle plus, moi. Donc, On en reparlera. Voilà, c'est ça. Vas-y. Non, mais moi, ouais, mais en plus, je vais dire. Quand je préfère la lapine. Moi, j'ai vu les couves. Ouais, j'ai vu les couves. Ah, ouais. Couvre 3, dans le but 3. Moi, j'ai vu les couves pas très belles. Voilà. Moi, j'aime mieux, c'est le côté allégorie de la société humaine à travers justement ces animaux qui sont aussi utilisés pour certains moments comme une sorte de fable, même pas tout à fait. Puis à contre-pied, quoi. À contre-pied sur des fables de La Fontaine, sur différentes choses. Et c'est extraordinaire. Vraiment, chapeau. Bah. Ouais. Bah moi je disais, j'ai feuilleté, et quand tu feuillettes, tu te fais pas trop une idée de l'histoire, non. Et tu trouves pas ça fou. C'est ça. Mais j'avais envie, hein, de toute manière. Et puis en plus, ouais, voilà, on a la référence ultime en esthétisme des animaux qui est Black Sad. Alors c'est une BD franco-belge, mais je vous conseille au moins d'y jeter un petit œil, parce que ça c'est vraiment splendide. Et tu. Oui, c'est, oui, c'est ça, qui est détective. Tu parles d'œil. Ouais, bah ouais, les yeux, regards et tout là. Les regards. Il y en a un où il se voit dans une glace, là. Oui, ça, il est interloqué lui-même, quoi, d'une certaine manière. Il est souvent prostré. La séquence où il est prostré avec quand il défend la lapine, là. C'est fou. Mais en fait, voilà, moi ce que j'avais marqué tout de suite après, c'est qu'on va de surprise en surprise et de bonne surprise en bonne surprise dans ce manga, quoi. D'abord, on a un univers qui est original, qui est bien maîtrisé. Évidemment, tu l'as dit, il ne s'agit pas de parler des animaux, mais de l'homme. Il faut garder un certain nombre de ponts avec la réalité pour pouvoir faire ça, quoi. Et du coup, le cadre du théâtre, bah, c'est vraiment la bonne idée, quoi. Mais vraiment, puisque là, c'est le théâtre, c'est une des représentations de l'homme, donc qu'il a de lui-même. Donc voilà, évidemment, c'est une bonne idée de garder ça, quoi. Mais il faut équilibrer avec des éléments, qui sont propres aux animaux. Et moi, je trouve que au début, tu peux te dire, c'est évident, herbivore, carnivore. C'est pas si évident que ça, et avoir structuré sa société entre les herbivores et les carnivores est une vraie bonne chose, un truc que j'avais pas vu à mon avis dans d'autres le BD avec des animaux, enfin en tout cas pas à ce point là. Ça c'est vraiment la très très bonne idée, parce que derrière il va s'appuyer sur son personnage principal super complexe et très très bien choisi, qui est un loup. Un loup, c'est la bestialité, c'est la sauvagerie, c'est la violence, sauf que lui, pour nous renvoyer à notre propre bestialité et violence, il va prendre un loup qui est tout en retrait, qui est timide, introverti, solitaire. Ça correspond plus au loup, encore qu'il n'est pas dans une meute de loup. Et là, l'homme est un loup pour l'homme, tu l'avais dit, hein, ça nous renvoie bien à Nietzsche. Et effectivement, je pense que cet auteur fait partie de ceux qui voient ça comme ça, et qui considère aussi que dans la nature humaine, il y a une partie violente. Parce que sinon, il n'aurait pas choisi le loup, je pense. Il aurait pris un renard, par exemple, comme personnage principal, qui est très flatteur. Si tu prends le loup, c'est que tu considères que dans l'homme, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose dans notre nature qui est une violence. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait après, hein? C'est ça la question. Et là, avec ce loup introverti, en apparence pour les autres, parce que nous, on a accès à ce qu'ils pensent. Et là, on voit tout le combat intérieur qu'il a en lui-même. Parce que tu l'as dit, ils sont véganes. Il ne faut pas toucher un herbivore, y compris si c'était carnivore. Ouais, et là, tu as tout son combat. Il nous fait explorer tout son combat intérieur, ses atermoiements, comment il est tiraillé, ses pulsions.
Et ça, c'est génial. Pour moi, c'est pour ça que c'est plus que le théâtre, plus que tout. C'est le personnage du loup et de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ce rapport avec cette lapine qui va lui plaire un peu, qui est dessinée avec ses tout petits traits fragiles. Et non, je le dis pas tout de suite, je le dirai plus tard parce que. Hein pas oh, tellement fragile. Elle, ses traits, ils sont. Elle est dessinée fragile, mais elle est pas fragile. Oui. Ah oui, mais moi, je le dis pas. Moi, je l'ai dit. Oh ah. Ah bah si vous avez entendu de loin, vous êtes spoilé. Il y a une tension, moi je trouve, continue avec ce loup où on ne sait pas s'il va exploser ou s'il va se contenir, s'il a envie même d'être violent ou si c'est malgré lui. Mais ça, enfin, ça nous renvoie à nous-mêmes de manière la plus efficace possible, quoi. Et surtout, moi je pense quand même que la grande force du manga, c'est l'émotion. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions quand même dans ce manga. C'est très, très sensible. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des faiblesses aussi, mais on s'en fout. Chut. Moi, j'en parle même pas. Tant pis, ouais, c'est une première œuvre, donc on voit hein. Bon, ce qu'il peut y avoir comme faiblesse, mais ça, on s'en fout. Et il faut conseiller d'acheter les deux d'un coup, moi, je dirais. Ah oui, je vais faire plaisir à Kiyun en disant ça. Mais si vous achetez les deux, allez vous faire balader comme vous ne l'avez pas vu venir. Non, non, c'est au début du 2, surtout. C'est pour ça qu'il faut les deux d'un coup. Et je pense que l'auteur là tient un bon projet de ouf. J'espère que ça va être bien développé comme il faut, que ça va aller là où il faut, que ça va toujours être aussi bon par la suite. Mais faut pas rester sur ses acquis en lisant ce manga, parce que on se fait trimballer et puis on se fait réfléchir. Enfin, ça nous fait réfléchir et vraiment une très très bonne réussite et très beau. Nico. Bon, déjà, t'as quasiment tout dit, donc moi, je vais rajouter juste peut-être les anecdotes, parce que si je devais reprendre, je dirais juste que j'ai adoré. Pour moi, c'est le manga de l'année, c'est celui-ci, voilà, c'est Beastars, il est en haut, c'est le premier, c'est pour moi le must de cette année actuellement. J'ai pas encore. Alors, je dis actuellement parce que là, comme je l'aurais dit. Pour le mois de février. Pour le mois de février. Et je l'aurais dit, le truc, c'est que malheureusement, il y a tellement de bons trucs qui vont arriver. J'ai tellement envie de lecture. Cette année, ça va être un festival de super nouveautés. Et on va devoir vraiment se battre pour rester à la première place. Mais. Ils ont qu'à distribuer des t-shirts. Mais j'ai envie de dire que déjà, une première chose, rien que là, ça, l'histoire de Beastar en soi, va être au moins dans le top des meilleurs, voire le meilleur de cette année. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, on va voir les autres qui vont approcher, mais ça va être ça. Sinon, pour deux petites anecdotes. La première anecdote, c'est l'auteur. L'auteur, en fait, il faut savoir que elle aime tellement son anonymat et sa tranquillité que elle s'est fait faire un masque de pas de hibou, d'aigle, enfin je sais plus, c'est une bébête comme ça, et elle le porte constamment sur elle. Et donc en fait, oui, quand on tape son nom sur internet, il n'y a pas de photo d'elle. Voilà, c'est qu'une personne a cosplayé avec un masque d'animal, bah c'est elle, parce qu'en fait elle ne veut pas qu'on sache son visage, elle veut pouvoir continuer à aller faire ses courses dans son petit marché près de chez elle tranquillement, marcher dans la rue et que personne ne la saille pour lui demander des dédicaces ou autre, elle veut être tranquille ou pipère. Donc c'est pour ça que elle a fait faire ce masque et elle se bat à toutes les dédicaces, tous les événements, elle se bat avec et je trouve ça génial. C'est vraiment un super truc. Regardez sur internet, tapez son nom et vous aurez une belle surprise, c'est vraiment rigolo. Ça, c'était la première petite anecdote. La deuxième anecdote, c'est simple, c'est Kiyun. En fait, Kiyun a eu un rendez-vous il n'y a pas super longtemps chez l'éditeur et l'éditeur lui a dit mais pourquoi vous n'êtes toujours pas sorti Beastars parce que vous avez acheté les droits il y a un petit bout de temps, pourquoi? Et ils étaient étonnés parce que pour eux, voilà, tu achètes les droits, bah, tu sors ton truc, quoi. Tu vas jusqu'au bout, tu sors tes bouquins, tu sors tout. Et donc Ahmed, le président de Kiyun, disait non, je ne le sors pas. Parce que lui, il disait voilà, Beastars va rafler des prix au Japon, ça va être un truc énorme, ça va être le raz-de-marée au Japon. Et quand ça aura raflé au Japon tous les prix que ça va rafler, et bien justement, quand on va le sortir en France, il y aura la publicité par rapport à ces prix, par rapport à tout ça, ça va être énorme. Et donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques mois plus tard, il y a les 12 plus grands prix au Japon ou les 10 plus grands prix au Japon et ils ont été raflés quasiment tous par Beastars. Et le seul prix qui n'a pas été pris, alors ne me demandez plus, j'ai un trou de mémoire comme c'est pas permis, j'arrive pas à m'en souvenir, c'est Kiyun a acheté d'autres séries au Japon et le seul prix que Beastars n'a pas raflé, c'est l'autre série qui va sortir justement chez Kiyun. Et donc ça, je trouve ça trop fun. C'est donc, quelle série ? Ah ça, je ne peux pas encore vous dire, parce que je ne me rappelle pas du nom. Quand je le saurai, je vous le dirai. Mais
Je me suis demandé avant, c'était pas Magus of Librarium, mais je suis pas sûr et je préfère pas dire conneries. Donc ça, un truc à lire plus tard. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est une série qui a raflé quasiment tout au Japon, quasiment tout là-dessus, sur meilleure œuvre, meilleure écriture, meilleur dessin, enfin bref, une jeune création, histoire, non, bref, tous les trucs possibles, mais je n'aime, il les a raflés. Et donc cette jeune femme, enfin cette femme plutôt, elle a vraiment eu un coup de crayon incroyable sur sa réalisation et sur son personnage. Donc ça marche du feu de Dieu. On vous le conseille vivement parce que c'est tellement intelligent dans l'écriture, dans la mise en place, dans l'analyse de tout ce que vous allez voir dedans, même du suivi de cet instinct de ces personnages. C'est très justement écrit et ça le mérite 100 fois. Donc voilà, donc c'est le petit truc, c'est le bijou. Et quand Ahmed justement avait annoncé les prix que ça serait gagné par l'éditeur, déjà bon, j'y croyais pas trop, et en fait ça a tout raflé. Et donc il a dit voilà, maintenant voici mon plan. Et maintenant il faut savoir que même les Japonais maintenant, quand Ahmed vient, ils le laissent en disant d'accord, t'as un plan, on dit plus rien. Parce que généralement quand tu achètes au Japon, t'es obligé de suivre une certaine logique, une obligation, des dates, des machins et bidules. Ahmed a décidé de se dire non, moi j'attends, j'ai d'autres choses, j'ai un plan et je suivrai ce plan. Et il a un sacré plan. Je n'ai pas le droit de vous le dire parce qu'il nous en a raconté un petit peu, mais je peux pas vous le dire parce qu'il faut laisser à la surprise et c'est très très gros. Donc je vraiment là-dessus, il a eu le nez fin, mais très très fin. Mais Ahmed là-dessus, il a cette force de le voir. Un jour, il faudra qu'il fasse un manga sur Ahmed. C'est vrai, c'est nous qui allons le faire, les fanboys. Non, non, il faut sur Ahmed et Grégoire ensemble, parce qu'ils étaient tous les deux potes et ils étaient tous les deux sur les bancs de la fac ensemble pour de fac de japonais. Donc c'est Grégoire et Lou. Grégoire, il fera le méchant, c'est ça de... Carrément, non, il a la tête du méchant. Grégoire, tu seras supposé méchant. Comme ça, on aura un gentil noir. Un Bakuman sur l'édition française. Et là, je vais faire la blague raciste, on aura un gentil noir et un méchant blanc. Waouh. Ça, tu vas te le faire couper au montage. Hein, ça. Inès, vas-y, Inès, qu'on termine là. Je voulais savoir, est-ce que quelqu'un a vu Zootopia ? Parce que ça m'a fait énormément penser à Zootopia. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est Zootopia plus adulte, mais version vraiment plus là, plus posée. On pousse l'allégorie de l'œuvre. Bah déjà que je trouvais que Zootopia, ça avait des bonnes idées. Mais là aussi, il y a des idées, mais incroyables. Enfin, il y en avait une que je trouvais ça tout bête, mais vraiment bien. C'est qu'ils ont des salles prévues en fonction des races pour... pour les reconditionner comme ils étaient dans leur côté sauvage, bestial. Ça, je me suis dit, putain, c'est une bonne idée. Ou l'idée que... c'est pas dans le manga, c'est à la fin. Par exemple, s'il y a une petite bête qui va aller à tel endroit, il demande à une grande bête de l'y amener. Enfin, c'est des petits détails qui font que ça fait tout le charme de ce manga. Une vraie cohérence d'univers. Et que c'est vraiment... comme tu l'as dit, Kino, c'est qu'on a du bonheur quand on le lit. Et c'est terriblement vrai. Les personnages sont très bien faits au niveau du dessin, au niveau du caractère. Les dessins transcrivent vraiment le caractère du personnage. Par exemple, le loup, il a tout le temps le dos voûté. Vraiment, il veut s'aplatir, il veut montrer qu'il n'est pas un être féroce comme ce qu'il souhaite intérieurement. Et même qu'il a, comme tu l'as dit, il a un combat intérieur en mode « est-ce que je suis... quelqu'un de bestial, est-ce que j'ai besoin de sang ?» Ou d'un côté, non, c'est pas ce que j'ai envie de transmettre. Et ça se voit dans le dessin, ça se voit dans ce qu'elle retranscrit au niveau de son regard, au niveau de son dos voûté, au niveau de sa queue aussi. Enfin voilà, c'est un exemple, mais ça peut être aussi l'exemple du cerf. C'est juste parce qu'ici, le loup est un homme pour loup. Et c'est juste au niveau du cerf qui vraiment est l'élégance pure déjà de l'animal même dans notre monde, mais aussi dans le manga où il fait partie d'un des plus populaires, celui au Japon, un peu prétentieux certes, mais vraiment je pense que les animaux dans ce manga retranscrivent exactement le caractère intérieur, le combat intérieur, ce qu'on peut avoir du mal à retrouver avec des humains, je trouve. Je pense que des fois, on arrive, comme tu le disais, c'est que des fois, il faut laisser parler le dessin, et c'est totalement ça. Des fois, laisser parler le dessin en contemplation, mais aussi montrer que le dessin passe, enfin le caractère passe aussi par le dessin, par comment on dessine un personnage. Et c'est vrai que ça manque. Et avec les animaux, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. Puisque déjà, on le voit au niveau, je sais pas, par exemple, de la queue, où on voit qu'on est content, etc. Ou même... Après, y avait aussi les animaux. Ils ont comme... Enfin, c'est des animaux. Ils ont des caractéristiques qu'ils ont
propre à leur nature, comme le loup qui a du mal à savoir si c'est un être dangereux, le lapin qui est, bah, comme on dit, chaud lapin, voilà. Le cerf qui est d'une élégance rare. Pourtant, c'est assez facile. Dans un sens, on se dit, ouais, c'est facile. Enfin, tu prends les caractéristiques de l'animal et tu le mets, c'est bon, t'as ton personnage. Non, pas vraiment non plus. C'est ça le truc. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Vraiment, je suis mais totalement fan. Et il y a de quoi. Vous verrez que. Il y en a un que je connais. Il a été un peu. Pour l'instant, il n'est pas aussi hypé. Le dessin, il parle. Les personnages sont géniaux. Il y a des très bonnes idées, très cons. Et puis vraiment, c'est pas ce genre de manga où on se dit est-ce qu'avec des humains. Ça aurait été pareil, mais pas du tout, loin de là, et c'est même pas au final une question à se poser. Et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose, on tient vraiment quelque chose, une perle, et on sait que l'auteur va réussir, on a toute confiance en elle. Moi j'achèterai les prochains tomes, en tout cas, pareil. ça c'est sûr, vraiment. Il sort quand alors, le tome 3 ? Le tome 3 sort le 7 mars. Ah bah c'est bientôt. Bah, je suis contente. Vraiment. Ok. Donc c'était Beastars de Paru Itagaki, Seinen, deux tomes en cours chez Kiun. Et c'est l'heure du Totally Crazy, l'instant où chaque mois nous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus folles. En attendant que Nico... et Inès nous parle de leur Totally Crazy. Je vais commencer, si ça ne vous dérange pas. Alors, au début, je voulais parler de Onibaba, ce film de Kobayashi de 69, si je me souviens bien. Parce que ça allait avec la thématique de Kitaro et des yokai. Parce que Onibaba, là-bas, c'est un yokai, hein, même si dans le film, ce n'est pas un yokai. Mais à la base, voilà, c'est quand même l'inspiration du titre et de l'œuvre. Oh, on en parlera. On en parlera, exactement. Bah oui, le film est superbe. Mais on va rester sur l'autre thématique, sur la thématique que j'ai abordée au début de manga avec Destin Parallèle. Plus ou moins. Donc je vais vous parler de Tokyo Girl, qui est une série japonaise. S'il vous plaît, ce n'est pas du J-drama ou du K-drama pour la Corée, non. Là, ce qui fait plaisir, c'est que c'est pas du tout ça. C'est que c'est une série, point barre. C'est une série de qualité. En 11 épisodes, fini, peut-être de 2016. Ah, c'est une mini-série alors. 2016-2017. Tout est raconté en pas de saison 2 Non, parce que c'est terminé depuis un an et demi ou deux ans. Non, c'est mais il y a une vieille série qui a le même nom. Ça n'a rien à tout voir. Tout à fait. C'est non, c'est autre chose. C'est autre d'accord. Chose. Enfin, je pense. Il me semble. Mais j'ai vu qu'il y avait le même titre. Faut dire que Tokyo Girl, c'est pas très très original. Par contre, non, il y a Tokyo Girl Asso aussi qui existe, je crois, comme film. C'est autre chose. Hein, donc 11 épisodes de 20 minutes où on suit Aya, jouée par une actrice japonaise très connue, paraît-il. Bon, je la connais pas. Elle s'appelle Asami Mizukawa ou Mizuka Asami, qui elle est une. En fait, c'est une. Elle a joué dans Dark Water, mais là, c'est pas le rôle principal, hein, de Nakata. F-Zero. Ah bah oui, mais tu sais que t'es très fort. Mise, ça veut dire lourd en japonais. Voilà, t'es trop fort. Donc, Mise Kawasami. Donc, qui est Aya? Donc, Aya, c'est une provinciale, on va dire, qui arrive à Tokyo à 23 ans. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va la suivre jusqu'à ses 40 ans. Là, ça me fait peur le projet sur le maquillage, tout ça. Non, ça marche très bien. Non, parce qu'au final, 23-40, on bouge pas. Bah, écoute, c'est comment que c'est? Ça dépend aussi de la peau de chacun, des origines aussi de chacun. Non, mais je disais par rapport à chacun, je disais ça par rapport aux productions cinématographiques japonaises. Non, il n'y a pas de trucs bizarres. Non, il n'y a pas de wigs. Il n'y a pas de trucs bizarres comme ça, t'inquiète pas. Il n'y a pas de tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien évidemment, on va suivre son ascension sociale. On va dire ça. Et à chaque fois, elle va bouger. Tout se passe à Tokyo, bien sûr. Et elle va, ça va nous faire découvrir l'envers du décor de chaque quartier de Tokyo, en fait. Quand elle va arriver à l'apogée, par exemple, ça sera à Ginza, bien évidemment, le quartier riche et Heichmeich, pour certains sans reconnaissance ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est une expression, voilà, Heichmeich. Bref, ça veut dire voilà, des grands riches, on va dire. Et quand elle arrive là, qu'elle découvre l'envers du décor, mais comme c'est dans tous les quartiers différents, elle va à chaque fois découvrir et nous faire découvrir à nous, spectateurs, l'envers du décor. Ça nous permet de couvrir un petit peu. Eh bien. On fait une balade quartier par quartier.
Ça me rappelle les petites pastilles qu'on poste sur la, notre chaîne YouTube. Merci, Kino. J'allais oublier de le dire, mais c'est tout à fait. Non, mais moi, tout à fait. Et donc, si je peux lancer des pubs. Et donc là, c'est terminé d'ailleurs. Hein, les 5 vidéos sur non, le Wii. Fini. Non, attendez. Bah ouais, les 5 vidéos sur Tokyo. Voilà. L'arc Tokyo est terminé. Vous les trouvez sur le YouTube de Haruki. Voilà. Là, on va commencer. Tu vas nous les mettre un peu là sur le IGTV ou pas? Une galère ce machin-là. Faut mettre à l'horizontale, enfin à la verticale, pardon. À voir. Donc là, on va attaquer la semaine prochaine, je pense, la semaine d'après Kyoto. Voilà, les vidéos sur Kyoto. Donc je retourne, donc on découvre, oui, vous verrez d'ailleurs dans les petites vidéos qu'on fait, les quartiers dont elle parle et qu'on voit dans cette série Tokyo Girl. Bien fait ce podcast. T'as vu ça? Et ce qui se passe en fait, c'est que au-delà de voir chacun des quartiers, de voir l'ascension sociale, ici c'est une femme, donc c'est encore plus intéressant et pour le coup c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, c'est-à-dire que c'est une femme, tu vois, sur une femme, sur une ascension sociale. Mais c'est pas dire, ah oui, c'est difficile pour une femme de travailler dans le Japon, et puis à un moment donné, on te force à te marier, et puis après, t'arrêtes ton travail. Oui, ça, ils en parlent dedans. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. L'analyse va beaucoup plus loin que ça. Elle ne va pas que là, dans la dénonciation du système patriarcal japonais. Ça va plus loin que ça. Je vous laisserai découvrir. Mais en tout cas, c'est une tranche de vie, c'est beaucoup plus. Ouais, ouais, mais tu suis quasiment que Aya. Alors, le procédé dont je veux parler quand même, parce que c'est le procédé le plus voyant et le plus. Oui, le plus voyant et le plus... comment je pourrais dire? Nous, on sait, mais on te laisse te démerder. Marquant. Ouais, marquant, mais c'est pas exactement le terme là que je cherchais. De mise en scène dans le film, c'est le face caméra. C'est-à-dire que régulièrement, Aya, au début, elle va se tourner face caméra et va dire, en gros, enfin, ce qui m'arrive, c'est ses réflexions sur ce qu'elle est en train de vivre. Mais après, ce qui est très intéressant, c'est que d'autres personnages vont participer à ça, mais pas sur Aya, ça va être sur des réflexions plus générales. Et... Alors, on peut penser à House of Cards hein, avec Kevin Spacey. Je peux encore citer son nom. Le mec, c'est Kevin Spacey. Il parle des revendications féministes. Je suis foutu, les gars. YouTube va nous censurer. On est fichu. C'est un autre. Là où en fait c'est une très bonne série, enfin House of Cards, j'ai pas regardé les deux dernières saisons, mais c'était voilà, une très bonne série. En plus, on regarde même pas. La voix off était très intéressante au début. Après, ça venait un petit peu redondant l'utilisation. Là où ça ne cesse de se renouveler. C'est vraiment à un moment donné, par exemple, Aya, dans sa période Ginza et au sommet de sa carrière, elle va être interviewée par un magazine. Et elle est face caméra. Tu dis, attends, elle parle à qui? Elle me parle à moi? Ou elle parle en interview au magazine? Et ça, ils en jouent à ce moment-là. Donc ça apporte un plus au niveau de ce que l'auteur veut te raconter. Et puis alors, je termine sur la technique, la mise en scène. Ils utilisent en fait des caméras correctes, quoi. T'as pas l'impression de regarder le sport à la TV, quoi. C'est vraiment des caméras numériques, tu le sens, mais t'es pas du tout 30 images secondes, t'es dans l'un, la fameuse 24 images secondes, où vraiment t'as l'impression de regarder un film, une série, et puis ils utilisent la caméra numérique avec ses qualités, c'est-à-dire forte profondeur de champ et très grande descente dans les noirs. Donc ça, c'est extrêmement réussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est déjà pas mal hein, parce qu'après on est bien loin dans le temps du podcast, donc là puis en plus ça va encore se couper la batterie, donc on va se dépêcher de terminer. Donc Tokyo Girl en France c'est sur Amazon Prime, c'est là que j'ai trouvé. En tout cas il y a 11 épisodes de 20 minutes et c'est terminé, une seule saison, ça fait plaisir. Ouais, 20 minutes les épisodes, ça j'ai dit, donc allez-y, c'est très bon. Kino, Journey to the West 2 de Tsuyark, The Demon Strike Back en 2017, réalisé par Tsuyark et surtout produit et écrit par Stephen Chow. Pour la petite histoire, c'est la troisième place du box-office chinois 2017. 64 millions à la production, 250 millions quand même ce film. C'est dire si c'est important parce que c'est basé sur un récit très connu en Chine, qui est le... Journey to the West, mais comment on appelle ça en France? Le Roi Singe? Le Roi Singe, ouais, le Roi Singe, je sais plus si on l'appelle comme ça. L'Odyssée du Roi Singe. L'Odyssée du Roi Singe. Voilà, qui est servi de base, entre autres, à Dragon Ball Z. C'est-à-dire que là, vous retrouverez un singe sur un nuage qui vole. Avec un bâton et une queue? Enfin, c'est à peu près tout ce qu'ils ont gardé. Hein. C'est le tout début de Dragon Ball qui a servi, où ils ont pioché et après ils se sont barrés sur autre chose. Ouais. Donc là, en fait, on va suivre les aventures de Tang, un moine et ses trois acolytes, un cochon, un poisson et un singe qui ont une apparence humaine la plupart du temps. Ça commence, Tang, il est en Inde, il est au milieu d'un village, mais c'est un géant, quoi. Et il y a son maître qui apparaît, qui va lui donner une auréole. Et là, boum, il se réveille. Alors, on ne sait pas trop si l'auréole merde et il se réveille dans un autre monde ou s'il est en train de rêver. Mais en tout cas, il va se réveiller là où il est, là où il est, là où il va rester, c'est-à-dire
dans un monde où il faisait partie de plus ou moins, enfin il est à côté d'une école de cirque et il est avec ses acolytes en train de chasser les démons. Donc je vous le dis tout de suite, en termes d'écriture c'est zéro, ils n'ont pas fait un effort. Il va y avoir une première quête, ils vont faire chasser un démon, puis une deuxième où le démon est plus important, puis une troisième où il est encore plus important. Et puis voilà. Le moine, lui, il prétend maîtriser la paume de Bouddha et être très puissant, mais en très important la paume de Bouddha. Ouais, toujours, parce que Stephen Chow, hein, je l'ai dit, surtout Stephen Chow derrière tout ça. Pour ceux qui savent pas, c'est ceux qu'il avait déjà fait Le Roi Singe, il avait fait Crazy Kung Fu. Bon baiser de Hong Kong, si c'est ouais, ça. Ouais, si c'est ça. Shaolin Soccer. Et Crazy Kung Fu, chef d'œuvre. Et CJ7. Ouais, entre autres. Et puis Journée to the West 1. Ah non, il a fait plein d'autres trucs, c'est qu'on n'a plus rien en France, c'est tout. Ah oui, c'est ça. Ah bah non. Faut regarder, le mec, il sort. Mais comme c'est un bon moine, évidemment, il n'abuse pas de sa puissance. Est-il en toc ? C'est un peu la question. De l'autre côté, on a surtout, hein, le deuxième personnage et plus important, c'est le singe, qui est facétieux, agile, intelligent, espiègle, fourbe, très fort, et puis très très fourbe, surtout. Et puis la petite troupe va aller de démon en démon, donc du coup, quoi. L'intérêt du film. Je l'ai dit, c'est pas trop le scénario, hein, parce que vous voyez, bon, ils vont se faire une quête ici, une quête là, une quête là-bas. Ni la mise en scène, moi c'est mon petit pincement de cœur, parce que j'adore Tsui Hark. Et là, franchement, on reconnaît rien quasiment de lui. C'est-à-dire que les plans, ils sont. Enfin voilà, lui c'est un explorateur, c'est un mec qui renouvelle le langage, qui expérimente aussi, hein, qui rate des choses aussi. Mais là, on voit pas ça du tout, il n'y a rien d'iconoclaste du tout. Voilà, il repousse rien du tout du langage cinématographique, c'est assez classique même en fait. Presque tout est fait numériquement, à part les quelques êtres humains qu'on voit. Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de décors même en réel. Mais voilà, ce qui est la folie, c'est le folklore. C'est tout ce qu'on va voir visuellement, les effets spéciaux qui sont maîtrisés. Il faut aimer le genre de ce qu'on va voir, parce que c'est très débridé, ça part dans tous les sens. Ouais, là, j'ai le prof qui me regarde de travers, là. Et c'est juste ouf, et on ne s'attend pas du tout à ce qu'on va voir. Même si on a vu du Stephen Chow, quand même, là, ça va loin, quoi. Enfin, je veux dire, dans Crazy Kung Fu, la paume de Bouddha, c'est à un moment donné... C'est paume ardente de Bouddha. Ouais, c'était... Voilà. Mais là, on a une vraie main dorée dans le ciel qui crée un tsunami avec un singe en pierre et en lave géant. Enfin, vous allez voir des trucs, ça va partir dans tous les sens. Il y a des jeux de proportions en permanence entre les persos. Enfin, voilà, c'est la mythologie chinoise... Je ne sais pas à quel point les respecter, à quel point les revisiter, parce que je ne connais pas assez. On sait que Tsui Hark a beaucoup d'imagination au-delà de sa mise en scène, mais dans ce qu'il peut mettre à l'écran. Là, c'est vraiment, par contre, le ton Stephen Chow, c'est-à-dire que c'est très, très, très comique. Ce qui n'est pas, en général, la force de Tsui Hark. Enfin, il a fait des trucs un peu comiques et il s'est marrant, mais c'est plus grinçant en général. Il y a plus quelque chose derrière. Là, ce n'est pas le cas. C'est gratuit. C'est de l'humour cartoonesque. À Stephen Chow, ça fout des mandales, ça saute partout. Là, on explose tout, mais c'est vraiment. Enfin voilà, on va commencer dans un univers en Inde très, très, très. De toute manière, règle générale, c'est très coloré. Très, voilà, des jeux de proportions, je vous l'ai dit, et puis des combats de fous, quoi. Vous allez voir des trucs de malades. Et ceux qu'on a déjà vu, je sais pas, des légendes of Zoo, des choses comme ça, où c'était moins maîtrisé au niveau des effets spéciaux, ils y arrivent là. Maintenant, c'est propre parce que c'est compliqué de retransmettre leurs trucs qui finissent toujours dans le ciel, avec des éléments qui se déchaînent, du feu, de la mer, tout ça. C'est compliqué de ramener des humains, des personnages qui partent de terre avec des humains et des non-humains qui finissent dans le ciel en combat, en convoquant des puissances, des énergies, des forces. C'est toujours compliqué à faire en film live. Là, ils ont réussi et c'est juste très très jouissif. Le film doit faire, je sais plus, 1h40, un truc comme ça. Oh, ça va. Pas beaucoup plus, il me semble. Non, 1h50. Mais il doit avoir un générique très très long à cause des effets spéciaux. Ouais, je vous conseille, vous allez vous marrer, vous allez en prendre plein les yeux. Ça part dans tous les sens, c'est marrant. Allez-y, quoi. Vous voulez voir des mains de Bouddha dorées, parce qu'il y en a qui défoncent tout. Enfin, voilà. Je peux même pas vous raconter tout ce qu'il y a, quoi. Tellement c'est marrant. Et Stephen Chow joue pas dedans pour une fois, parce qu'en général il joue dans ses propres trucs. Ouais. Mais voilà, ça reprend des codes un peu, si vous avez vu le premier, la fin qui se finit un peu dans le désert. Ça reprend deux, trois petites choses comme ça, mais c'est beaucoup plus élevé que le premier, quoi. C'est à la fois plus sage dans la mise en scène que certaines choses, si vous avez vu des inspecteurs, des détectives D, pardon, ou la bataille de la montagne du tigre de Tsui Hark qu'il a fait dernièrement, ou Dragon Gate. C'est beaucoup plus sage en termes de mise en scène, mais en folie visuelle, en univers folklorique. Mystique, tout ce que vous voulez de convoquer, ça va beaucoup plus loin. Ok, Kino, merci. Journey to the West de Tsui Hark. Inès, tu nous parles Green de... Snake x 10 000. Voilà. Tu nous parles de Mirai no Mirai, s'il te plaît. De Osoda. Ah, Mirai, ma petite Osoda-sensei.
pour raconter l'histoire. Kun est un petit garçon à l'enfance heureux jusqu'à l'arrivée de Mirai, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de ce jardin où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie, sa mère, petite-fille, son arrière-grand-père, dans sa trépidante jeunesse, et sa petite sœur adolescente. Voilà. En gros, c'est tout le speech du film. Synopsis. Et j'ai pas grand-chose à dire, à part dire que c'était plutôt bon. Je suis allée voir au cinéma et j'ai bien aimé. Il y a juste en fait un problème, c'est au niveau du format où vraiment on a plusieurs passages où on passe un moment du côté de son grand-père, puis de sa sœur, etc. Des passages où on aurait pu se dire que ce film aurait pu être des sortes d'OAV de 20 à 40 minutes comme ça, partagé. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé que ça avait été sur plusieurs épisodes. Trop, ça aurait été trop d'anime en série. Non, ça aurait été pas mauvais non Moi, plus. Je trouve ça très bien comme ça. Et c'était mon premier Osoda, voilà, c'était mon premier. J'en avais pas vu un avant. Ah bah, pourtant, je voulais fan, avec les loups d'Ameyuki. Pour moi, c'est mon réel d'anime, enfin de film en fait, hein, un animé préféré. Hein. Oui, oui. Vraiment, largement quoi. Oh la main. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Parce que le mec, il fait du cinéma. Oui, oui. Avec de l'animé. Ouais. Alors que souvent, l'animé. Bah, t'as pas. Tu le mets devant Miyazaki. Ah ouais? En termes de mise en scène, hein. Oui, au-dessus de Miyazaki, oui, parce que pour moi, il fait du cinéma. Le mec, il se dit pas, je suis en train de faire de l'animé, donc je vais filmer comme un animé. Non, il te fait du cinéma. Vraiment, c'est. Oui, c'est vrai. La mise en scène est folle. Ah, il est Tu l'as vu le film en fait? Je les ai tous vus ces films. J'avais. Bah, franchement, tout le début, c'est bien. Et c'est surtout la fin que j'avais beaucoup aimé, tu sais, quand il est au Shinkansen. Ouais. Parce qu'on a une fin avec. Parce qu'il est très fan du Shinkansen, comme tous les enfants de son âge, j'ai l'impression. Bah, les trains, vraiment, les otakus des trains, c'est fabuleux. Et la dernière scène qui fait un peu peur comme ça, c'était du très bon. Je trouve qu'il y a une petite touche qui fait peur, mais qui est très bien utilisée. Ouais. Et vraiment, très bon truc. Quand t'as dit Onibaba, j'avais pensé au film, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai parlé de Mirai, ma petite sœur. Juste ce qui manque à Osoda, c'est un Joe Hisaishi. Ouais, Miyazaki, tu me disais, c'est toujours pas au-dessus de Chihiro. Chihiro reste pour moi mon dessin animé préféré all time. Mais parce que pour plein de choses, parce que c'est pour moi c'est un film parfait. Mais il manque à Osoda un grand compositeur. Ça, par exemple, je regardais Le Garçon à la Bête, je l'ai revu il y a pas longtemps, Le Garçon à la Bête que j'adore, Nico un peu moins, mais que j'adore. C'est vrai que il lui manque un grand compositeur derrière. C'est vrai que dans le film ça manquait un peu de musique. Enfin, il y a une chanson au début qui était toujours plutôt pas mal. Ça, c'est toujours. Et à la fin aussi, mais au milieu c'est vrai que c'est assez mitigé. Enfin, c'est vrai que ça pourrait nous transporter un peu plus loin, voilà. Parce que je trouve que le film nous transporte, mais pas non plus comme il faut. Je suis d'accord. Mais il y a des. Moi, je trouve qu'au niveau de l'animation, ça manque un peu de détails. Je pense qu'il aurait pu faire un peu plus de détails, un peu plus de jeux d'ombre, de couleurs, de lumière. Je trouve que ça, c'est assez neutre comme ça. Mmh, c'est vraiment des couleurs à bloc sans qu'il y ait vraiment une lumière spéciale qui pourrait nous transporter un peu plus. Parce que je trouve que le film nous transporte pas assez en fait. Non, c'est plus. Mais c'est marrant parce qu'il y a deux écoles en ce moment. T'as l'école Osoda et en face, le mec qui a fait le fameux lettre. Le truc que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Hein. Par contre, j'ai vu ses autres films à lui. Tower machin là. Et puis il a fait. Your Name. Comment il s'appelle, l'auteur, le réalisateur? Bref, il y a deux. Ah, il avait fait Summer Wars. Non, Summer Wars, c'est Osoda. Oui, c'est Osoda. En fait, t'as Osoda d'un côté et t'as lui de l'autre. Oui. Les gens sont assez partagés actuels. Hein, je parle dans les réalisateurs actuels, les gens sont assez partagés entre ces deux personnes. Moi, je suis clairement Osoda, pas de doute là-dessus. Même si j'ai pas eu Your Name, j'ai vu tout le reste de ce qu'il a fait. Pour moi, c'est bien en dessous. Ah oui, non mais ça, j'ai envie de le voir. C'est il pas faut mon qu'on problème. Le voit aussi. Hein, ok. Ça avait dit. Donc, c'était Mirai no Mirai de Mamoru Osoda. Nico, tu voulais terminer avec une petite particularité, un petit truc, une petite surprise. Oui, alors comme je n'ai pas de présentation aujourd'hui par rapport à ça, je n'ai pas de Total Crazy, je vais plutôt faire autre chose. Déjà, faire un correctif avant de vous parler d'un truc. D'ailleurs, j'ai parlé de Hunter x Hunter en parlant que c'était dans le fond. Alors, c'est dans le fond Kana, c'est dans les meilleures ventes des fonds Kana. C'est ça que je me suis trompé tout à l'heure. Ce n'est pas dans les meilleurs fonds librairies. Mais pourquoi je dis ça? C'est justement, on va jouer un petit jeu.
Je ne vous dis pas quoi gagner, mais je vous annonce une très belle surprise. Mais je ne vous dis pas encore quoi. Pour ça, je nous, voudrais... on n'a toujours pas le droit de jouer, j'imagine. Non, vous n'avez pas le droit. Voilà, on s'en fout. Je vous propose un truc. Devinez quels sont les 20 meilleures séries qui font le 50% du fonds librairie, de toutes les librairies de France et de Navarre. Tintin. Trouvez les 20... Celui qui s'approchera le plus, ça sera mieux. Mais si possible, les 20 meilleures séries de fonds de librairie manga. Je voudrais que vous me les citiez. Et celui qui me sortira les 20 aura un petit cadeau. Je ne vous le dirai pas, je vous le donnerai à la fin, vous inquiétez pas. Mais voilà, je vous demande les 20 meilleures séries blanc, ever. Donc, bien sûr, vous comprendrez que ce soit du Naruto, One Piece, sont dedans. Donc, Naruto fermé, fini, Dragon et Ball. Comme dedans. Pour l'instant, je n'ai donné que deux pour donner un exemple. Il faut en donner 20. Oui, 20. Il faut avoir les 20 bonnes. De préférence, celui qui s'y approchera le plus sera le plus sûr de gagner. Je ne demande pas. C'est formel ce concours ou c'est juste comme ça là? C'est moi qui ai envie de vous faire un petit cadeau. C'est à tout le monde qui veut alors. Qui veut le faire là-dessus. Donc ah vous bah, envoyez vous répondez à tout le monde sur Facebook. Sur le Facebook d'Arokia et on ira dessus et on gérera ça. Et on gérera et ça. Instagram. Voilà. On gérera ça. Le mec il est jamais sur Facebook. On va gérer ça. Ouais, voilà. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai des faux comptes là. On sait pas ce qui a gagné. Je ne dis pas, mais vous serez heureux. L'intégrale des 20 séries. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous de bien vous amuser à les trouver. Et je me lance comme ça. Ciao, ciao. Merci Nico. Et c'est ainsi que c'est le rire d'Inès, hein, du Arokia Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga manois et Global Manga. Au revoir. Si vous aimez le podcast, allez sur. Allez, démerdez-vous. Allez nous écouter sur iTunes et tous les agrégateurs de podcasts. C'est quoi mon truc? T'écoutes quoi Crazy Podcast, non? Comment ça s'appelle? Podcast Addict notamment. Sur YouTube, pour ceux qui veulent aussi. En lien dans la bio d'Insta. C'est ça. Vous pouvez nous envoyer des petits mails aussi, hein, ça peut être sympa, sur arroicacafe@gmail.com ou voilà dans les différents messengers. Remerciements à Kensington Café, 12 rue de la Faïencerie à Nancy. Merci. À tout manga, 8 cours des arts. Et à Tcho Production pour la mise à disposition technique. Prochain numéro anniversaire. Oui, tout à fait. Prochain numéro anniversaire. Très bien vu. Et on vous dit au mois prochain. Salut. 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 Connaissances et cette énergie peuvent-elles venir ?